Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Vous en avez clairement rien à foutre de ce que je vous dis actuellement. Vous êtes là juste pour kiffer les sons d'intro de ce live, puis ça fait des mois qu'on se tape la même phrase à la con, alors bouge ta cul, Kono. Ça vient de prendre cher, je suis vidé. Tu es joueur, tu aimes les challenges, alors tape point d'exclamation ban dans le chat. N'hésitez pas, en attendant le début du live, à me follow sur Instagram et rejoindre le Discord parce que j'ai besoin de moula et de percer dans le game et j'adore les beats. Je suis Colbane du passé. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser un message à moi-même qui fait pas tarder à arriver dans le live. Mec, tu déchires tout et t'es trop BG. Maintenant, je m'adresse à vous les connos. Dès les premières secondes où j'apparaîtrai dans le live, je vous demande de m'aduler et de m'ovationner tel un dieu grec, afin que je puisse m'auto-satisfaire dans les meilleures conditions à l'issue de ce stream. Amis chômeurs, amis chômeuses, bien le bonjour, il est temps de se lever, il est temps d'enfiler un caleçon ou un slip,
afin de démarrer cette journée. Ouais, il faut s'actualiser si ce n'est pas déjà fait. Ouais, il faut chercher du taf. Il faut trouver du taf et faire plaisir à notre magnifique président de la République, Emmanuel Macron. S'il vous plaît, les amis, ne restez pas dans votre pieu toute la journée. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voilà. Ou alors, si vous restez dans votre pieu, bah regardez mes streams, hein. C'est tout, point. Aïe, bonjour. Bonjour Kayabouya, déjà envie de te ban. T'as parlé d'un sujet qui fâche, j'ai déjà envie de te ban. Alors, je vais te répondre, c'est pas reprogrammé. Ça doit être reprogrammé, mais quand, je sais pas. Parce que j'ai pas eu de nouvelles, parce que apparemment il leur faut du temps pour prendre en main le dossier et te dire qu'ils doivent repasser, mais ils savent pas quand, tu vois. C'est clairement ce qu'on m'a dit, hein, parce que j'ai contacté, je suis passé chez Soch, du coup. Donc Soch, eh bien, s'il y a un chat vocal, n'importe quoi, un chat écrit, tu vois. Et du coup, j'ai demandé à avoir un nouveau rendez-vous, ils ont dit, ah oui, vous inquiétez pas, on a le dossier en main, on vous tiendra au courant quand on vous programmera une nouvelle date de passage, quoi. En gros, donc j'attends. J'attends de recevoir un SMS, ils m'ont dit par SMS ou un appel téléphonique classique, donc j'attends. Voilà, pas plus que ça, j'attends, je suis obligé d'attendre, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut attendre. Sachant qu'en plus, ben, le fin mot de l'histoire de cette histoire de fibre là, soi-disant, donc si t'es pas au courant, le technicien est passé et a dit « Moi je peux rien faire, il faut faire des travaux dans l'immeuble parce que je peux pas faire remonter le câble du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. » Bon. C'est ce qu'il nous avait dit, hein. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai appelé mon proprio lundi, parce que le gars nous disait c'est pas gainé, tu vois, c'est pas gainé. Le fin mot de l'histoire, c'est que c'est gainé dans l'appartement, dans l'immeuble. Tout est gainé, donc la remontée de câble était totalement possible. Sauf qu'on est tombé sur un putain de branleur qui n'avait pas envie de travailler. Un chômeur dans l'âme, voilà. Sauf que là, bon ben, ce genre de chômeur, je les accepte pas, hein. Envie de leur mettre des coups de tête, hein. Voilà. Yo guys, salut guys, ça va guys? Est-ce que Mordanize est dans le métro encore? Est-ce qu'il se tape 1h40 de trajet pour aller au trésor public? Donc voilà l'état de la fibre, hein. Je suis dans le... Alors, j'étais dans le désespoir le plus total, hein. Sur le coup, je me suis dit, bon bah c'est bon, j'aurai jamais la fibre, parce que connaissant mon proprio, c'est même pas la peine de lui demander un truc, hein, parce que c'est des fois il te répond et si t'as de la chance, hein. Bon bref, je me suis dit c'est bon, je me suis fait une raison. Mais là, peut-être que je recommence à être un peu optimiste, je sais pas. On verra bien. On verra bien. Oui, mais cette fois, c'était ouvert et j'ai juste eu à déposer mon papier MDR. Oh, putain, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu pouvais pas l'envoyer par courrier directement, Mordan? Bon, voilà. Donc, du coup, la fibre arrivera peut-être. Parce que pour le coup, bah, quand le technicien, enfin le prochain technicien qui doit passer, mon propriétaire doit venir aussi pour lui expliquer comment ça marche dans cet immeuble. Hein. Voilà, donc a priori, le prochain passage devrait être le bon, j'espère. Hein, parce que sinon, bonjour la galère, quoi. Bonjour la galère, j'en ai marre surtout. J'en ai marre d'avoir une connexion pourrie, j'en ai marre de devoir mettre 50 ans à upload mes trucs et tout ça. Bon bref, vous connaissez, hein, ceux qui n'ont pas la fibre. Si, mais flemme, en plus, chaud aux fesses pour moi d'attendre plus. J'ai un peu attendu le tout dernier moment. Ouais, mais en vrai, tu vois, Mordan, si t'aurais envoyé... Enfin, alors excuse-moi, je vais faire le daron, là. Mais si t'aurais envoyé ton papier, mardi, hein, mardi, juste après ton passage infructueux, t'aurais envoyé mardi... Franchement, je dis aujourd'hui, lavez ton papier. Hein. Aujourd'hui, lavez ton papier. Il lavait ton papier aujourd'hui. Et ça t'aurait évité des déplacements. Mais bon, après, voilà. Et il faut bien que tu fasses quelque chose de ta journée, hein, toi aussi, chômeur. Hein. Déménage. Ah, bah oui, c'est facile à dire ça. Ah, ça, c'est facile à dire, déménage. Chut. Ah, bah ouais, bah écoute, moi, je suis daron maintenant. Hein. Moi, j'ai le droit de donner des leçons à tout le monde, hein, je suis daron. Hein. Bah oui, hein. Regardez, je suis un bon père de famille, regardez dans quoi je bois, moi. Eh, prenez exemple sur moi, les gars. Ah là là là. Bon, ça va, sinon, ce matin?
Hey Abouya, ça bosse? Ça bosse ce matin? Est-ce qu'on s'en sort niveau prod, Kayabouya, ça va? Est-ce que les autres ont réussi à t'aider? Parce que moi j'ai été à peu près aidé hier. Hein. D'ailleurs, va falloir qu'on arrête de faire les cons, hein, mais si on veut se faire du gaming, faut que on se mette dans le vocal gaming. Hein. Je suis désolé Kayabouya pour ça hier. Hein. T'es venu à chaque fois, deux fois pour poser des questions et on était en pleine game. Non, vraiment, là on a déconné. Hein. Faut vraiment qu'on se mette dans le salon gaming si on veut jouer. Hello les gars, j'adore la tasse de Daron. T'as vu, elle est belle. Hein. Magnifique. Hein. Ça va, Sharpie? Ça va, j'ai prendre jusqu'à plus d'1 heure du matin? Mais non! Oh là là! C'est bon ça! Ça me fait plaisir de lire ça, tu vois. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est bien, c'est bien. Bon, alors, je vais. Sharpie est là, je vais faire un petit point par rapport au Remix Contest. Attendez pas une vidéo Remix Contest, résultat Remix Contest samedi. Hein. Voilà. J'ai eu 3 participations. Autant vous dire que c'est trop peu. Donc, bah. Je sais pas quoi en faire parce que moi je suis un petit peu gêné pour ceux qui ont participé parce que vous avez fait l'effort de participer et je sais pas quoi faire du coup. Hein, est-ce que je les. Enfin, déjà je vais les écouter, ça c'est une certitude, mais est-ce qu'on les publie? Est-ce qu'on les publie pas? Ça je sais rien. Je sais, j'attends rien. Oui, je vois de toi, je sais, j'attends rien, mais il faut que je le dise aux autres aussi que bah, finalement il y aura pas hein, pour le coup. Si Drosa il est au courant, il y a que Alexis qui est pas au courant pour le coup. J'ai passé 5 heures. A passé 5 heures. J'ai enfin fait un truc qui me plaît. Hâte d'être à ce soir pour que tu mixes. Ma... Ah ouais, que je mixe. Ah ouais. Non mais attends. Et oh, et. J'ai dit, moi j'aide, mais j'ai dit, je fais pas à ta place. Hein. Attention. Bien sûr, oui. Donne des sous pour qu'on déménage dans une maison. Bah oui, donner des sous. Je pense que si tu offres 10 subs, déjà, on peut envisager un déménagement. Ouais, donc du coup, bon bah voilà, c'est pas grave, hein, on aura flopé sur le Remix Contest, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des idées de prochains contests. Hein. Ouais. Qui pour le coup vont intéresser tout le monde. Hein. Ah, clairement, ça va intéresser tout le monde. J'ai des idées. Nous en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, hein. Clairement. Donc voilà. J'ai des idées et quand est-ce que je vais vous donner cette idée-là? Je pense dans... alors, pas samedi-là, parce que la vidéo est prévue. Pas samedi de la semaine prochaine, parce que je pense qu'elle sera prévue aussi. Mais je pense d'ici 2 semaines. Tu as une de tes ID? Non, 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 non. Je ne dirai pas mon idée quand même, hein. Sinon vous n'allez pas voir la vidéo, bande de conneaux. Non, 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 je... t'inquiète pas, t'inquiète pas. L'idée sera là et puis voilà. Et puis je vous la donnerai en temps voulu. T'inquiète pas, mordagnier. Pareil, je pense que. Est-ce que 2 semaines pour faire un son, ça vous suffit 2 semaines pour faire un son en vrai? Faut pas vendre la peau de l'ours. Mais non, tout à fait. Non, mais j'ai appris, hein. J'ai appris, hein. Jusque-là, moi, je disais tout, tu vois. Je disais tout. Je disais, ah, tiens, j'ai fait une vidéo, ça parle de ci, de ça. Tiens, on va la regarder ensemble. Ben non, trou du cul. Si tu regardes ta vidéo avec les autres, là, ben ils vont pas la regarder par eux-mêmes. Et du coup, ton watch time, il est baisé. Et du coup, ben tu seras pas mis en avant. Ben ouais, j'ai appris, hein. 2 semaines, c'est court. Ah, 2 semaines, c'est court. Merde. Je me base sur mes propres préférences. Hein. Je sais que moi, en 2 semaines, j'arrive à faire un son. Hein. 1 mois pour un remix contest, c'est l'idéal. Oui, mais si c'est pas un remix contest. Si c'est un contest, c'est pas un remix contest. 3 semaines, je pense que c'est bon. Ok, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. J'ai envie de vous laisser 2 semaines quand même. Franchement. Parce que c'est clairement pas un remix contest. Hein. Et ce sera. Ce sera. Bon, vous pouvez savoir que ce sera à faire une prod originale, hein, pour le coup. Encore pire si c'est une originale. Ah! Ah, je vais pas vous laisser 6 mois quand même! Mordon, toi-même, tu sais, t'arrives à faire des prods en 2 jours. Facile. Ah, au moins l'arrangement. Hein. L'arrangement en une journée, s'il faut, c'est fini. Hein, tu vois. Pour certains, il y en a, ils y arrivent très bien. Hein. Je pense qu'un Kayabouya mettra peut-être plus de temps s'il participe. Non, je vais partir sur du 3 semaines, je pense. 3 semaines, c'est bien. Ouais, 3 semaines, c'est pas mal. Ouais, en même temps, attendez, le contest que je vais lancer, c'est un gros challenge, hein, si je peux dire ça comme ça.
Donc, ouais, il va falloir mettre des formes pour que ce soit un vrai challenge. Participe pas, je suis trop naze, mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, pas moi, c'est bien s'il y a des contraintes. C'est mon avis, hein. Si tu veux faire 2 semaines, let's go, mon fou. Oui, non, mais toi, je sais que tu t'en fous. Hein. Toi, je sais qu'en même en 1 semaine, ce serait plié. Hein. Je sais très bien que toi, vu ton niveau, t'inquiète pas. Bah, je pense que 3 semaines, ce sera pas mal. Déjà, 15 jours, peut-être, pour le remise contest, c'était bien. Ouais, 3 semaines. Allez, 3 semaines, ça ira. Après, même un Kayabuya, tu vois... Moi, à l'époque où j'avais à peu près le même niveau que toi, Kaya, on m'avait demandé de faire un remix en 15 jours, j'ai réussi. Hein. Bon, c'était pas de la qualité, hein, parce que j'étais nul. Mais, mais c'est possible. Hein. Pas faux, ça dépend de l'inspi. Ouais, ça dépend de l'inspi, tout à fait. Mais comme ce sera une prod originale, en soi, l'inspi, bah, c'est toi. Hein, easy. J'ai même envie de te dire, c'est typiquement le genre de contest où tu peux réarranger une originale que t'as déjà composée, tu vois. Totalement. Donc en soi, ça peut être très très très, très rapide en fait. Hein. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de participer à des remix contests ou des trucs comme ça, et de réarranger une track que j'avais déjà composée au préalable. Bah tiens d'ailleurs, mon premier remix de McFly et Carlito, c'était un track challenge hein, de base. Hein. Un track challenge que j'avais poursuivi. D'ailleurs, j'ai dit, ça va être le premier track challenge que j'ai fini et que je vais sortir. Non, c'est pas le premier, le 24 février. Non, ce sera pas le premier. Donc du coup, c'est un track challenge que j'ai réadapté hein, en fonction de la prod que je voulais faire. Et puis voilà. D'ailleurs, le remix challenge, il est où? Ça fait un flop? Ah, mais j'en ai parlé il y a même pas 2 minutes. J'en ai parlé il y a 2 minutes. Kayabuya. Oh, ça me fume. Je mettrai pas de kickron dans le second build-up. Ah oui, d'accord, le mode triche activé. C'est pas un mode triche, hein? Non, parce que même si vous avez composé la track au préalable, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche, hein. C'est pas comme dans les track challenge où là, oui, là, pour le coup, vous avez un temps limité et que là, oui, il faut se go. Hein, faut faire un vrai TC, tu vois. Alors, dans le contexte, dans le truc de contest, de toute façon, ce sera pas vérifiable. Hein. On pourra pas le vérifier. Hein. Clairement, on pourra pas le vérifier. Donc, c'est vous qui verrez, hein, évidemment. Après, est-ce que la track que vous réarrangeriez correspondrait au contest? Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que vous ne savez pas ce qu'il en retourne. Et sinon, Kaya, pour te répondre, oui, ça fait un flop. Hein, 3 participations. Pour le remix... pour ma défense, je bosse... Oui, je bosse actuellement. Oui, 3 participations dans le remix contest. Donc, quand c'est LED, c'est annulé, du coup. Et ce qui m'emmerde, c'est que je sais pas quoi faire des remixes qui ont été faits, quoi. Il me tarde d'entendre cette idée de contest. Ouais, t'inquiète, bah je te dis, c'est... Alors, voyons, réfléchissons. Donc là, on est samedi 4. Samedi 4, la vidéo est prévue. C'est bon, elle est faite, elle est prête à sortir. Samedi 11, il me reste juste le montage à faire. Ok? Donc ce sera le samedi 18 février qui sera sûrement l'annonce du contest. Parce que l'annonce se fera... Alors... Oui, précision, l'annonce du remix contest avait été faite dans une vidéo à part, bien dédiée, vous avez vu, qui était sortie un mercredi. Là, pour le coup, l'annonce du prochain contest se fera dans une vidéo normale, hein. Voilà, je le dirai en début de vidéo. C'est très simple, vous allez comprendre pourquoi très vite, hein, quand vous verrez la vidéo. Mais bref, dans un sens, va falloir suivre un petit peu l'actualité sur YouTube, hein, si c'est pas déjà le cas. Hein. D'ailleurs, bon, je vous mets le lien, mais je pense que vous y êtes tous, là, sur mon YouTube. Donc du coup, je pense d'ores et déjà vous donner rendez-vous le 18 hein, février pour le prochain contest. Où il y aura exactement la même chose à gagner, hein, entre guillemets, par rapport au remix contest que j'ai organisé là récemment. Pour le remix contest, en vrai, je m'y étais penché dessus le vendredi 13. J'avais l'idée du drop, mais pas le reste. Et c'est pour la dernière semaine que j'ai trouvé l'inspi pour tout le reste des mixages. D'accord, bah comme quoi, en 15 jours, c'est totalement faisable, hein. Comme quoi, c'est totalement faisable. Alors aussi, tiens, parlons d'un truc, parce que ça a floppé. Je sais pas si vous l'avez vu sur le Discord, mais j'ai sollicité les... alors, les VIP, Sharpie, il a peut-être pas vu, parce que du coup, il est pas VIP. Parce que si vous savez pas, donc, sur le Discord, nous avons le channel général, tout ça, les channels vocaux que vous connaissez tous. Mais il y a aussi un coin réservé aux VIP. VIP et sub, hein. Donc, tous ceux qui ont le rôle 3310
Et tous ceux qui ont qui sont sub, qui ont le rôle sub, qui est un rôle automatique, je rappelle que vous ayez sur le Discord, quand vous prenez un abonnement ici sur cette chaîne, si vous avez linké votre compte Twitch à votre compte Discord, eh bien vous avez automatiquement le rôle sub. Voilà. Donc il y a un coin spécifique. Et c'est un petit peu, ben, les gens, des fois, je vais vous solliciter pour quelque chose. Par exemple, j'ai besoin de votre avis pour une future idée, pour quelque chose à mettre en place. Je vous donnerai peut-être en avant-première aussi les news concernant Twitch, concernant YouTube, concernant ma musique, etc. etc. Donc là, j'avais lancé un sondage pour quelque chose, ça a un peu floppé. Autant vous en parler maintenant. J'ai envie d'organiser un Clash Challenge pour le samedi 25. Voilà. Vous savez que je stream un samedi par mois. Jusque là, on a fait, eh bien, on a fait le Qui veut gagner des millions et on a fait le live Subathon du 31 décembre. Sauf que là, pour le 25 février, j'ai envie de faire un Clash Challenge et je ne sais pas contre qui. Voilà. Donc, j'ai besoin de vos avis. Si vous avez des idées de personnes à affronter, je suis totalement preneur. J'ai plus ou moins des idées aussi, pour le coup, mais je ne sais pas qui. Alors, appel à vous. Surtout Mordan, hein, qui connaît très bien les Clash Challenge et qui en a participé un bon nombre de fois. Et voilà. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. J'étais pas abonné, quel conno. T'étais pas abonné? À ma chaîne YouTube, t'étais pas abonné? Je vois pas l'historique des messages de ces salons, donc j'ai rien vu passer. Je vois pas l'historique. Quel rôle tu as, toi? Quel rôle tu as, Mordanize? Mordanize est sub, tu vois pas l'historique. Comment ça? Je vois pas l'historique. Attends, je vais voir un truc. Bah tiens, ça me permet de régler certaines choses s'il faut. Alors, paramètres du serveur. Rôle. 33D. Non, les subs. Voir le rôle depuis le serveur. Donc, ah oui, tu n'as pas la permission de consulter l'historique des messages. Ah, bien vu. Ah bah oui, j'avais pas cette information, moi. Eh ben, je vais changer ça tout de suite. Hop, on va changer ça tout de suite. Oh, les rôles, tout ça, Discord, c'est une galère. Alors, modifier la catégorie permission. Donc, pour les subs, là, je peux rien faire. Si, là, les subs. Alors, voir le salon, gérer les permissions, créer un lien d'invitation, naninana, envoyer des fils, je sais pas quoi. Voir les anciens messages. Hop, normalement, ça pourrait être bon. Normalement, c'est bon. J'ai rôle iPhone 14 et BlackBerry, je sais pas pourquoi, et je suis sub. Non, non, tu as le rôle sub, Mordan, hein, totalement. Totalement, je viens de le voir. Tu es dans les subs, hein. Ça, c'est bon. Donc là, a priori, ça devrait être bon. Voyons. Paramètres du serveur. Rôle. Hop, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Là, c'est bon. Par contre, t'as pas la permission d'envoyer des messages. Oh, putain, merde. Le gars, il fait les choses à moitié. Donc, tu peux consulter, mais tu peux pas écrire. Ah, bah, ça, c'est couillon. Allez, je vais le modifier. Modifier la catégorie, permission. Donc, les subs. Alors, il y a un truc qui est vraiment dommage sur Discord. C'est que tu peux pas copier-coller les paramètres des permissions, hein, entre les rôles. Et ça, c'est dommage. Hein. Ça, vraiment. Merde. Hop. Bah, je vais faire... on va faire comme ça. Hein. Envoyer des messages et créer des posts. Ça. Ah oui, c'est en neutre. Du coup. Envoyer dans les fils et les posts. Non. Créer des fils publics, créer des fils privés, intégrer des liens. Autoriser les liens partagés par le monde. Ok. Donc ça, oui. Joindre des fichiers. Oui, pourquoi pas. Ajouter des réactions. Oui. Emoji externe. Oui. Les autocollants externes, oui. Mentionner everyone, here et tous les rôles, oui. Gérer les messages, non. Gérer les fils et les posts, non. Voir les anciens messages, oui. Envoyer des messages de synthèse vocale, non. Utiliser les commandes de l'application. Permettre d'utiliser les commandes provenant d'applications dans des salons, non. Voilà, se connecter, parler, permet aux membres de parler dans les salons vocaux, oui. Vidéo permet aux membres de partager leur vidéo. Oui. Je vais laisser en neutre parce que ça marchait bien, je crois. Ok, ça marche. Les événements. Non. Nickel. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour tous les subs. Vous avez accès à 100% dans ce channel-là. Je vais le revérifier. Hop.
Ah bah je comprends pourquoi ça a floppé du coup mon petit sondage là. Voilà, vous pouvez écrire, nickel. Ah bah oui, je comprends le flop, hein. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des choses qui vous gênent hein, sur le Discord. Je vous dirai si c'est bon ou pas bon. Hein. Sachant que chaque rôle a des spécificités. Hein. Par exemple, toi, Sharpie. Sharpie qui est chez les Blackberry, je crois. Il y a des salons où tu n'as pas accès hein, sur le Discord. Concrètement, je tiens à le préciser. Hein, parce que je vous donne, si je vous donne le rôle VIP et que vous êtes sub, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il y a une raison, vous êtes mis en avant sur mon Discord aussi. Hein. Donc vous avez accès à des choses que les gens, les autres personnes n'ont pas accès. Les gens lambda, dira-t-on. Trop de salons, on se perd parfois. Mais oui, mais vous me dites trop de salons, mais hey, va checker tes serveurs RP, toi. Il y a 36 millions de salons. Je vois pas qu'il y a trop de salons. Il n'y a pas trop de salons, les gars. Franchement, non. Hein. Vous me dites qu'il y a trop de salons. Ça fait deux fois qu'on me le dit. Il n'y a pas trop de salons. Clairement pas. Il hein. Y a des serveurs, ils sont bien pires que moi. Hein. La vérité, ils sont bien pires que moi. Hein. J'y vois pas. Hein. Au pire, je peux bouger hein, les salons. Je peux mettre challenge en dessous des salons textuels, etc. etc. mais il n'y a pas trop de salons. Hein. Clairement, non. Je vous assure que non. Je prends, alors, je prends l'exemple du serveur de Mordhan. Mordhan, c'est pareil. Hein, il a autant de salons que moi. Hein. Tu vois. Quasiment. Hein. Je dois avoir un petit peu plus, mais... J'avais déjà... Déjà, j'avais pas lié Twitch à Discord. Ah bah oui, bah oui. C'est peut-être pour ça que t'avais pas accès au salon, au role sub. Hein. Voilà. Donc pour avoir le role sub, oui, il faut linker son compte Twitch et Discord. Comme ça, ça se fait automatiquement. Dès que tu prends un abonnement, le jour où tu prends un abonnement, si tu le fais, eh bien, tu auras accès au role sub. C'est pas moi automatiquement qui me dit ah ok, j'ai eu tant de sub, il faut que je bouge machin, y en a, qui le fait moi-même. Non, c'est automatique. Hein. Franchement, bah, de toute façon, vous me dites il y a trop de salons, mais qu'est-ce que je peux supprimer en vrai? Alors dites-moi. Dites-moi s'il y a trop de salons. Qu'est-ce que je peux supprimer? Les règles? Bah non. Le salon présentation? Bah non. Mon salon d'annonce? Sûrement pas. Info live YouTube? Sûrement pas non plus. Ah, le salon FAQ, je pourrais le supprimer. Ou le rendre invisible, du coup. Parce que là, je l'utilise pas. Bon, pourquoi pas. Modération? Bah ça concerne la modération. Donc ça bouge pas. Les salons challenge? Ils vont pas bouger. Ça, c'est une certitude. Les salons textuels, alors le général ne bouge pas, l'inscription Call of Challenge non plus, le salon connerie non plus, le clip Twitch non plus, faites votre promo non plus, le salon gaming, qui est un peu useless mais on va le garder, partage de streamer non plus, commande bot non plus. Pour les VIP ça bougera pas non plus, les salons vocaux ne bougeront pas non plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste les channels production musicale, feedback ne bougera pas, tips questions bougera pas, assemblée preset et leader price non plus. Qu'est-ce que je peux supprimer? Rien du tout. J'ai toujours pas l'historique des messages, je sais pas si t'as vu mon message. Ah bah non, c'est pas possible. Vous êtes laissé, je regarde ça une fois à la maison. Pas de soucis, Mordhan. Non, c'est pas possible. Donc voilà, vous me dites qu'il y a trop... Tu me dis qu'il y a trop de salons, mais qu'est-ce que je supprime, moi? Bah, je peux rien supprimer, hein, concrètement. Tous les salons sont utiles, hein. C'est ça le problème, c'est que... Je veux bien entendre qu'il y a trop de salons, mais et tous les salons sont utiles. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Surtout qu'on peut réduire, hein. Ça, normalement, il est bien organisé, hein. Vous pouvez réduire tous les trucs. Hein. Il y a des salons, bon, par exemple, c'est vrai que toi, Pops, les salons challenge, tu vas pas en avoir... t'en fous, quoi. Bah, tu réduis. Réduis, au pire. C'est pas important pour toi. Donc, si vous trouvez qu'il y a trop de salons, bah, n'hésitez pas à me faire des suggestions hein, de trucs que je pourrais supprimer, hein, concrètement. Réarranger, alors? Bah ouais, réarranger, oui, comme je dis, je peux mettre, par exemple, je peux mettre les salons challenge tout en bas. Ça c'est, oui, ça c'est, oui, à la rigueur, ça je peux le faire. Putain, j'ai fait un rêve cette nuit, alors je sais pas pourquoi, je vous parle de ça maintenant, hein, mais j'y pense. Là, cette nuit, j'ai rêvé qu'on était en Norvège, que là, on partait là, en Norvège, hein, et que c'était l'été là-bas, et qu'ici, on était en hiver, hein, que là-bas, c'était l'été. J'ai fait un rêve vraiment con, hein, pour le coup. Bon, je peux arranger le truc et mettre les salons de challenge en bas. Ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Voilà. Production musicale, les salons vocaux, VIP. Bah, je vais mettre le salon... Bah voilà, comme ça, c'est bien. J'avais juste... En fait, si je fais juste ça, c'est bon. On va dire par ordre d'importance et d'intéressement. Voilà, les channels importants tout en haut, c'est logique. Le channel modération, oui, aussi. Pareil. Ou alors, à la rigueur, je mets modération dans important. Salon textuel, bah ça reste, hein, pas de problème.
Salon VIP juste en dessous, très bien. Channel VIP, les salons vocaux. Ah, d'ailleurs, les salons vocaux, il faudrait que je les remonte plutôt. Hop. Voilà, je remonte juste ici. Hop. Voilà. Et après VIP, etc., etc. Bon. Ouais, parce que franchement, je vois pas qu'est-ce que je peux supprimer, hein, sans déconner, hein, sur Discord. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Comme j'ai dit, hein, tous les salons... Il y a que le salon FAQ, s'il y a la rigueur. Celui-là, je peux le mettre en invisible pour tout le monde. Parce qu'il sert à rien, mais ça va pas changer grand-chose. Hein. Ça va pas changer la face du monde. Hein. Permission. Salon privé. Définissant un salon... Les gens ne peuvent le voir. Ah ben non, c'est pas un salon privé de base. Attention, everyone n'a pas la permission de voir ou de se connecter au salon de ce serveur. Tous les salons seront cachés par défaut aux membres utiles. Tu peux avancer pour... D'accord. Et je l'ai décoché. En privé. Hop. Enregistré. Du coup, là, personne peut voir le salon FAQ. Normalement. Paramètres du serveur. Roll. Ah, tiens, si je prends par exemple les mots d'où. Ah, si, il y a toujours accès au salon FAQ. Et si je fais. Oh, je pourrais le supprimer carrément de toute façon, parce que même Zippo, s'ils veulent voir, ils s'en foutent. Bon, bref. Ça changera pas grand chose de toute façon. Mission. Hop. Enregistré. Là, il faudrait que j'enlève tout le monde qui a accès à ce salon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, du coup, j'ai rêvé qu'on était en Norvège et que c'était l'été. Voilà. Voilà. Et qu'il y avait des... Je crois qu'il y avait la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques ou je sais pas pourquoi. Voilà. C'est très bizarre, hein. Ah, j'ai voyagé, moi, dans mon rêve, hein, cette nuit. Hein. Oh, putain. Ah, j'étais en Norvège. Hein. Pourquoi la Norvège, je sais pas. Pourquoi c'est l'été maintenant, je ne sais pas, alors que c'est pas du tout l'été, hein, actuellement, en Norvège. Ouais, ouais. Comme quoi, notre cerveau, il divague. Hein. Et surtout... D'habitude, on dit que les rêves sont liés à quelque chose que t'as entendu, vu ou pensé durant la journée, tu vois. Moi, pas une seule fois, j'ai pensé à la Norvège, hein, hier. Hein. Bon, et du coup, j'étais en Norvège. Ah, la vache. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est que, ben, on va aller regarder « Et si on se rencontrait ?» Voilà, on y va. On va démarrer la matinée React, enfin. Certains diront « Enfin ». Alors, on en est où? On va démarrer donc l'épisode 4 de la saison 2, sachant qu'il y a 10 épisodes dans cette saison. Donc, eh ben, écoute, on arrive presque à la moitié, hein, de la saison, déjà, avec une grande tristesse. Donc, bah écoutez, on va y aller. Hein, on va y aller. Je crois que c'est l'épisode 4, hein, si je dis pas de conneries. Je vais mettre mon fond vert tout de suite, bien sûr. Logique. Hop! Ah, et par contre, j'ai dormi sur mon épaule, ça m'a flingué. J'ai mal dormi, j'ai pris une position de merde. Enfin, vous connaissez tout ça. Hein. Ça m'a flingué. Flingax, le coco. Hop, voilà. Beau petit zoom pour que ce soit bien propre. En parlant de « Et si on se rencontrait ?», c'est quand qu'on se fait un barbecue ? J'en ai marre de l'hiver, MDR. Ah bah ça, mon pote, je sais pas. Ou alors, va en Norvège, comme moi cette nuit. Je sais pas. Je sais pas, là il va falloir prendre son mal en patience, Sharpie, encore. Hein. Voilà, oui, il faut aller dans des pays où il fait un peu chaud, concrètement. Là, tu pourrais voyager. Je pense que les Canaries, hein, les Canaries doivent faire quand même assez chaud pour le moment. Si on prend une destination pas trop chère et pas trop loin. Parce que sinon, bah, faut aller dans les îles, et là, ça coûte 1000 balles par personne, hein, évidemment. Mais je pense que les Canaries, ça doit être pas mal, là, déjà. Ouais. Bon, allez! Je vais faire comme Jacques, je partirai au Maroc. Eh, pas sûr qu'il fasse très chaud, hein. Attention au Maroc, hein. Ça dépend des coins. Hein. Mais il fait pas si chaud que ça, hein, en hiver au Maroc. Hein. Ça dépend des coins. Il faudra aller dans le sud, du coup, du côté du Sahara. Parce que dans le nord, t'as toute la chaîne de l'Atlas et tout, il fait froid. Il neige au Maroc, hein, l'hiver. Hein. C'est vrai, hein. Ouais, ouais. Ouais, le Maroc, c'est pas forcément là où il fait le plus chaud. Hein. Ah, peut-être, attends, si tu vas à Djerba en ce moment, en Tunisie, attends, Tunisie, météo,
Alors, je vais te dire ça. Hop, 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 hop. Alors. Oui, j'accepte, oui. Ah, oh, Nicky Porras. Non, mais Adblock, je m'en bats les couilles. Casse-toi, Adblock. Tunisie, fait quoi? Elle est où, la carte? Elle est où, la putain de carte? Ah, elle est là. Ah, fait pas si chaud que ça, quand même, hein. Clairement en train de regarder Djerba. Alors attends, je suis même pas sur Djerba, je suis sur Tunis. Rien à voir. Île de Djerba, Tunisie. Voilà, tout accepté. Super. Ah bah cet après-midi, il va faire 16 degrés, tu vois, Djerba. C'est pas... Non, c'est pas encore chaud. Hein. 16 degrés ressenti 20. Bon, il fait 11 degrés la nuit. C'est un peu mieux qu'ici, c'est sûr, hein, mais c'est pas non plus des températures d'été, hein. Pas encore. Hein. Mais je pense qu'aux Canaries, par contre, si je tape Las Palmas, Las Palmas. Ça devrait être sympa, je pense. Voyons. Ah, c'est un peu mieux aux Canaries. Aux Canaries, ce matin, il fait 15 degrés, tu vois. Et cet après-midi, il va faire 19. Bon, c'est bien. Ma foi, c'est pas mal. 19 degrés, c'est sympa. Je pense que ça te va, 19. Pas ouf, mais bon, ouais, on est au mois de février. Hein. Ouais, c'est pas ouf, mais on est au mois de février. Ouais, si tu veux des températures vraiment d'été, là, comme je te dis, va falloir aller, je sais pas moi, à La Réunion, en Martinique, Guadeloupe, Cuba, Puerto Rico, tout ça. Et là, bon, bah, faut raquer, hein, mec. Hein. Faut penser que c'est 1000 balles, pas personne. Hein. Et je pense pas que tu vas laisser ta femme tout seul. Hein. Je crois pas. Hein. Bon, allez, et si on se rencontrait? Et si on se rencontrait? Voici les trois rencontres que vous allez découvrir ce soir. Oh, les petits canards. Celle de Rémi, tout d'abord. Depuis un an, il est passionnément amoureux de Josie, une jeune femme installée au Pérou. Oh là là. Ça commence. Oh putain, ça commence. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu la dernière fois? On avait eu des épisodes goldés. Hein. On avait eu aussi des paquebots, tout à fait, à Triou. Bonjour à Triou, comment vas-tu? On avait eu des paquebots. Et là, ça commence, hein. Il a peur qu'elle refuse de quitter le Pérou pour venir vivre en France avec lui. Ok, donc le gars, il a dit Tinder. Vous savez, quand vous avez Tinder, vous pouvez régler la géolocalisation, hein. Tu mets à 20, 30, 40 km autour de chez toi. 50 maximum, parce que sinon ça fait beaucoup. Lui, le mec, il a mis worldwide, hein. Il a mis toute la terre, hein. Moi, je m'en bats les couilles, je nique de partout, hein. On dirait Maxime. Ouais, peut-être, ouais. Ça va et toi, ça va? Lui, il a mis worldwide, hein. Putain, le gars, il a pêché au Pérou, quoi. Putain. Oh, chaud. Puis en France, tout de suite. Mais les plans de Rémi pourraient bien être bouleversés lorsqu'il découvrira ce que lui cache Josie depuis des... Sur un malentendu, ça peut passer. De oh là son là. Côté, Eve est très angoissée à l'idée de... Ah, c'est quoi ce pseudo, ce prénom? Jusqu'à présent, Aïkel. Les hommes l'ont toujours rejetée car elle est née dans le mauvais corps, celui d'un garçon. Et elle a changé pour devenir aujourd'hui une magnifique jeune femme. Oh là là! Oh là là! Mais attendez, mais il est où Klein? Il est où Zippo là? Il faut qu'il soit là! Non, mais ça, ça va être goldé ça! Ils sont où mon Klein et mon Zippo là? Oh putain! Oh putain! Oh merde! Bon bah écoutez, Eve et Aïkiel, hein, a jamais osé lui dire qu'elle n'a pas toujours été une femme. Oh mon dieu! Oh le choc! Alors, les mecs, hein, je m'adresse uniquement aux mecs, hein, pour le coup. Vous avez un date et tout, vous rencontrez une nana sur les réseaux, naniana, tout se passe bien, le feeling, machin, naniana. Vous faites votre date, et là, au bout du date, elle vous dit, en fait, voilà, tu crois que je suis une femme, mais j'étais un homme avant. Vous le prenez comment? Je vous laisse 5 minutes pour répondre. Vous le prenez comment? Et coucou, Echo, comment vas-tu? Oh. Mal. Alors, et pour Echo, tu le prends mal. D'accord. Mal aussi pour Kayabouya. Ouais. Enfin non, si elle me l'annonce, là, ça va. Oui, au premier date, hein. 100% sincère. Il n'y a pas eu de rapprochement, il n'y a pas eu d'attouchement encore. Tu vois, c'est le premier date. Hein. Elle te dit au moment du repas, tu vois, bah tiens, au final, j'ai un truc à te dire. Voilà, je suis une femme aujourd'hui, mais j'ai pas toujours été une femme. Hein. Avant, j'étais un homme. Bah, si c'est bien fait et que tu le sais pas, que l'illusion est là, moi, je le tamponne, même si je la prends avant... Je me casse et je lui plante la fourchette dans les yeux. Ben, alors, je sais pas comment c'est fait, entre guillemets. Je sais pas. Est-ce que, malgré tout, les personnes qui changent de sexe gardent quand même quelque chose de masculin dans leur corps? Admettons, je sais pas, moi... je sais pas quoi, hein, je peux pas dire. Hein. Hormis l'attribut sexuel, tu vois. C'est chaud, quoi. Je sais pas.
Moi, j'ai vraiment... Enfin, j'aurais du mal. Hein. Moi, si Pop, ça me dit j'étais un homme... Bon, aujourd'hui, ça va. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Donc, j'ai accepté... je connais son corps, tu vois. Mais quand tu connais pas le corps de la personne, en plus. En plus, c'est ça, le pire. C'est que vous êtes dans le premier date. Vous connaissez pas le corps de la personne. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc, elle te dit, j'étais un homme avant. Tu te dis, ok, est-ce que y a un zizi en dessous? Moi, ça me perturberait, hein, perso. Moi, je me barrerais. Hein. Je prends bien, mais ça ne correspond pas à la vieux éventuelle que je veux, enfant et pas adoption. Ça ne correspond pas à la vie éventuelle que je veux, enfant et pas adoption. Ouais, d'accord. Ok, donc toi, tu le prends mal pour le côté futur, toi. Ok. Si elle me l'annonce au premier date, c'est good. Mais si elle me l'annonce après un an de relation, bah flemme. Ah bah... Ah, moi, je pense inverse, c'est cool, en vrai. Hein. Parce qu'au bout d'un an, tu connais le corps de la personne. Et si t'as rien remarqué, bah... Pff, si elle te dit « j'étais un homme avant », tu vas dire « ah bah oui, d'accord, mais bon, bah moi, je vois une femme, là, tu vois. » Donc, ça va. Moi, j'imagine. Hein. Plus sérieusement, il y a plein de mecs qui font que tu peux vite voir si c'est un mec. À savoir la glotte, les genoux et le menton. Mais là, on va vite le voir, hein, de toute façon, parce que là, la personne était un homme avant. Hein, donc, je suis un expert. Oula, ça sent le gros voyage en Thaïlande, ça. La vie éventuelle, ouais. Huch, huch, salut Slash, comment vas-tu? Ouais, bah oui, bah là, c'est sûr que si tu dis moi je veux des enfants et que tu dis ouais, mais moi j'étais un homme avant, bon bah c'est mort. J'avoue. Bon, bref, allons-y. Hein. En tout cas, par contre, arrêtons-nous sur ce prénom. Aikel, je sais pas comment on dit. Vous avez déjà connu ou vu quelqu'un qui s'appelait comme ça, Aikel? Perso, moi jamais, hein. Première fois. Perso, ça m'est jamais arrivé. Bah, moi non plus, ça m'est jamais arrivé, hein, pour le coup. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Aikel, bon bah c'est moi, ça me perturbe ce prénom. J'ai jamais vu ça. De l'école, lorsqu'elle lui apprendra la vérité sur elle. Mais on commence tout de suite avec Julia. Julia gameuse. Julia, la voici qui se prépare avant de rejoindre son amoureux virtuel. Ah oui, elle se prépare. Julia, ouais. Jeune, jolie, drôle, mais avec un gros défaut qui jusqu'à présent a fait fuir tous les hommes. Je suis jalouse. En couple, j'ai un côté très possessif. Par exemple, je sais pas, je vais fouiller dans le téléphone de mon mec. Ah ouais. Son centre d'intérêt. Comme moi. Ça va et toi, ça va super. Juste l'observation, ah, hein. Tu veux que j'aille foutre quoi en Thaïlande? En plus, il y a des putes à tous les coins de rue gratuitement de nos jours. Des putes gratuites. Alors, si j'étais célibataire, je t'aurais dit donne-moi les tuyaux, mec. Mais j'en ai pas connu non plus des putes gratuites. Après, tu veux faire quoi en Thaïlande? Ben, c'est un beau pays, la Thaïlande. Il y a des coins sympas, hein. Sympathiques, la Thaïlande. L'observation. Atriou, c'est quelqu'un qui observe. Hein. Ok, on le saura. La jalousie, c'est mort. MDR, le concept de pute gratuite, je connais pas. Mais moi non plus, je connais pas. C'est pour ça que bah, ça m'aurait intéressé à une certaine époque. Mais là, bon, ça m'intéresse plus. Hein. Je te les donnerai pas. Je suis fiancé maintenant non plus et je risque de me faire couper la vie. La bite, oui, bah oui, je crois, oui. Bah non, mais ne me les donne pas, parce que moi, bah je suis aussi, voilà. Hein, comme ça qu'on dit, pied et poing liés. En plus de ça, j'ai un bébé, donc c'est mort. Hein. Les salopes, ouais. The next direct, si elle est trop jalouse, possessive. Ouf, oh oui, parce que alors là, mon pote, hein, ça finit ta vie, hein. Oh là là. Marseillais, ah, pas loin, oui. Ah bah oui, d'accord, ok. La fameuse cagole. Mon copain, où on sort en boîte ensemble, une fille qui va approcher, je sais que, voilà, je vais... Ça va bouillir, on va dire. 22 ans, oh quand mon Dieu. Quand on est pas ensemble, je fais des crises. Mais ouais, mais 22 et, ans, c'est chaud. C'est ça qui fait pas bon garçon. Du coup, j'ai pas eu vraiment de longues relations. Bah tu m'étonnes que t'as pas eu de longues relations. J'aimerais avoir une relation vraiment sérieuse. Bah va falloir changer, meuf. Hein. Et ce rêve de vie à deux semble à portée de main grâce à Wesley, croisé sur une application de rencontre il y a 8 mois. Même si le garçon n'arrive pas totalement à faire taire sa jalousie. Je pense que, oui, quand même, il doit plaire à beaucoup de filles. Moi, déjà, de base, il me plaît beaucoup. Il est bronzé, ses tatous, il est musclé un peu. J'aime bien les mecs qui ont de la barbe aussi, comment ils se coiffent. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Il a un beau sourire, il est beau. Il est très beau. Ouais, elle m'a saoulé déjà. On peut le dire, j'ai un coup de cœur à fond. Lui aussi, c'est un observateur, tu vois. C'est un mec très drôle, cool. Non, mais si jeune et déjà dans une télé-réalité de merde pour trouver l'amour. Ah bah oui, écho, ouais, bah oui.
On en est là, hein. Déjà qu'elle apprenne à faire confiance et à se faire confiance. Mais oui, mais... Ah, mais à 22 ans, les mecs, à 22 ans, de toute façon, on peut pas... Enfin, c'est trop jeune pour construire une relation de couple durable et pérenne, tu vois. Il y en a qui l'ont fait, je dis pas le contraire, mais à 22 ans, putain, nique et baise à tout va sans conséquence. C'est trop jeune pour se poser à 22 ans, de toute façon, c'est mort. Tu m'étonnes que t'es jaloux. À 22 ans, t'as envie de faire la fête. À 22 ans, t'as envie de découvrir la vie encore, hein. Bah ouais, bah tu m'étonnes. C'est beau la jeunesse. Ah, c'est beau la jeunesse, hein. Ouais, magnifique, hein. Incroyable. Ouais, bon bah, rip, hein. Et je me demande s'il voit pas d'autres filles, s'il parle pas d'autres filles. 100% je peux vous dire que ça finira pas ensemble, pas, ça. Par rapport à ça, faudrait que je change de sujet. Il sait que je suis jalouse parce que ça m'est déjà arrivé, ben voilà, de faire des crises par message. Parce mais que non, elle a déjà fait des crises. Fait, j'en suis sûre, il est avec d'autres filles. Mais tu sais quoi, ben va baisser d'autres, voilà. Oh putain. Alors oui, je l'appelle souvent pour lui faire une crise. Oh putain. Pour qu'il prouve qu'il veut s'engager avec moi. Mais ils sont pas ensemble, elle lui a déjà fait des crises. C'est quoi cette meuf? Ça me rassure. Après, on sait jamais à l'abri. Et là, faut se faire aider, hein. Là, faut se faire aider, meuf, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est, cette démarche? Regardez-moi ce Playmobil qui arrive, là. Je suis stressée, j'ai hâte de le voir. Le gars, il fait style, je suis musclé. Ah bah oui, bah moi aussi, hein, je suis carré, hein. Regardez, hein. Ah, je suis carré de fou, hein. Oh, c'est en lui, les gars. Voilà, moi, j'arrive. Je passe plus les portes. Eh ben, tu m'étonnes, range tes bras, connard. Elle a dû morfler grave comme les trois quarts des femmes de nos époques. À 22 ans, elles sont déjà couchées avec 156 mecs de Saint-Denis. Ouais, ouais, mais bon. Moi, tu vois, ça me dérange pas, Triou, hein, que les gens profitent de leur jeunesse. Hein. Et quand j'entends profiter par la jeunesse, c'est vraiment baiser à tout va sans conséquence, hein, sans penser au lendemain. Moi, que ce soit meuf ou mec, je leur dis, mais vas-y, fonce, hein, fais-toi défoncer ou défonce. Hein. Vraiment, vous avez pas l'âge. 22 ans, putain, si tu commences à te caser à 22 ans, c'est mort. Hein. Bonjour les regrets après, hein. Rigole, ça marchera, elle sera toujours comme ça. Elle sera toujours comme ça, mais bon, il arrive un stade de la vie où tu sors plus, de toute façon. Croyez-moi, hein, les jeunes, hein, si vous êtes très jeunes dans le chat, hein, quand t'arrives à la trentaine, tu sors plus beaucoup, hein, généralement. Enfin, si tu commences à être posé, hein, un jour ou l'autre, tu te poses. Hein. Il y en a qui se posent pas. Bon, après, ça, c'est un choix de vie. Mais quand tu commences à te poser, avoir un gamin et tout, mais tu sors plus beaucoup. Hein. Et là, t'as plus de raison d'être jaloux parce que tu sors plus. Donc là, ça va, hein. Sauf que tôt ou tard, bah, tu commences à ressortir aussi. La jalousie revient. Donc, ouais, il faut se faire aider, hein, dans ces cas-là. Au final, on attire ce que l'on est. Oui, c'est vrai aussi. Oui, oui. T'as un gamin? Tout à fait, Echo. Oui, oui, oui. Une petite fille de 8 mois. Tout à fait. Ah, je suis perturbée. Il y a la chaleur qui monte. La chaleur qui monte. L'écran, c'est plus facile. Par contre, faire des crises de jalousie alors qu'il n'y a rien du tout, c'est si, mort, quoi. Si je vais lui plaire comme... comme virtuellement, s'il va vraiment bien m'aimer. C'est plein de questions qui se posent dans ma tête. Est-ce que je vais oser lui parler? Ou est-ce qu'il va y avoir des blancs? Si ça se passe bien, ben on passera la nuit ensemble. Ça, c'est sûr. Oh là là, la chaud. Par contre, s'il a décidé de jouer sa chance que je cherche, du sérieux, je vais m'énerver. Faut que ce soit précaire sur ses intentions. C'est que je suis attachée à lui. Mais elle est relou, hein. Je vais lui demander s'il parle à d'autres filles. Si c'est ambigu avec elle, est-ce qu'il se projette avec moi ou pas? Oh, elle est relou, hein. Voilà. Ou est-ce qu'il veut aller avec moi? Profiter de la vie, c'est pas bouffer des chipraxes qu'on stoppe, tu sais. Mais oui, je sais très bien. Et ça en fait partie. Ça va? Comment tu vas? Super. Je t'ai fait vous dire bonjour. Ça va? Et toi? Pas mal, hein. Sans bon. Ah. Ouh, j'ai chaud là d'un coup. T'es arrivé, ça y est. Ouais, c'est bien tatoué, hein. Ouais, t'as deux tatous. Le ventre, le dos. Mais ça, tu les verras plus tard. Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Voilà, ça va être purement sexuel, hein, je vous le dis. J'ai cru qu'elle allait pas se lever, moi j'avoue. Il est tout cuss. Il faisait le bonhomme en doudoune. Ben oui, mais grave, mais c'est ça, tu sais, il faisait style, je suis carré. Ça y est, elle flotte. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Mais en vrai, je vais faire le ménage, c'est mieux. Ah bah, bon ménage. Bon courage. Quel homme.
J'ai chaud, il fait chaud dans la pièce, rien d'un coup, la température. Bisous, à la prochaine. Je suis pas déçue, il ressemble comme sur les photos. Elle va se faire soulever comme une ado qui a vu Bieber. Bien habillée, ouais, les cheveux tout coupés, j'aime bien sa barbe, très beau garçon. T'es belle, hein. Merci. J'allais dire, elle pense avec sa bite, mais ça marche pas du coup. Tu me plais bien, j'aime bien. Julia, elle sent bon, c'est une très belle femme et elle a un très bon sourire. Moi, j'ai chaud là. J'aime bien, j'aime beaucoup même. J'aime beaucoup. Moi aussi, non. Tu fais quoi de me voir? Bah, ça me fait super plaisir. Je m'en vais dans les yeux, hein, sans regarder ma bouche. Hein. Ça me perturbe de le voir en vrai, c'est... je me dis, ah oui, je suis un peu intimidée. J'ai pu parler tellement, je suis perturbée. Oh putain, et on est en train de se faire fondre le cerveau là. Qu'est-ce qui te plaît? Ah, c'est la gênance de fou là. Déjà, au début, ouais, de fou. Ouais. Logique. Et après, après, ça a été la personne à force de parler, j'ai vu que t'étais un mec drôle, tout ça. Mmh. Et avec toi, je m'ennuie pas, genre tous les jours, on discute, on a quelque chose à se dire. Alors que genre j'en avais des ex avec qui il y a pas de discussion à part des saluts ça va tu fais quoi voilà je m'ennuie quoi. Ouais. M'ennuie à mourir. Toi c'est tout le temps. T'as un vrai homme en face de toi quoi. Ouais voilà un vrai homme. Oh là là et ça et va bah, oui. C'est aussi mon collègue et tout ça. Oh le boulard qu'il a le gars. C'est le sang. On rigole, on s'entend super bien, c'est tout se passe bien. J'ai juste besoin de vérifier 2-3 choses parce que je suis jalouse donc. J'ai besoin de savoir où je vais. Bravo, le manspreading de fou, c'est quoi un manspreading? Comme relation, t'aimerais quoi? Et j'ai une question aussi à te poser, que je n'osais pas te poser. Est-ce que tu parles à beaucoup de filles? Ah! Compliqué. Gênant. Non, après, tu vois, je vais être honnête avec toi. Au jour d'aujourd'hui, comment je pourrais... J'ai baisé hier. Ah, de me regarder comme ça. Mais moi, j'attends ta réponse. Non, ouais, si, je vais pas te mentir, tu vois. Il y a des filles qui me parlent. Et, ouais, pas mal de femmes qui me parlent. J'échange avec elles, tu vois. Allez, finito. Sa réponse, ben, du coup, je suis un peu déçu. On était au top du rendez-vous, tout se passait bien. Et là, il me dit ça, ben, ah, la petite chute. Du coup, ben, j'ai des doutes. Dans quoi je m'embarque. Et t'es toujours sur l'application où on s'est rencontré? T'as laissé ou... Ouais, j'ai laissé, ouais. Ah ouais? Après, j'y vais pas... Ah, t'as laissé ton profil carrément. C'est une bêtise, vois, c'est quand les mecs écartent les gens comme ça en public. Ah, d'accord. Ouais, après, ouais, ça m'arrive de pas discuter avec quelques-unes. Mais... Elle a cherché aussi, elle pose la question, là. Bah ouais, de fou. C'est quoi, toi? Ok. Ouais. Moi, je supprime. Quoi? Bah parce que moi, j'ai pas envie de... Avant, je jouais beaucoup sur plusieurs tableaux, mais ça menait à rien. Donc moi, je me dis, maintenant, je suis sur un seul tableau. Tu voudrais te concentrer que sur moi? C'est ça, que sur toi. Je suis déçue parce qu'il a pas été honnête. Il m'a dit qu'il a exprimé les applis de rencontre, alors que pas du tout. Il s'intéresse pas qu'à moi, en fait. J'ai une montée de jalousie. Mais c'est femme, oh tu en vois, ça Ça sent déjà l'embrouille, là. Ah, c'est la question. Ouais, le gamin. Ouais, je voulais qu'on soit table, ouais. Pendant qu'on discutait ou pas? Pourquoi tu réfléchis? T'as des choses à cacher? C'est les questions que tu me poses direct d'entrée comme ah, ça. Ah, mais moi direct, moi je se cache. Ouais. Non, ouais. Ah, oui combat d'infirme le truc. Okay. Ah bah, combat de neurones là surtout. Hein. Un neurone chacun. Catastrophe. Dans quel bourbier je me suis mis. Genre de meuf qui veut avoir tout le détail de ce que t'as fait avec tes ex et tout. Tu les vois, il y a quelque chose du coup avec. Trop toxique. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Bah, je sais pas, tu les vois, c'est pas pour rien. Bah, c'est-à-dire. Je sais pas, tu couches avec, tu les embrasses. Pourquoi? Mais pour savoir. Je veux savoir, moi. C'est plus avec elle ou c'est juste tu les vois et t'apprends à connaître aussi? Ouais, je fais des soirs avec des potes. Et par contre, le gars là. Ce trou du cul là, il a dit t'as un vrai mal en face de toi. Vous avez vu comment son zizi fait, hein? Comment il rentre dans son bide, sa bite là? Oh putain, et son zizi rentre dans son bide là. Un vrai homme, c'est ça un vrai homme? Il est là, il me pose des questions gênantes, n'est-ce pas? Oh là là, un vrai homme, quel trou du cul. C'est un vrai homme ça? Aussi con l'un que l'autre. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Hein. T'es pas caché, t'es une connasse toxique et égocentrique. Tout à fait. Coucou Drodro. C'est clairement un manque de confiance en elle. Et il a vu, il en profite. Ouais, bah ouais. Non, mais lui, il veut juste tirer un coup. 100%, il veut tirer un coup et puis basta. 100%. Ah putain, par contre, on va lui apprendre la définition d'un vrai homme. Un vrai homme, ça se laisse pas marcher sur les pieds comme ça. Il y a des femmes, il y a des...
des soirées, ça finit, voilà. Je suis choquée. Ah, je tombe de haut. Ça fait 8 mois qu'on parle avec Wesley. Il a eu des rapports avec une autre pendant qu'on se parlait, alors que j'ai eu de rapports avec aucun depuis que je parle avec lui. Donc je me dis, ah oui, quand même, le garçon, il se gêne pas. Bon, au moins, il est honnête, ça, j'ai rien à dire depuis le début, il est honnête, c'est très bien. Mais par contre, je vais poser carte sur table. Et pourquoi t'es venue jusqu'ici, alors? Mais parce que tu me plais. C'est vraiment la première femme qui me fait galérer comme ça. Ça va se faire désirer. Bon, moi, ça me prouve un peu que tu tiens à moi, déjà. Je suis un petit peu jalouse, donc voilà. Elle veut se faire tirer ce soir alors qu'elle veut du sérieux, non mais... Tu te concentres sur moi? Promis, je fais un effort. Non, pour de vrai, je fais des efforts. Ouais, c'est pas ce qu'elle veut. Je vais mettre qu'un nom dans ma tête. Ouais. Ouais, comme moi. C'est bon. C'est bon, c'est carré pour toi? C'est carré. Bon, c'est carré, frère. Tu sais que t'es beau gosse. Tu le sais. En plus, t'es mis au sport et tout, tu sais que tu vas encore plus plaire cet été. Donc des fois, je me dis dans quoi je me lance. Pourquoi j'aurais besoin d'attirer une autre? Je te plais. Ouais, t'es une belle femme, tu vois. Et tu penses pour y avoir plus? Franchement, si t'arrives à toucher ici, ouais, tu vois. Ça me rassure. Oh la vache, hey, franchement. Il a l'air de vouloir, sérieux. Du coup, comme je suis attachée à lui, que je l'apprécie vraiment, j'ai envie de lui donner une chance. Mais d'abord, je veux une preuve. Si elle veut s'habiller pour elle, que pour elle, débat fini. Parce qu'il y a moi qui se concentre sur moi. Donc je vais lui poser un ultimatum. Bon. Un ultimatum. Oh, elle pose déjà un ultimatum. Oh les gars, moi je fuis. Hein. Moi déjà, elle me pose un ultimatum alors que je l'ai même pas baisé, c'est mort. Hein. Ah ben, hey, attends, oh. Oh là 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 là. Mais c'est, tu vois, c'est le genre de nana. C'est le genre de nana, elle craint tellement, elle craint tellement le fait de se faire tromper que tôt ou tard, elle va se faire tromper. Ou alors, elle s'est déjà fait tromper. Elle craint tellement l'inévitable, l'inéluctable que ça va arriver. Hein. Mais bien sûr, hein, ce manque de confiance, il est terrible. On utilise The Beast et supprime l'application, juste ça. Oui, bah s'il faut, ça doit être ça, ouais. Mais elle a tellement peur de se faire que son mec troue une autre meuf que ça va arriver. Hein. Là, elle va prendre un méga... Je suis sûr que s'ils se mettent ensemble, elle prend un méga karma. 100%. Après ce que j'ai appris... Je te propose cette clé, mais je monte. De quoi tu montes? Je monte dans la chambre. Mm-hmm. Par contre, il y aura juste de petites conditions. Tu supprimes des applications de rencontres, parce que je pense que tu n'en as plus besoin de faire de rencontres. Je pense qu'on a assez comme ça. Si tu supprimes les applications, pour moi, ça serait une preuve qu'il va avancer avec moi et continuer par la suite. J'ai besoin de ça pour me rassurer. Oh putain, qui sont niés par contre. Bien, hein. Verra bien de quoi tu montes? Réfléchis à tout ça et je reviens vers toi. Très prochainement. Je rejoins à la chambre, ouais, si jamais j'accepte. Bah écoute. Ah merde, j'ai pas mis le. J'attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Je suis chatbot4twitch.com. Nous vous demandons de bien vouloir payer les frais supplémentaires pour que notre personnel interagisse avec votre chat. On vous est forcé de réunir votre. Oh là là. Alors, je sais pas comment réagir à ce troll. Est-ce que c'est un troll, oui, qui est travaillé, certes. Mais est-ce que c'est un troll pertinent, intéressant et qui va nous faire divertir? Je suis dans l'expectative. Entre l'envie de bannir et l'envie de rigoler. Donc du coup, je vais dire flop. Allez, gros flop. C'est un choix très 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 compliqué pour moi. Manu l'aurait déjà insulté. Ouais, mais moi je suis assez tolérant avec les trolls. J'en étais un moi-même, slash. Moi je suis tolérant avec les trolls. Mais il y a des trolls qui font rire. Il y a des trolls qui sont bien travaillés, qui sont bien construits, très sympas, tu vois, au final. Hein, j'en ai fait même des modérateurs. Mais là... étant expert en trolls... un peu moisi du cul, quoi. Voilà. Parce que naïvement, il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Parce que c'est drôle. C'est pas drôle. Enfin, sauf que moi, je suis pas un premier-né, quoi. Ça fait 3 ans que je suis sur la plateforme, je connais. Ouais. Bon. Je sais pas. On va voir. On laisse une chance. Elle pourrait peut-être on laisse une chance de se rattraper. Peut-être voir si nous avons meilleur à proposer. Voilà, c'est une femme après qui me plaît beaucoup. Mais de l'autre côté, c'est vrai que je sais pas si je suis prêt à... Si je me rattrape, tu mets modo? Ah bah absolument pas. Moi, mes modérateurs, je les ai déjà depuis des années. Mais bien sûr que non.
Bien sûr que non. Jeune garçon de côté, les boîtes, les femmes, les réseaux, tout ça, je sais que c'est très compliqué pour moi. Je suis très 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 perdu par rapport à tout ça. Mais ouais, t'as 23 ans, qu'est-ce que tu vas te poser là et t'encadrer avec une meuf qui... Julia vient de prendre qui est jalouse possessive en plus. Et s'il n'était pas fidèle? Et s'il n'était pas sérieux? Pour cette jeune femme exclusive et jalouse, la déception risque d'être terrible. Ah ouais, 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 ouais. Surtout qu'elle s'apprête à découvrir une facette de la personnalité de Wesley qu'elle ne connaissait pas. On verra ça. Eve, de son côté, se prépare pour son rendez-vous amoureux. Ah. Et elle est très angoissée à l'idée de voir Ekel pour la première fois en vrai. Jusqu'à présent, les hommes l'ont toujours rejetée car elle est née dans le mauvais corps, celui d'un garçon. Et elle a changé pour devenir aujourd'hui une magnifique jeune femme. Elle craint la réaction de Ekel lorsqu'elle lui apprendra la vérité sur elle. Mais avant cela, découvrons Rémi. Alors, Rémi, oh mon Dieu, la musique. 7 ans avant sa rencontre amoureuse, c'est un Girondin de 37 ans qui a deux passions dans la vie, la guitare et depuis un peu plus d'un an, l'espagnol. Bien utile quand votre petite amie virtuelle vit à plus de 9000 km de vous. Josie. En vrai, méga flop. Ouais, on est un peu sur du méga flop. Mais bref, faut tenter. Hein. Faut flopper avant de réussir. Faut flopper. C'est pas possible. C'est un faux compte. Elle est trop belle. Regarde comment elle est, tout ça. Je suis pas. Vas-y, je like. Quand je l'ai liké, je savais pas que ma vie elle allait changer. Ce qui m'a fait craquer déjà, c'est ses yeux, son physique. Ah, bien entendu, au début on regarde des photos. Et après, ça a été sa vision de la vie. Elle est très sensible, comme moi. Elle est romantique, comme moi. Et du coup, on a la même vision d'un couple. On s'est mis à le marcher. Ponso, hérisson. Ouais, ça. On est en sponso cette semaine. Ouais. Alors, entre Josie et moi, ça se passe vraiment bien. On échange tout le temps. Le garçon continue de s'embomber. Ouais, ma foi. Bon, mais après, je peux pas vouloir, il faut tenter. Oui, je suis amoureux. En vrai, je vais vous dire, hein, je déteste les streamers qui sont en ego trip et qui direct, tu vois, ah, un troll, je le banne, mon Dieu. Non, faut laisser la chance aux gens, faut laisser. Ouais. Parce que les trolls, c'est drôle au final. Des fois, c'est drôle, hein. Quand c'est bien travaillé, c'est drôle, hein. Voilà. Il est où? Embarrasse et la grave, oui. C'est ça. Ça te parle, Sharpie, oui. Toi qui es du région bordelaise. Ouais. Ça va te parler. S'il faut, il va dire, bah, c'est chez moi. Embarrasse et la grave. Moi, perso, ça me parle pas. De Bordeaux, ouais. Ah, mais t'es de Bordeaux même ou des alentours? Ah oui, bah, j'imagine que ça te parle. Moi, je connais. Oui, toi aussi, t'as vécu là-bas. Tout à fait. Notre premier appel. Je connais très bien. C'est là ah, qu'on ouais. a craqué, elle et moi. C'est là qu'on est tombé amoureux. Aux alentours, d'accord. On n'a même pas parlé. On s'est vu, on s'est regardé. Et on a fait. Waouh. C'est la première fois que j'ai un coup de foudre aussi fort. Aujourd'hui, on se sent en couple. Qu'est-ce que c'est que cette écharpe? RNG Hamster Récit. Ne me dis pas que le garçon, il a fait une écharpe à l'effigie de sa. De leur amour. RNG. Si, c'est ça, hein. C'est leurs initiales. J'ai habité à Lalande de Fronsac. Donc ouais, je connais. Ah bah ça doit être aux alentours, d'accord, ok. Ok. Non, c'est too much ça. On se l'est dit par message. Je suis déterminé. J'ai envie de faire ma vie avec elle. Ah, c'est très cringe, ouais. Par contre, comme je suis papa d'une fille de 8 ans, je peux pas me permettre de me dire, vas-y, je pars au Pérou, je vais la rejoindre, je lâche tout. Non, déjà, bah, j'aime ma fille. J'ai pas envie de la quitter. Du coup, il faut que ça soit elle qui vienne en France. Est-ce qu'elle serait capable de tout quitter pour moi, pour vivre en France? J'ai des doutes. Je sais pas si l'amour qu'elle a envers moi suffit. Ça sent le truc goldé quand même, là. Faire une nouvelle vie avec moi, je pense que c'est le plus beau acte d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un. Ouais, ça sent le truc goldé quand même. J'espère que c'est pareil. Parce que vivre ensemble... En France, c'est tellement un rêve. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait le garçon? Là, je suis tendu. J'ai bien moi Saint-André. Vous pouvez pas poser la question avant de faire l'émission, j'avoue. Je me dis jamais comment ça va se passer. Ça va finir en Golden Shower. On va tous parler chinois. Là, oh putain. Je suis pétrifié.
J'imagine tout le côté physique avec elle. Sentir son odeur. Ça va être une explosion. Ça va être une explosion. Qu'est-ce que je peux perdre aujourd'hui? L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ça sera mec. Tout mec. Mec, abuse pas là. Faut aller pas sereine. Hola, que tal? Hola. Comment t'es belle. Qu'est-ce que t'es belle. Waouh. Tout est beau. Non, merci, toi aussi, tu es belle. Oh. Tiens, assis-toi. Merci. Waouh. Magnifique. Quel sourire. Oh mon Dieu, quel sourire qu'elle a. Oh, mais c'est un truc de malade. Ah, mets-toi à l'aise. Oh là là, magnifique. Oh là là, oh là là. Regardez. Regardez, il lui dit t'es magnifique, regardez ce qu'il regarde. Oh. Oh. Faisons un petit. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah oui, tu peux dire t'es magnifique, hein. Oui, 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 on est là. On est sur la région fessienne. Bah alors. Bah oui, 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 oui. Et il va lui dire t'es magnifique, hein. Allez, on se remet la scène. Magnifique. Quel sourire. Oh mon Dieu, quel sourire qu'elle a. Oh, c'est la gravité qui lui a fait baisser la tête, oui, bien sûr. Ah, mets-toi à l'aise. Oh là là, magnifique. Ouais, 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 wow. Gros cochon, va. C'est très romantique, oui. Si. Oh, fais voir ta main. La gravité. Comme je l'imagine. C'est avec l'âge, la vue baisse, hein, c'est enfin, ça. Ça y est, je peux la toucher. Ça y est, je sens son corps. Je sens ses mains, sa peau et tout ça. Oula, 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 c'est cringe. Franchement, calme-toi, garçon. Comme une connexion. Calme-toi, Marc. Et hein. Que j'avais pas ressenti. Je pense au clip de Fatal Bazooka. Lequel? Oh mon Dieu. C'est un truc de fou que je suis en train de vivre. Et là, je me dis, il faut qu'il reste en France. Non, se lâche plus. Non, non. Non, mais souhaite. Je vais rapprocher le fauteuil. Ah. I am happy, Rémi. Oui, je suis très happy. Heureux aussi. Waouh, c'est marrant. Ah, la barrière de la langue, c'est chaud. Voilà. Voilà, il chiale. Ça y est, je peux te toucher. Oh là là. Fatal Bazooka, j'aime trop ton boulot. Ok, je pense à ça aussi. Ouais. Les nibs. Ah, il les a vus. Hein. Oui. Merci beaucoup. I want try. Tu vas essayer. Play guitar pour toi. Nous, à la base, c'était la musique qui nous avait rassemblés. Elle chante, elle joue de la guitare. Ah, truc de fou. Oh putain, oh putain. Enfin, moi, je craque à chaque allez, fois. Allez, enfin, je vous offre ce moment de gêne ultime. C'est parti. What's your name? Roberto. C'est parti. Allez, je m'enlève même tellement. Tout son amour, toute notre histoire, je comprends qu'elle a ouvert son âme. Et c'est ce qui me touche. Mais j'en pleure encore. Ah, chial, chouine. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Bon, déjà, c'est quand même. Alors, je suis mauvaise langue, c'est quand même plus intéressant que les deux jeunes cons, là.
Bien joué, M6, t'as fait pleurer les mamies. Ouais, tout à fait. Tout. Oh. Parce que. Oh. Io pienso, je pense tout le temps. Todo tiempo de. De ti. Oh. Merci beaucoup. Merci. Je suis content, ça lui fait plaisir. Elle a le sourire. C'est la première fois que j'ai un coup de foudre aussi fort. Je sais qu'elle m'adore, qu'elle est amoureuse de moi et tout ça. Mais je sais pas trop comment elle voit l'avenir. Donc c'est le moment. Ah oui, ils sont mignons. Non, en vrai, ça va. Il y a quand même entre la France et le Pérou. Oh, je suis si moche que ça. Est-ce qu'on voit vivre ensemble en France? Bah, j'en sais rien. Voilà. J'avoue, au moins, ce sont normaux et sincères. Ça change des autres papas, ouais, tout à fait. Et para ti. Oui. De hablar, de qu'on parle. Des futuro, du futur. Oui. Des possibilités, des autres possibles. Voilà, pour la Google Trad. Oh, t'es chaud. Là, c'est chaud. Please. Est-ce que tu as des peurs pour l'avenir? Est-ce que tu as des appréhensions? Tienes miedo por el futuro? Tienes apprensiones? Yo estoy nerviosa. No pienso mucho. Je suis nerveux, je ne pense pas beaucoup. T'es nerveuse, tu penses pas beaucoup. Je vois tes yeux avec beaucoup d'amour et d'émotion. Nerviosa. Veo tus ojos con mucho amor y emoción. Sí. Momento. Si. Sí. Un moment. I am nerviosa. Sí, ouais, tu m'étonnes, moi aussi. Yo también. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop comment réagir parce qu'elle est pas forcément très à l'aise. Peut-être qu'elle n'a pas des sentiments aussi forts que moi. Et dans le futur. C'est chelou quand même. Hein. Tu nous vois où? En nuestras conversaciones. Tú hablas mucho del futuro. Yo pienso que es importante conocernos antes. Sorry. Mi cerebro. Il pense pas trop sur le côté amoureux, je trouve qu'il en fait trop. Ouais, non, mais il est à fond, le gars. Futuro, futuro, comment ça? Nous connaître au quotidien. Je veux être sûr que tu prennes la bonne décision avec moi, que tu ne sois pas déçu. Necesitamos conocernos a diario. Quiero estar seguro de que tomas la decisión correcta conmigo. Muy razonable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me projette avec Josie. Hein. Mais elle, je sais pas. Je la trouve pas du tout sur la même longueur d'onde. Je me demande si elle serait capable de tout quitter pour moi, pour... Et vrai, surtout France, qu'elle n'est pas dans son pays, elle est type, c'est normal. Bah oui, aussi. Irréalisable. Enfin, qui ferait ça aujourd'hui? Tu que piensas de nosotros? Qu'est-ce que je pense de nous? Qu'est-ce que je pense de nous? Que c'est incredible. Que mucho feliz. Beaucoup de bonheur. Que c'est incroyable. Et que maintenant que je te vois, je tombe encore plus amoureux de toi. Merci beaucoup. Tu parles. Merde. Elle sait dire qu'un mot en français. C'est merci beaucoup. Elle dit merci beaucoup à tout. Il pourrait dire j'ai un passé judiciaire. Elle dirait merci beaucoup. Oh putain, c'est un peu gênant quand même. Hein. Bon, c'est chaud hein, la barrière de langue là. Je comprends pas trop. Peut-être que ça veut cacher quelque chose. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Il va tomber de haut, je crois. Yo soy muy nerviosa, muy estresada, porque en el fondo de mi corazón yo sé que él quiere que yo iría a Francia, pero tengo algo demasiado serio, demasiado frágil que decirle. So, question. C'est difficile. Allez, on l'aura pas. Ils vont zapper. Là, je suis tendu. Je sens que c'est un truc sérieux là.
Je me dis, oh mon dieu. Elle a fait Poudlard, c'est pas possible. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai donné tellement au niveau de mon cœur que ça va être très dur. Bah, je suis tendu. Hein. Je sens que c'est un truc sérieux, là. Je me dis, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai donné tellement au niveau de mon cœur que... Ouais, la pub en général. En vrai, c'était la pub. Mais que s'apprête à demander Josie? Depuis que Rémi a abordé la question de leur avenir ensemble en France, la jeune Péruvienne semble mal à l'aise. Que cache-t-elle? Espérons que cela ne gâche pas cette belle histoire d'amour. Mais en attendant... Eh ben, on va pas la voir tout de suite. Ah, les bâtards. Oh, putain. Eve, la voici qui se fait belle. Ah, monsieur, madame. Avant son rendez-vous amoureux. Pour la jeune femme, cette rencontre est un événement majeur dans sa vie. Car malgré sa plastique de rêve, jusqu'à présent, tous les hommes l'ont rejetée à cause d'un secret intime bien gardé. Ekel, son petit ami virtuel depuis un mois et demi, sera-t-il différent de tous les autres? Quand je l'ai vu en photo, je me suis dit, mais waouh, je le trouve trop beau. Il est musclé. Mais qu'est-ce que c'est, ces plans-là? Il est viril, il est tout ce que j'aime en fait. Au début, on parlait comme ça, et petit à petit, ça a commencé à... Voilà. Ça fait trop influenceuse, voilà, un petit peu, ouais. Je m'étais pas imaginé que ça allait... Plastique de rêve pété à ta gueule, je croyais qu'on avait interdit la plastique. Le plastique. Ah, attends, tu vas voir ce que c'est. En vidéo, je suis vraiment super intimidée. Il est beau, il est compréhensif, il est gentil, il est incroyable. C'est vraiment l'homme parfait que je veux. Avec Ekel, on a une relation unique. Il y a quelque chose de fort entre nous. J'ai jamais eu de feeling avec un autre mec comme je l'ai avec lui, en fait. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse. Le problème, c'est que je lui ai pas tout dit. C'est pas que je sois malhonnête, c'est juste que j'attendais notre première rencontre pour pouvoir lui dire. Mais là, maintenant, j'ai peur. Je lui ai caché que j'étais née dans le corps d'un garçon. Ma mère m'a eu à 16 ans, que j'étais un garçon. Mais moi, en tout cas, très tôt, je me suis sentie fille. Dès ma naissance, on m'a dit que j'étais un garçon. J'ai compris que je devais vivre comme un garçon. Du coup, je me suis pliée, on va dire, à la société, ce que la société voulait pour moi. Mais moi, depuis petit... Je chiale. Tu peux. Moi, c'était vraiment ancré. C'était vraiment... C'était moi. À 8 ans, quand t'es enfant, je trouve que tu l'assimiles pas tout de suite. Je comprenais pas ce qui se passait, mais bien sûr, en grandissant, la vérité est revenue au galop. Le fait d'avoir entamé ma transition, je l'ai senti comme une libération. C'est une seconde naissance, en fait. Je l'ai commencé à mes 19 ans. Aujourd'hui, je me sens moi-même à 100%. Je suis fière de qui je suis devenue. Ça explique le côté carré, bah, tout à fait. Envie d'avoir un mec et d'être en couple, sérieusement, construire quelque chose de concret. Par contre, tu jures pas que c'était un homme avant. Franchement, tu vois ça, tu jures pas que c'était un homme. J'ai l'impression qu'il serait capable de m'aimer correctement. Un amour profond, en fait, un vrai amour. Parce que je suis une femme. Une femme comme une autre. Il a l'air de me comprendre. J'ai l'impression qu'il est quand même assez ouvert d'esprit. Parce que je les connais, moi, les mecs, comment ils sont. Ils nous assument jamais aux yeux des gens. Ça m'est déjà arrivé que certains hommes me rejettent lorsque ils apprenaient que avant j'étais un garçon. Big Butter is coming. Ekel, ah, je le sens vraiment différent, différent de tous les autres. Par contre, c'est super bien fait, ça transforme. Même moi, je la tape. Hein. Et ouais, c'est ce que je dis. Hein. Là, tu soupçonnes rien. Et j'appréhende beaucoup. Y a rien qui te dit que c'était un homme, hein. Franchement. Des meufs carrées, ça existe, hein. Parce que c'est quand même quelque chose de fort, d'important. Je voulais vraiment... Oh, le gars Joe, c'est quoi son look? Eh, sans déconner, c'est quoi son look pour un date, là? J'ai peur qu'il réagisse mal sur le fait que je lui aurais caché ou menti. Ouah, c'est quoi son look? Ça voudrait dire que je me suis trompée sur lui. Au final, on sait jamais vraiment qui se cache derrière un écran. Ça va beauté. Ça va. Ça va beauté. Ça va et toi? Ça va, enfin on se rencontre. Ouais, grave. Beauté. De ouf, c'est plaisir de te voir. Ça va? Mignonne. T'es beau. Toi aussi, j'adore. Ça va bébé? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Bébé. Enfin, grave. Temps. De ouf. Waouh, je me dis.
Je cherche le moindre détail, mais je vois rien qui trahit cette amitié. Ouais, pareil, hein. En vrai, pareil. Hein. C'est bad boy. Donc, c'est con, hein, c'est mais. Ce que je kiffe, donc il me plaît. Il me plaît énormément. Ah, c'est bizarre de vous. Même la voix. Hein. Je suis gênée, hein, tu me perturbes. La voix, il n'y a rien. Ouais, tu me perturbes. Voilà, une femme perturbée, ça veut dire qu'en général, c'est bon signe. Il va déchanter le bonhomme, moi, je crois, ouais. La mâchoire, les épaules. Ouais, mais en soi, comme je dis, des meufs carrées, ça existe, hein. En soi, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça saute pas aux yeux. Il va déchanter le bonhomme. Lequel ? Oh ! Lequel ? Oh, putain ! Oh, la meilleure répartie ! Lequel ? Osef, je la pine sans le savoir. Hein. Ben ouais. Par contre, on avait fait un petit débat tout à l'heure. Hein. Est-ce que vous, ça vous choque, là, en date, là ? Premier date, elle vous dit, je suis un homme. J'étais un homme. Ça vous choque ? Vous y allez quand même ou pas ? Ah putain, lequel ah. Après, c'est de te voir. Je t'en parle, j'enlève ma fesse que je commence à avoir un peu chaud là. Ok. Tu muscles. On essaie un peu, hein. Ton bras, il fait ma cuisse. C'est parfait pour soulever ça. Au moins, comme ça, au moins, je serai pas. Enfin, te soulever niveau. Tu vois. Ah ouais, ok. Attraper, tu vois. Tu sais que t'as un beau sourire. Merci. Non, vraiment, dingue. Belle bouche, tout ça. Bon, ça va, si ça te plaît, c'est principal. Je te jure, je suis dans un dream, mais en fait, non, c'est bien. Même la façon de tenir et de parler, n'en fait pas trop. Elle en fait pas trop, ouais. Waouh, elle est magnifique. Plus belle que j'imaginais. Oh, c'est vraiment mon style. Oh, elle est lancée, elle est grande, elle est brune, elle a un bronzage Punta Cana. Franchement, j'adore. Franchement, je suis pas déçu. Petit coup de foudre. Ouais, il aime les meufs de télarité, quoi. Je suis gêné un peu là. En fait, il est trop confiant, il va être. Ouais, ouais. Tu vois. Y'a moyen. J'ai du revolver, toi. Ouais, bah, franchement, t'as envie de tirer dans mon cœur. Bien. Même si c'est une femelle pur sang, c'est pas mon style. Ah, bon, je vais m'embrasser sur la bouche, mais on va pas brûler les étapes. Brûler les étapes. Ah là là. Et sinon ? Bah écoute, moi, ouais, je suis là. Hein, Tu parles à d'autres filles et tout ? Bah, je parle avec personne d'autre à part toi, tu le sais, chérie. Hein. Sérieux ? Ouais, bah. Chérie, bébé, putain, mais il est chaud patate. Bah, c'est hein. Pas, c'est ma target. Quand je le vois parler, quand je vois sa façon de. De faire avec moi. Même si c'était une femelle pure. Ah oui, non, mais j'ai déjà lu, je suis con. Mais j'ai pas perdu mon temps avec cet homme-là. Toi, tu considères comment ? Genre, t'es une fille attentionnée ? Est-ce que je sais que t'as besoin beaucoup d'attention, tu vois ? Ouais, beaucoup. Après, j'en donne beaucoup aussi, tu vois. Mais quand je suis sûre que je suis tombée sur la bonne personne, enfin, c'est bon, après, je me lâche, tu vois. Genre, t'aimes bien que le mec il soit un peu possessif ? Entre deux. Moi, je te mens pas, j'aime bien quand c'est toxique un peu quand même. Toxique ? Non. Hein ? Hein ? Qui dit ça ? Hein ? Ah ouais, moi j'adore quand on s'engueule et qu'on se fout des marrons dans la gueule. Ah bah ça, c'est sûr qu'il a trouvé un bonhomme à qui se taper, hein. Oh putain. Comment ça ? Eh ben, il fallait qu'il se mette avec la première meuf qu'on a mue, hein. Ah là, il aime quand c'est toxique, mais... Eh, avez-vous tous les neurones bien connectés, monsieur ? C'est pour ça qu'elle a mis un coussin. Arrête de me toucher les cuisses, je pars dans... Oui, d'accord, j'avais pas lu ça. Ah, tu vas d'être depuis tout à l'heure, t'es bon, bah... Il est bon. Ah non, pas toxique, non. C'est-à-dire toxique. Non, pas toxique, je me suis mal exprimé, pas toxique, c'est ce que j'ai dit. Ah bon. Là, tu es rentré chez toi, non. Je me suis tiré deux balles dans le pied, là, je crois. T'attends. J'aime pas quand c'est un long fleuve tranquille, tu vois, j'aime bien quand... Pas, j'aime bien les embrouilles, tu vois, que ça fait bizarre de dire ça. Tu vas être sérieux. Hein ? C'est pour ça que je t'ai choisi, chérie. Hein. Il aime bien les embrouilles. Mais qui aime bien les en... Alors, je m'adresse aux personnes en couple. Et d'autant plus à Sharpie qui est fiancée. Voire même mariée. Pardon. Est-ce qu'on aime les embrouilles ? On se marie pour aimer les embrouilles ? On se met en couple parce qu'on aime les embrouilles ? Elle va déballer son 22, il va bégayer. Ah oui ? Ah oui ? Non mais, on aime... il aime les embrouilles. C'est chaud quand même ! Ouais. Bah, j'allais dire fais un gosse, tu vas voir plein d'embrouilles, mais là pour le coup ça va être compliqué de faire un gosse. Ou alors faut passer par l'adoption, mais l'adoption c'est long. Hein. Ça prend pas 9 mois l'adoption. D'accord, monsieur aime les embrouilles. Oui, marié, mais bon, il y a des embrouilles, mais on aime pas ça. Ben oui, il y a des embrouilles, mais ça c'est normal, ça fait partie de la vie de couple, hein, qu'on soit marié ou pas marié. Mais on aime pas ça, non ? Les relations toxiques que j'ai données, c'est de la merde. Ouais, bah pareil, hein. À Skip, il y en a, ils aiment s'engueuler. Mais ça va pas bien. Mais alors, les gens qui aiment s'engueuler, c'est qu'ils se font bien chier dans leur vie. Hein. Lui, il doit bien se faire chier dans sa vie. Hein. Je suis désolé, moi j'ai trop de passion et trop d'activité pour avoir le temps de... Enfin, avoir l'envie de m'engueuler avec toi. Hein.
La semence est irrévocable. Au revoir. La semence. Moi j'aime le post-embrouille quand on ken et tout. Ouais bah d'accord, ok, mais t'as pas besoin de t'embrouiller pour ken, hein. Enfin là aussi c'est chelou sinon, hein. Ok, bon bah on va continuer avec Eichel, hein, Eichel. Ils ont oublié un M, hein, dans son prénom quand même. On chat avec elle, j'ai l'impression que le temps il s'arrête. J'ai l'impression qu'on est dans notre bulle, je vois pas les minutes défiler. Moi franchement elle m'intimide, hein. C'est rare. Genre c'est quoi qui change de tes... Ah bah t'as pas fini d'être intimidé mon pote. T'es compréhensif, t'es... Je sais pas, genre je te sens sincère, tu vois. Tu m'as jamais demandé de photos sexy ou... Bah. Mais juste ça, par exemple, c'est un détail qui fait que bah je te vois différemment. Bah, reste avec moi, tu gueules solo. Sinon, du coup, toi niveau relation, genre c'est quoi pour toi qui est... Avec le sexe, c'est meilleur après. L'infidélité. Pareil. La tromperie, ouais, c'est le pire. Et toi? En gros, pour moi, le mensonge, ça c'est rédhibitoire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu mens une personne, après, genre, tu peux plus lui faire confiance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans ce que je veux dire ou pas? Ouais, il parle vite, hein. Et je me sens mal. Dans ce que je veux dire. Je me sens mal. Je lui ai menti. Eichel ne sait pas qu'avant j'étais un garçon. Genre, je me dis que quand tu pars d'un bon pied, pas de mensonge, je vois, comme ça, tu pars du bon pied, il y a pas de. Dès le début, et après, la relation, elle peut que être fluide, tu vois. Ah bah oui, bah là, il est temps de cracher le morceau, hein, si je puis dire, il est temps de cracher le morceau. Ah, il a tendu la magnifique perche, là. Il va avoir les 22 subsoniques. Qu'est-ce que c'est, les 22 subsoniques? Par contre, le mec, il va avoir un concert de Queen où il est un... où il a un date. Oui, j'avoue, ouais. Au moins, branlette à deux, hein. Bah ouais, pas faux, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, ça va, ça fait un mois. Ça fait un mois. Ça fait un mois de quoi? Oh là, j'arrive plus à suivre le chat. J'ai un bug mental. Cette histoire la première histoire m'a matrixé le cerveau, hein, tellement. J'ai l'impression de rentrer dans la case bah, qui veut pas, quoi. Donc ça me fait vraiment peur à ce moment-là. Bah balance le morceau, chérie. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je stresse? Non, je stresse pas, non, t'inquiète. Okay, c'est bon, là, moi, je suis détendu, ouais, là, je suis bien. J'ai retrouvé ma petite Eve, ça y est, j'ai en face de moi. Y'a rien, mais t'as raison, la mensonge, c'est... Enfin, les cachotteries et tout, dès le début de nos relations, c'est pas bon, mais... Eh ben, balance le morceau. T'es censé, au début, être mal à l'aise, et à la fin, être à l'aise, moi, c'est l'inverse. Mais après, c'est tout le temps. Je recule, reste là, déjà. Plus le temps il passe, bah, je suis mal à l'aise parce que je sais que je vais devoir lui annoncer. Et là, ça me fait pas qu'un mois qu'il parle. Oui, non, ça fait, après, je sais plus. Je non plus d'elle la première fois, tu vois. Il y a des choses, tu vois. Genre, tout n'est pas bon à dire des débuts. Ouais, au fur et à mesure, ça. Ouais, voilà. Ce que tu veux dire, ouais. Crédit Mercury version low cost, quand même. Ah, oui, d'accord, ouais. Par exemple, allez, on dit 10 ans. Genre, je me vois mal. Ouais, un peu cramé, quoi. Des enfants. Ouais. Mais si on fait des enfants tous les mois, c'est magnifique, je pense. Il parle d'enfants. Il a parlé d'enfants! Ils seront grands déjà. 1m80, 1m90, déjà ils vont être grands, ça c'est sûr. Ah! Ils seraient très beaux, nos enfants, mais. Ah, c'est gênant! Mec, ça sera pas possible. Qu'est-ce que t'as? Je te gêne? C'est bon, j'arrête avec ça. Je vais trop loin, je pense. Le pelu, il s'est trop projeté, je pense. Là, je dois lui dire en fait. Oh, c'est gênant! C'est gênant! C'est tout pour ça et tout, il a acheté une Ferrari le jour J, il voit que c'est une. Je sais pas comment il va faire. Une ferraillerie, ouais. Ah, bah c'est ça, hein. Et j'appréhende énormément sa réaction. Elle est hermosée, ce style. J'ai pas les larmes aux yeux, j'ai... Bah si, t'as les larmes aux yeux. Non, mais non, c'est juste que... Ça y est, je te parle de tout ça, ça te donne... Et Bibi qui en a parlé au début. Ah, trop mignonne. J'ai peur du rejet, j'ai peur de comment il va prendre la chose. Ah bah là, son sourire, il va l'enlever, hein. Au début, quand il est arrivé. Prédit Mercury de Wish, hein. Il va changer complètement de façon de penser. Ah bah là, il va déchanter. J'ai peur de perdre toute la relation et de me dire que j'ai mis du temps. Et bah ouais, mais c'est le risque, hein. J'ai commencé à développer certaines choses pour lui et que tout ça va partir en fumée. En fait, il y a un truc que tu dois savoir. Ouais. Comment te le dire? En vrai, j'aimerais pas être à sa place. Non, moi non plus. L'impression qui monte, avoir un peu les mains qui commencent à devenir. Comment ça, pas d'enfant? C'est pas du trans 100%? Les émotions qu'elle a, elle a les larmes aux yeux. Je me dis que ça va être plutôt négatif. Bah si, mais tu peux pas mettre un appareil génital féminin, tout ça, enfin tout dans le beach, je crois. Hein, tu peux pas. Enfin, tu peux transformer le sexe, mais tu peux pas transformer ce qu'il y a dans le beach, quoi. Tu peux pas greffer des utérus et tout ça, quoi. En même temps, quel est le bon moment pour avouer ce genre de choses? Bah, dès le premier temps, hein, dès le premier date, hein, en vrai. Hein. Pas attendre X temps de la relation. Hein. Bah si, ça se fait. Ça se fait? Non, arrête. Ça se fait? Tu peux genre mettre tout un appareil génital féminin dans le bide. Genre. L'appareil reproducteur, tu ne peux pas le changer. Ben non, tu ne peux pas le changer.
C'est bien ce qui me semblait. Tu peux changer. En fait, si tu veux, c'est comme l'image d'une boutique. La boutique, tu peux changer l'aventure, mais ce qu'il y a dedans, tu peux pas le changer, tu vois. Entre guillemets. Je veux dire, si c'est une boulangerie, tu peux pas dire, bah, du jour au lendemain, je vais faire une boucherie. Non. Hein, si t'as commencé une boulangerie, tu vas jusqu'au bout, tu vois. Sinon, tu arrêtes. Tu te. Hein, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux changer l'aventure, oui, mais pas l'intérieur. L'appareil génital, oui, mais pas la partie reproduction, ovaires et tout. Bah oui, mais non. Une femme trans aura un vagin, mais pas les ovaires, les ovules, les règles. Ah, bah non. Non, c'est pas possible. C'est impossible, ça. Eh oui, c'est logique, hein. C'est logique. Bon, là, il est en train de faire la tranche, mais il a pas fini, je crois. Oui, dans le sens, oui, bah oui. Tu peux avoir un pénis, tu peux avoir un vagin, tu peux, mais c'est tout, mais ce n'est que du paraître. Oui, voilà, c'est ça, ça reste artificiel encore, hein, en soi. D'ailleurs, moi, il y a une question que je me pose, quand même. Tu vois, autant, tu vois... Bon, on connaît, vous les hommes, vous connaissez le plaisir sexuel, hein, que tu as quand tu pénètres. Mais quand tu changes de sexe et que tu te fais pénétrer, est-ce que le plaisir est le même qu'une vraie femme ou tu as toujours ton plaisir d'homme? C'est bizarre comme question, hein, mais je me la pose, hein, réellement premier degré. Allez, j'arrive, ça parle de pénis. Ouais, bah tu vas très vite comprendre pourquoi c'est tillé, j'espère que tu vas bien. Franchement, est-ce que vous... Enfin, je sais pas. Quel est le plaisir... Je sais pas, c'est chaud, hein. Il descend des backrooms, il est level 3. Ah, je sais pas. Mais moi non plus, je sais pas. Hein. Mais j'aimerais savoir pour le coup, parce que je suis juste curieux. Hein. J'ai juste une curiosité bien placée. C'est pas une curiosité de perversion. Hein. Tellement pas. Vraiment, c'est juste que moi, des fois, quand je me pose des questions, bah, j'ai besoin d'avoir la réponse, tu vois. Oui, je me suis déjà posé cette question. Bah, écoute, ça me rassure dès que je suis pas le seul, tu vois. Même un homme trans, je sais pas. Bah oui, mais même à l'inverse, tu vois. T'étais une femme, tu deviens un homme. Est-ce que ton plaisir de pénétration est toujours le même ou c'est différent? Parce que je pense que quand on fait l'amour homme-femme, on a un plaisir différent, hein. C'est pas du tout le même. Hein. Le plaisir de femme de faire l'amour et d'homme, c'est pas le même. Donc, quand tu fais la transformation, est-ce que tu prends le plaisir de l'autre ou pas? Enfin, je connais des personnes trans, d'accord. Ah, pour répondre à la question, non. Mais apparemment, ton gland est greffé et prend la place du clito. Donc, t'as pas de plaisir de pénétration, mais tu plus de frottement. D'accord, ok. Donc, c'est pas un vrai plaisir, c'est comme un plaisir... C'est un simulacre de plaisir féminin, quoi. En quelque sorte. Ah, j'ose pas demander. Ah ouais, c'est touchy, quand même. C'est profond, ce que tu dis. Tout à fait. C'est de la future trans. Je demande pour le bien de la communauté, si tu veux. Ouais, vas-y, demandez. Non, mais c'est intéressant. Enfin, je veux dire, les gens, maintenant, avec tous les LGBT, tout ça, hein, ils se revendiquent trans. Ils ont plus peur d'être trans, tu vois. Donc, c'est légitime qu'on se pose des questions, tu vois. C'est logique. Hein, c'est pas être pervers, c'est pas être dégueulasse, c'est pas être je sais pas quoi. On peut se les poser, je pense. Hein. Merde. Hein. S'ils s'assument aujourd'hui, y a pas de problème. Bon, bref, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Allez, voyons. Il va lui dire. Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer en fait là? Bah, elle va lui dire. Laisse-moi parler, d'accord? Vas-y, dis-moi. Oula, on dirait que tu me fais stresser là. Ça m'a donné un bail de ouf là. Parler. Oui, c'est un bail de ouf. Ah, c'est ton petit frère, il va dire. Hein? Vas-y, bah ouais, ok, il y a un bébé, ok, il est mignon, il y a une dame. Bah, ce bébé, c'est moi. Oh! Okay, ouais, t'es mignonne. Mignonne! Mais... C'est un bébé garçon, ça? Mais non, arrête de mentir. Bien sûr. C'est toi, là, sur la photo. C'est moi. Et un bébé garçon, en gros. Bah, je suis née dans le mauvais corps. Oh! Pardon. Mais là, la tête. Là, la tête. Ah, il a changé. Il a changé de tête d'un coup. D'un coup, il a changé de tête. Hein. Ah bah oui, hein. Là, il n'y a plus de chéri bébé, là, je crois. Là, c'est finito. Hein. La plupart des trans, dès que tu poses une question, c'est que t'es un DLGBTQ. Mais ouais, mais alors là, mais qu'ils arrêtent de se revendiquer, alors. Hein, dans ces cas-là. Hein. Je sais pas. Hein. Faut être logique, hein, au bout d'un moment. Il jaune tellement qu'il parle chinois. La pause, MDR. Ah bah oui, bah là... Mais il avait le sourire jusque-là, c'est-y. Hein, mais c'est finito, là. Si la réalisation avait un visage. Et il est là. Ah, il est là, ce serait lui. Totalement. Totalement. Mâchoire serrée. J'étais garçon, maintenant je suis une femme. Ok. Après, je te l'ai pas dit. Attends deux secondes, parce que là, il faut deux petites secondes pour que je reprenne mes esprits. Je suis bouleversé. Je tombe des nues.
Je commence à avoir chaud, je commence à me sentir pas bien. Ça, c'est un secret de ouf, en fait. Moi, en découvrant après, le voilà, centre du TC. Parce que je tenais vraiment à te le dire en face, tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, je sais pas, en fait, parce que... Genre, tu t'attends que dès qu'on soit ici, style, pour m'en parler, en fait. Non, c'est pas style, c'est vraiment parce que c'est un sujet qui est important. Là, en fait, dans sa tête, au gars, c'est comment je vais me sortir de ce bourbier, hein. Clairement, là, il a envie de fuir, c'est bon. Il veut fuir. On va en faire un mème de ça. Ah, mais clairement, hein, y a un potentiel mème. Hein. Ok, ok, ouais. Tu vois, et que je voulais pas... Bah, c'était important, t'aurais pu me le dire avant, non ? Bah non, justement. Parce que genre, c'est quelque chose que j'aurais voulu te dire en face. Enfin, j'ai l'impression que je suis pris pour un con, un peu. Mais il faut pas te prendre pour un con. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, j'ai l'impression qu'on joue avec mes sentiments. J'ai l'impression, en fait, qu'il n'y a pas de sincérité. J'ai l'impression qu'elle a joué avec moi. Et voilà. Ça va ? Voilà. Il fuit. En fait, ce que il abuse un peu là. Arriver, ouais, un peu. Mais c'est surtout que il a pris un choc frontal là. Et il veut se barrer à tout prix, hein, je crois. C'est pas possible. Une fois, pas deux déjà. Pouquet, je me suis fait avoir là, c'est bon. C'est dit. Ouais, il cherche des excuses, ouais. Ouais, mais clairement. Je me sens mal. Eve est choquée. Et qu'elle est-il réellement partie en l'abandonnant au château? Elle qui pensait avoir enfin rencontré une personne susceptible de l'accepter est abasourdie. Ouais, c'était là ce point trompé sur Ecole, sur sa tolérance et ses sentiments. On le saura tout à l'heure. En attendant... Mais en vrai... Alors attendez, c'est con hein, ce que je vais dire, mais je peux comprendre le garçon parce que... Ok, il accepte, il n'y a pas de problème, mais je pense que les premiers temps de relation vont être terribles. Dans le sens où, forcément, tu te mets en couple, tu baises. Donc, tu te dévoiles physiquement, tu te mets nu. Hein, forcément, pour baiser, il faut se mettre nu. Mais moi, dans ma tête, elle va se mettre nue. J'aurai toujours cette idée de me dire, là, il y avait un zizi, là. Là, il y avait un zizi. Là, il y avait un zizi, tu vois. Bon, peut-être qu'au bout du temps, hein, au fil que la relation avance, parce que le sexe, c'est une chose, mais ça fait pas tout, hein, t'as pas que du sexe dans une relation, bah, au final, tu l'acceptes, mais tu t'y fais, tu l'oublies, plus ou moins, on va dire. Mais dans un premier temps, voilà le malaise, quoi. Là, tu vas te dire, là, il y avait un zizi. On m'a pris pour un con, il n'y a pas d'honnêteté. Au contraire, c'est pas par SMS qu'elle va lui dire, « Oh, en fait, il y a deux mois, j'avais une bite. » Ouais, j'avoue. Pareil, MDR. Mais là, peut-être encore, hein. Mais il l'a peut-être encore, ouais, on sait pas. Mais je pense pas, hein, ça se verrait, hein, surtout vu l'habit, hein, l'habit qu'elle a mis, hein, franchement. Mais je sais pas, moi je pense qu'il y aura une gêne, mais après, bon, tu t'y fais, parce que tu l'oublies au final. Quand tu as... C'est pareil, c'est comme une relation normale, hein, on va dire, relation normale, comme si c'était pas normal. Comme une toute relation, hein, on va dire, au bout d'un moment, bah, tu t'y fais au corps de l'autre, donc... Voilà, tu fais plus attention. Kenny avait assumé que Naomi est un trans. Alors là, tu me parles de genre random pour moi. Dans du formol. Oh non. Tu rentres ton zizi dans un zizi. Au tir à l'arc, ça s'appelle un trophée. D'accord. Bah merci, on aura appris un truc. Vas-y, il est plus bonne que certaines meufs. Ah oui, bah ça, il n'y a pas photo. Mais bizarrement, vous aussi dans le chat là, hein, ils sont où les gars là qui disaient ouais, c'était un homme avant, je m'en fous, je la pète quand même. Ils sont où les gens qui disaient je la pète quand même? Bizarrement, vous voulez plus trop la péter là, j'ai l'impression. Et honnêtement, moi d'embrouille entre couilles, hein, moins. Moi d'embrouille entre couilles. Oh, c'est chaud. Ça me rappelle l'épisode qu'on s'était tapé avec ce que vous avez appelé le paquebot, hein. Où vous étiez en roue libre totale, là c'est la même. Je vous tiens plus. Et encore. Moi, il y en a, ils vont s'en vouloir hein, d'être chômeurs là. Les Klein et les Zippo. Hein. Quoique Zippo, il serait déjà barré. Lui, c'est bon, il n'y a pas de tolérance. Mais Klein. Moi, tant qu'on me dit les choses d'entrée, ça me va. Bah oui. Bah écoute. Je la pète toujours perso. D'accord, Slash. Je la pète quand même. Ok, ils sont toujours là. Ça va. On retrouve Julia. Ah, qui vit une histoire d'amour virtuelle. Nos petits cerveaux. Depuis 8 mois. Alors, nos petits cerveaux, qu'est-ce qu'il raconte? Elle avait peur que le garçon ne parvienne pas à la rassurer. Alors, forcément, quand il lui a avoué qu'il continuait à voir d'autres filles pendant leur vie. Et là, il serait sanglant de ouf. La jeune femme s'est braquée.
Sauf que Wesley lui a promis de changer et lui a assuré qu'à présent, elle serait la seule et unique dans sa vie. Par contre, si on me disait qu'avant c'était quelqu'un d'autre, après plusieurs mois de relation, bah là, Julia ouais, c'est chaud. Va tout de suite le découvrir. Je serais déçue parce que j'ai appris par rapport à qui parle à plein de gens. C'est quoi ce plan là sur son bide? C'est quoi ce plan? Il y a ce côté là négatif que. Pourquoi ils ont fait un plan sur son bide? Je suis jalouse. Et le côté qui me plaît de la personne qu'il est et que voilà, il me plaît. Ça sert à quoi? Donc c'est un peu compliqué, je sais pas trop où je vais. Je suis stressée, je cogite. On fait garde alternée si tu veux. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va choisir, quelle va être sa réponse. Voilà. Et fétichiste à la 5 minutes craft, ouais, je sais pas. Et j'attends qu'il arrive. Allez, chiale. Je vois le temps qui passe, je me dis bon, il arrive pas. La meuf est red flag c'est vivant. C'est très long, vraiment, je trouve ça long, j'ai l'impression que c'est des heures à attendre. Et je me dis bon, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Ah, le message. Le message qui veut dire je me casse. Ciao, finito. Je vois son nom s'afficher sur mon téléphone et je me dis bon, ben sûrement il me fait une surprise, il est pas venu parce qu'il m'attend ailleurs. Je me dis peut-être il est avec des roses autour d'un verre. Oh my god, il a rencontré une meuf dans les escaliers. On discute bien tous les deux tranquillement. Donc je me dis ça pourrait être sympa. Écoute, Julia, j'ai bien réfléchi à tout ça. Et voilà, en fait, je me sens pas prêt. Je sais que supprimer les sites de rencontre, soit je le ferai, mais quand tu seras plus là, je sais que je le remettrai. Peut-être pas à nos filles, je sais que je suis pas réellement prêt à tout ça. Et voilà, t'es une fille qui me plaît beaucoup, mais j'ai pas envie de te faire du mal, tu mérites pas que je te fasse du mal. Il envoie un message, donc, voilà, attends, je suis aux toilettes. Ça va être compliqué, ouais, je pense que je vais préférer rentrer chez moi. Par contre, cet enculé là, il est arrivé, alors pour ceux qui viennent d'arriver comme toi, Seti, il est arrivé en mode, ouais, t'as un vrai bonhomme en face de toi. Il a dit ça, hein, réellement. T'as un vrai bonhomme en face de toi. C'est, il est où le vrai bonhomme là? Il a envoyé un vieux message tout pourrave là, un message vocal, il pouvait pas lui dire en face, ce trou du cul. Vrai bonhomme. Bah là 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 là, c'est ça les vrais bonhommes en 2023? Pas du tout, hein. Vraiment pas. J'ai pas envie de me poser, je veux juste ken des meufs, c'est genre plus simple, c'était genre plus simple. Ben oui, non, mais c'est exactement ça. Vous pouvez pas lui dire en face, ce tarmal, hein. Un vrai bonhomme, hein, mon cul, oui. Putain, j'ai oublié la prédiction par contre. Ah, je suis un con. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis dans un cauchemar, c'est pas réel, c'est. Je me dis c'est un bug de mon téléphone ou il s'est trompé sur le vocal, je me dis c'est pas possible, je réalise pas. Allez, va être jalouse maintenant. Je me sens mal, déçue. Il a le physique de ses idées, ouais, tout à fait. Il accepterait quand même. Le date en plus s'est bien passé, donc je trouve ça lâche ce qu'il a fait parce qu'il aurait pu au moins monter dans la chambre et me dire les choses en face. Ouais, je suis d'accord. Je vais même pas répondre à son message. La coiffeuse hier, elle disait qu'un vrai homme, maintenant, il fallait aller chercher entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans, un vrai homme? Non. Non, quand même pas. Moi, j'estime être un vrai bonhomme, tu vois. Un vrai bonhomme, il assume tout. Hein. Oui, parce qu'avant, ce sont des gamins. Ben non, c'est pas des gamins, en fait. C'est pas une question d'être un gamin, c'est juste que, voilà, maintenant, tu te poses pas à 20 ans. Et encore heureux, moi je dis bravo, tant mieux, à 20 ans tu te poses pas, tu profites de la vie. Sauf que, ben, il y a encore des filles ou des femmes hein, qui veulent se poser à 22 ans. Malheureusement, bah oui, là, c'est très rare hein, de trouver des gens qui veulent se poser à cet âge-là. Hein. À 40 ans, ils redeviennent des gamins. Oui, la crise de la quarantaine, à ce qui paraît. Mais ça, c'est pas dit, hein, Pops. Hein. D'ailleurs, Seti peut peut-être nous confirmer, hein, je sais pas. Mais la crise de la quarantaine qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que les hommes redeviennent des gamins, c'est souvent les hommes qui n'ont pas beaucoup profité, hein, généralement. Voilà. C'est vraiment ça, hein. je jure que c'est vrai. C'est souvent les gens qui n'ont pas beaucoup profité de leur jeunesse ou qui ont un petit peu des rêves qui n'ont pas trop testé, tu vois, ils n'ont pas pu se tester, ils ont dit « Ah, j'avais ce rêve-là, mais j'ai pas pu le faire pour X raisons, parce que j'ai eu une vie de famille tout de suite, tu vois ». Donc là, bah forcément, ils se sentent un petit peu, ils ont ce sentiment de choses pas faites ou mal faites, ou voilà, et du coup, ils rattrapent le temps perdu. Sauf qu'on rattrape jamais le temps perdu. Et normalement, à 40 ans, quand t'es un gamin, c'est que t'as pas assez profité hein, avant. Ouais. Ouf, je suis encore un vrai. C'est les mecs moins coincés qui tapent des crises de la quarantaine. Ouais, les mecs coincés, ouais. Ou ceux qui ont clairement manqué de temps dans leur jeunesse, c'est ça. Yo, comment ça va? Ça faisait un bail. Ça va et toi, Exril?
J'ai 30, je suis toujours un gamin, on va rire si je fais la crise des quarantaines. Ben non, clairement pas. Si tu gardes l'esprit jeune toute ta vie, tu fais pas une crise de la quarantaine. C'est pas possible. Si tu gardes l'esprit jeune toute ta vie, c'est clair. Mon père a sa crise, elle est cool maintenant, il ressemble à un poulet sur un VTT. Oui, bah lui, c'est la crise de la soixantaine, c'est pire. Hein. Tranquille, bon, nickel. Tu vas être un baby, du coup. Oh putain, il faut changer les couches de slash. Bon, bref. Chacun sa route, quoi. Je peux entendre parler. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. On va faire avec. Tonton David. On fait avec, ah, chiale pas, ça va. Il a été sincère, qu'est-ce que tu voulais, toi? Alors, Julia et Wesley se sont-ils depuis parlé? Je pourrais mettre Wesley du 300. Ils ont tenté de sauver leurs 8 mois de relations virtuelles. Vous le saurez tout à l'heure. Alors, s'ils se sont mis ensemble juste après ça, hein, franchement, c'est couillon. Retour avec Rémi. Ah, alors, j'ai oublié la prédiction juste avant, maintenant je la lance pour celle-là. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Oui, non, vous avez 10 minutes. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc du coup, résumé, lui, il a presque 40 ans. Voilà, il est français. Elle, elle est péruvienne, d'à peu près le même âge. Et il veut lui demander qu'elle s'installe avec lui en France, hein, parce que lui, il a une petite fille. Joseph, je n'attendrai pas 35 ans. Bientôt, Hogwarts Legacy, hors sujet, mais bon. Ah, oui, il est sorti en préco ou je sais pas quoi, Pops m'a dit. Je sais plus. Depuis un an, il est follement amoureux de Josie, une jeune femme qui vit au Pérou. Lors de leur premier rendez-vous, son coup de foudre virtuel s'est confirmé en vrai. Et ses sentiments n'ont jamais été aussi intenses. Malheureusement, la jeune femme, elle, semble mystérieusement plus réservée. Elle s'apprête à lui révéler pourquoi. Ah, vous êtes pas joueur, là, dis donc. Ah, vous êtes pas joueur. Vous pensez vraiment qu'ils vont... Alors, il y a une personne qui a mis 10, manière 2. Ah, ils vont pas finir ensemble. Ou alors, beaucoup de personnes ben, n'ont pas les informations. Ah ouais, ah ouais, vous êtes pessimiste à ce point. Vous pensez qu'elle va lui faire une Bing announcement du style « c'est rédhibitoire ». D'accord, d'accord. Je comprends pas votre raisonnement, mais pourquoi pas. Si vraiment c'était finito et qu'il y avait rien de possible avec lui, vous pensez vraiment qu'elle aurait fait tout le voyage du Pérou jusqu'en France? Ce serait très débile, hein. Ce serait beaucoup de frais pour pas grand-chose au final. Hein. Donc ouais, vous êtes très pessimiste. Hein. Trop pessimiste même. D'un côté, si tu veux pas d'enfant, c'est cool parce que si tu redeviens un gamin, ta meuf, elle en aura deux en un. Ah oui, j'avoue, chaud. Hein. Effectivement, j'ai pas le temps. Ah ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, s'il y a une personne qui met oui, peut-être qu'il peut gagner 110 points là, hein, pour le coup. Hein. C'est payé par la prod. Hein. Je suis pas sûr, Droza, je suis pas sûr. Peut-être ils ont avancé les frais. Peut-être elle a avancé les frais, mais c'est une péruvienne. Hein. Au Pérou, ils sont pas riches. Hein. Quoi, elle va dire qu'elle est trans encore? Ah. Ah, alors là, ce serait vraiment un plot twist de malade. One. Ce serait trop drôle. Question. Surtout. C'est difficile. Là, je suis tendu. Ah oui, tendu. 500 carrément, sur oui. Parce que j'ai tout le stress là qui monte là. Mais du coup, ouais, je suis tendu, mais j'attends. Là, je suis à l'attente. Et. Vais-tu son impossible? Si je veux t'épouser. Hein? Tu comprends? Oui. Vous tout m'épousez? Aïe. Les papiers! Ouais, il y a peut-être ça. Mais oui. Mais oui. Oui. Oui, on peut penser à ça très fortement quand même, hein, j'avoue. C'est comme un rêve. Là, je suis en train de rêver. C'est tellement incroyable. La demande en mariage, ça implique qu'elle viendra en France. On va vivre ensemble. En France. Et après, on verra pour plus tard. Veux-tu les papiers? Qu'est-ce que je disais? Vous avez tout mis sur non. Ouais, il y a deux personnes qui ont mis non. Mais il fallait pas mettre non. C'était logique, elle allait pas faire tout ce trajet pour rien. Bon, allez. Hop, je vais mettre oui. Voilà. Il y a une personne qui a gagné 110 points. Génial. Le jour de notre rencontre, tu vois une Asiate en direct, je te dis, veux-tu m'épouser? Ah bah oui, oui, bah oui. Sauf que moi, je pensais avec ma bite à l'époque, donc j'aurais dit oui. Le passeport Balder de merde, bah oui. Quizás une expression mía más amorosa hubiese sido lo ideal, pero es difícil para mí. En la conversación, yo me sentí cada vez un poco más segura y un poquito más cerca
un poquito más abierta y hasta que pude hacerlo. Ahí, la pecho. Ah, ¿no? C'est la fin de demain. En vrai, tu me fais venir dans un pays développé, c'est gratos. J'y serais pas. Des petits Rémi, des petites Jessie, ne serait-ce Rémi. Que pour voyager, genre. On va l'appeler Rémi. Oui, bah oui, mais non. Fiancé, pas de bisous, ils attendent le mariage. Non, non, c'est bon, ça y est. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Eh, n'empêche, le château, il est beau. Hein. Je dis ça et je dis rien. Il est beau. Hein. Ah, je pense toujours avec ma bite aujourd'hui. Bah oui, oui. Mais quand tu penses avec ta bite, tu penses pas à grand-chose. Hein. Donc là, s'il pensait avec sa bite, le gars, c'est pour ça qu'il a peut-être dit oui. Hein. À moins que la condition de remboursement, c'est qu'ils se mettent ensemble. Ah, peut-être, ouais. En vrai, si une femme me fait une demande en mariage, ça me dérangerait pas. On m'avait déjà fait une demande de fiançailles d'une ex. C'est vrai ? Ben moi non plus. Moi non plus, ça me dérangerait pas ! Je l'ai dit bien fort parce qu'elle est à côté. Il y a mieux comme château quand même. Ouais, il y a mieux, mais c'est mignon quand même. C'est sympa. Pour passer un week-end en amoureux, c'est sympa. Je dis ça parce qu'elle est à côté, Pops. Hein, et qu'elle elle me taraude pour que ce soit moi qui fasse ma demande. Mais ouais. Voilà, hein, on est au 21e siècle. On est en 2023. Moi, si je te demande de m'épouser, c'est McDo devant Aoyama Your Mother. Ah bah super. Ah bah voilà. Voilà ce que je vaux, moi. Voilà ce que je vaux pour Pops. Moi, je vois un McDo et je vois une série comique. Voilà ce que je vaux. Super. Je te souhaite le meilleur avec ta copine. Merci. Merci. Ouais. Moi perso, j'ai une crush en secret là, mais bon, la timidité fait que je n'ose rien, c'est ultra chiant. Oui, bah, il faut la combattre, sa timidité. Si tu veux, tu fais point d'exclamation love plus le prénom de ton crush pour voir si ça marchera. Peut-être que, hein, ça dit l'avenir, cette commande. Hein. Vous faites point d'exclamation love, espace, le pseudo ou le nom de ce que vous voulez, et vous allez voir si vous avez de l'affinité. Voilà. On a perdu la finale, donc pas de mariage. Oui, c'est vrai. Je vais te buter. Oui, t'as rien à perdre et tout à gagner, hein. Bah bien sûr. Mais bon, ça, il faut encore savoir se le dire dans la tête. Hein. Puisses-tu avoir plein de Happy Meal sur la table. Oh là là. Love Emma Watson. Non, faut faire un espace par contre. Hein. Voilà. Love Didier Deschamps. Ah bah voilà. Droza, il va pécho Didier. Love McDo. 20% avec McDo. Non, c'est faux là. Là, il y a eu un bug. Jusque-là, ça dit la vérité, cette commande, mais là, il y a eu un bug. Il y a clairement eu un bug. On n'est pas à 20%. Bon, bah c'est mignon. Après allez. Leur week-end au château, Dédé, mon amour. Sont-ils toujours ensemble ? Le ah, sont-ils toujours d'actualité ? Ah oui, ça, je veux vous savoir, allez moi. Découvrir que pour Josie, la vie en France a réservé bien des surprises. Oh là là, oh là là. Mais avant cela, on retrouve Eve et. Ah ! Alors, là, par contre, la prédiction, là, ça va être dur. Dans tous les sens du terme, ça va être dur. Vont-ils finir ensemble ? Oui, non, c'est parti. Love Kaya Bouya. Ah ouais, lui-même. 65% avec lui-même. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Vous êtes des génies, le chat. Masterclass. Oui, ça va. Sans prétention, oui. J'ai un chat de génie. Love Colbane, 18%. Bon, allez, ciao. Ah, bah, ciao. Hein. Bon, bah, les gars, je suis célibataire. Hein. Du coup, c'est qui m'avait parlé de pute gratuite, là ? Ça m'intéresse, maintenant. On m'avait parlé de pute gratuite. Je suis intéressé. Vu qu'elle m'a dit ciao. Hein, je vais prendre mes caleçons sales et je me barre, hein, c'est ça ? J'ai été payé, faut finir l'émission. Ouais, bah, allez-y. Hein. Dur pour les deux, ouais. Love the Pop Show. Oh, la mégalomanie ! Oh, la mégalomanie ! Oh, putain, 96% elle-même ! Waouh ! Tu as Roberto, non merci. Je t'envoie ça. Ouais, je veux bien, Drodro. T'inquiète, on va aller faire un tour en Espagne bientôt. Hein. Ah, ça va pas. Hein. Bon, allez, la prédiction est lancée, hein, les amis. C'est parti, hein. Mettez vos points de chaîne si vous avez envie de jouer. Mais là, c'est pas facile, hein, je peux vous comprendre. Pour le moment, il y a 100 points qui ont été mis sur le oui. Quelqu'un de très optimiste. Bon, vous avez vu la réaction de Heikel. Du coup, là, il va falloir jouer. Là, faut jouer. Allez. Qui file le parfait amour virtuel depuis un mois et demi. Leur première rencontre dans le monde réel a malheureusement rapidement basculé. Love Roberto, 6% MDR. Elle ah bah ça va. Elle était née dans un corps de garçon. Apparemment choquée, Heikel a quitté le rendez-vous sans un mot. Il marche bien, le bot. Il marche bien. Dévastée. Ta fille, c'est une locomotive, elle ronfle de ouf. Genre, j'ai eu trop peur, je pensais qu'elle avait un truc cassé dans la maison. Ah bon ? Ah, elle ronfle. Bah, tiens, ça de sa mère. Hein. Love Roberto. Oh putain. J'ai l'impression que
qu'elle a joué avec moi. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait, qu'on a pu se dire avant, en fait, c'était du... C'est qui, Roberto fait, et que moi, en fait, je me suis confié à une personne qui elle, en fait, n'était pas sincère avec moi. Et je me dis, comment elle a pu me mentir à ce point-là, en fait. Vous n'êtes pas joueur aujourd'hui, hein. Après des semaines, y a que 110 points qui ont été pariés. Personne cachait ça, en fait, c'est un truc de ouf. Vous n'êtes pas joueur, hein. Tout s'écroule, en fait, et j'ai besoin d'avoir des conseils sages. Si je prends la décision tout seul, ce sera pas la bonne, et j'ai besoin d'appeler ma mère pour avoir une deuxième voix, en fait. Ah, la voix de la sagesse. Il fume, le gadjo. On a vu, il fumait. Ah, ça va bien. Tu sais, je t'avais dit, j'ai rencontré une femme, machin, tout ça, nanana, tu vois, genre, j'ai rencontré une fille. Je voulais te la présenter. Je voulais te la présenter et tout, tu vois. Ça a l'air tout bizarre, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais pas te présenter une fille. Qu'avant, elle avait une première vie, qu'avant, c'était... Avant, c'était un garçon, gros. Quoi? Bizarre, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il a besoin de la vie de sa daronne, c'est un mec, ça. Bah ouais. En vrai, elle m'a annoncé qu'avant, elle avait une première vie, qu'avant, c'était... Avant, c'était un garçon, en gros. Quoi? C'est un garçon? En gros, j'ai besoin de tes conseils, en fait, parce que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, tu vois. Et ça te bloque, peut-être, qu'avant, c'était un garçon? Ça me bloque pas, je m'en fous, en soi. En fait, c'est la trahison, c'est le mensonge qui me bloque, moi. Aujourd'hui, c'est une vraie femme, quoi. T'es pas bien dans sa peau. Peut-être qu'elle voulait changer de vie, parce que voilà, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Hein. Au moins, il réfléchit. Je pense qu'elle est sensible. C'est du délicat d'en parler tu sais, à travers les réseaux. Hein. Mmh. Des fois, c'est interprété par message. Tu me conseilles de faire quoi? Qu'est-ce qui te dit ton cœur? Là, mon cœur, il me dit la retrouver, ça c'est sûr, tu vois. Eh ben alors, tu vois. Voici pour tes conseils. Ok, allez, au courage. Bisous. Je suis mitigé entre plusieurs émotions, en fait. Le fait que c'était un homme avant, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Parce que moi, je m'attache vraiment à une âme, en fait, on va dire. Je suis pas dans les genres. En fait, le truc, c'est qu'elle m'a menti. J'ai l'impression que je vais... Il est moins con que ce que je pensais. Ouais, ouais, c'est vrai. Saine, sans mensonge, en fait. Après, là, je peux comprendre sa réaction. Attends. Je me pose des questions. Est-ce que je connais vraiment l'homme? Il avait dit d'entrée qu'avant que c'était un homme, même pas. Le Heikel, il aurait essayé de pousser. Ouais, c'est possible. Vraiment, sincèrement, est-ce que j'ai pas perdu mon temps? Je veux savoir pourquoi il a réagi comme ça. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je peux pas rester comme ça, avec toutes mes questions dans la tête. Je veux comprendre. Faut que j'aille lui parler. Désolé, hein, je suis parti parce que il fallait que je me parle un petit moment pour prendre un peu l'air, parce que je ne comprends pas. C'est quand même une annonce de ouf que tu m'as faite, je crois. Il n'y avait pas à partir comme ça. J'ai pas envie que tu te prennes ça pour en mode genre je suis comme ça tout le temps, que je suis une menteuse, que je suis pas sérieuse, tu vois. Faut que tu sors ça de la tête. C'est pas un jeu. C'est pas un amusement, c'est pas pour rigoler. Non, mais rien à voir, c'est juste parce que c'était important pour moi de te le dire en face parce que bah, j'ai tellement d'estime pour toi. Et genre vraiment, et ça me fait de la peine, je vais pleurer le nid. Moi aussi, j'ai eu des larmes, arrête de croire que je m'en fous, sauf que je le montre pas, tu vois. Je vais pleurer mon maquillage. Ces mots, ils me rassurent, ils me mettent en confiance. Parce que je me dis qu'elle a été sincère avec moi, du coup, au final, quand même. Parce que si elle me l'aurait pas dit, du coup, bah, en fait, on aurait continué dans le mensonge, en fait. Donc là, au moins, elle a été sincère sur le moment. Et on va dire que le plus gros est passé. On se dit, plus de mensonge, on se dit tout. Mm-hmm. T'es sûr? Mm-hmm, je te jure. T'es sincère? Oui, je suis sincère, je te jure. Maintenant qu'on a joué une carte sur table, maintenant, ouais, j'ai envie d'aller de l'avant avec elle. J'ai envie qu'on évolue ensemble, qu'on grandisse ensemble. Ah bah, t'oublies les enfants. Hein. Allez, bim! Bim! Fin de prédiction. Franchement, au moment, ça embrasse. Bon, bah, 10 points de gagné pour la personne qui a mis oui. Hein. C'est pas beaucoup. Je me dis, waouh. Genre, c'est émouvant. Genre, c'est comme dans les films. Eh ben! Oh, la soupe de langue! Sérieux, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis. Maintenant qu'on a surmonté tout ça, je sais qu'il est pas dans le jugement. Je sais que c'est quelqu'un de bien. Il va la taper sévère. Que je m'étais imaginé. Sévère de fou. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Depuis leur week-end au château, j'ai perdu 10 points. Le couple formé par Eve et Heikel continue de réserver bien des surprises. Bon, coucou tout le monde. Malheureusement, avec Heikel, ça s'est fini. Il a pas du tout accepté. Voilà, si j'étais la personne que j'ai. Arrête de mentir, bébé, c'est full amour, full love. Bah, du coup, après la rencontre, franchement, ça a grave matché. L'important, c'est qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, ça sauve tout. Voilà. Entre Julia et Wesley, en revanche, la situation n'a pas évolué. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé l'un pour l'autre. Au final, avec Wesley, on s'est pas revu à l'extérieur. Ça, c'est fini. Et puis voilà, on s'est dit, c'est mieux que t'as arrêté de se parler, vu que ça allait mener à rien. Et puis voilà. J'ai pas de nouvelles de Julia.
Ça s'est un peu fini prématurément, mais c'est vrai qu'on n'était pas sur la même vision des choses, pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà, je pense que c'était mieux d'arrêter là. Je n'étais pas forcément prêt à me poser. Quant à Rémi et Jossie, malheureusement, le conte de fées s'est brisé. Oh c'est non terminé avec Jossie. La vie en France était un peu plus compliquée, donc elle a décidé de retourner au Pérou. Au final, c'était pas cette vision-là qu'elle s'était faite de la vie ici. Donc, voilà, on a vécu un super moment, une belle rencontre, et on a adoré ça. Moi, je ne le regrette pas. Malheureusement, voilà, je me retrouve de nouveau célibataire. No estoy arrepentido de nada. Conocí a Rémi, evidenciando de este modo lo respetuoso, talentoso y divertido que es él. Y muchos besos. À bientôt. Le méga flop. Veux-tu m'épouser, le méga flop? Oh la vache. Tu subiras la violence de Mona Wap. Par contre, le maquillage à la piscine, là. Ouais, elle fait très Nabila quand même. Hein. C'est chaud. Hein. Je vais encore rager, t'insulter, fais gaffe. Ah oui. Bon, méga flop. Hein, méga flop. Ça fait pas plaisir, là. Méga flop. Ah, un autre. Bah ouais, je pourrais en lancer un autre. Hein. Il est 11h. Mais en vrai, cette émission, elle est tellement bien que j'ai pas envie de les rusher, tu vois, les épisodes. C'est ça qui me frustre. Hein. Il est quelle heure? Il est 11h. Et on va faire la moitié de la saison. La moitié. Après, c'est finito. Hein. Saison 2, après, il n'y a plus. Hein. La saison 3, elle est pas encore tournée. Hein, donc... Ah, il y aura bien une autre saison. Oui, le casting a été lancé. Normalement, il y aura une autre saison, mais... Tellement bien, lol. Non, je kiffe premier degré, hein, Seti. Je kiffe premier degré. Mais j'ai pas envie de les rusher trop fort, tu vois. C'est ça qui me frustre. C'est que là, on vient de faire le 4, mais j'ai pas envie de lancer le 5. Moi, je te dis, j'aurais bien pin quand même Roberto. Ouais, ouais, bah maintenant, c'est plus possible. Hein. Enfin, apparemment. Si toujours en 2023, ils sont ensemble. Je sais, je sais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je le lance quand même. C'est que 11h, en vrai. Hein. Bon, allez. Vous savez quoi? Je vais faire un sondage. Même si je connais déjà le résultat. Un autre. Oui. Non. Allez, let's go. Vous avez 2 minutes, c'est bien. Il y a Astrolove, si tu veux. Autre chose, c'est quoi? C'est quoi Astrolove? C'est une autre émission? Il pourrait m'intéresser? Mais je connais pas, donc tu peux pas dire si c'est bien. Bah, on a un autre truc aussi, hein, si jamais on a Love Coach, que ça s'appelle. À regarder. J'ai 2 trucs de Love Coach. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est réalisé par Nabila. Oh bah non, merci, ça va. L'amour via les astres. Oh putain, ça a l'air goldé ce truc quand même. Hein. Il m'a dit Nabila et l'amour via les astres. En 2 phrases, je te dis direct, c'est goldé. Hein. Oh putain. Ah, j'ai lancé un sondage, mais je m'en doutais que vous allez tous dire oui. Hein. Bon bah tant pis, eh ben, on va continuer. Hein. C'est parti pour l'épisode 5. Hein. Allez, let's go. Les meilleurs boulanges. Oh, bon. Qui met les belles histoires. Je teste de les trouver. Ah, super. Ce soir. Oui, ce soir. Nana, oui. Ok. C'est pas parce que personne. Ils ont été histoire d'un. Voilà. Et si on se rencontrait. Allez. J'aime la bouffe. Ouais, moi aussi. Voici les 3 rencontres que vous allez découvrir ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Tout d'abord. Depuis 3 ans. Imogène. Mais sans déconner, ils ont fait le casting en fonction des prénoms à la con là ou quoi? Imogène. Qui a déjà connu une Imogène? Par contre, 3 ans de relation virtuelle, faut arrêter là. Elle le voit comme un ami, il veut lui avouer qu'il a des sentiments pour elle. Ok, ça sent le méga flop. Merde, pourquoi j'ai disparu? Ça sent le méga flop déjà. Hein. Avec Imogène, c'est l'épisode de bureau. Je sais pas ce que c'est. Rapidement, le jeune homme a craqué pour elle, mais incapable de lui déclarer. Tu connais l'émission Striptease? C'est vieux, mais tellement drôle. Ah bah oui. Je les ai tous vus. Ce soir, lors de leur première rencontre en vrai. Il a enfin décidé de lui révéler. C'est quoi, un bailleur? S'il est gay, faut appeler Homogène. De son côté, Laetitia a eu un coup de cœur virtuel pour un homme bien plus âgé. Laetitia, arrêtons-nous 30 secondes sur la coupe de cheveux de Laetitia, s'il vous plaît. Je veux un mot de votre part dans le chat pour décrire cette coupe de cheveux. Tout de suite, un mot par personne pour décrire la coupe de cheveux de Laetitia dans le chat. C'est maintenant. Malgré leur différence d'âge, elle espère trouver de la folie de leur échange. Oh lolo. Ok, ça sent le flop aussi. Merci Kayabouya. Red flag. J'ai dit un mot, pas deux. J'ai dit un mot. Allez, un mot pour décrire cette coupe de cheveux. Vraiment.
J'ai l'impression que vous avez pas d'inspi ou vous en foutez. Merdique. Ok. LGBT. Bah non, pour le coup, non. Elle va voir Hakim. Red flag. Chiasse. Wok. Ok, bon. En vrai, je sais pas ce que c'est cette coupe de cheveux, mais moi, Pops, tu me fais cette coupe de cheveux, je te rase la tête. Hein. Je te rase la tête. Hein. Qu'il ne reste plus rien. Baby Daisy. Ah, la coupe de cheveux, je suis désolé. Hein. Vraiment, je suis désolé, mais c'est pas beau. C'est tellement pas beau. Ah, mon Dieu, que c'est pas beau. Héroïne, mais oui. Oh. Ah oui, j'avais oublié. Ouais. Oh putain de merde. Bon allez, on continue. Cette différence d'âge inquiète cette camionneuse de ouf. Et si une fois dans le monde réel, il ne l'acceptait pas comme elle est vraiment? Et s'il ne retrouvait fumeuse pas la folie de leurs échanges virtuels? Mais on commence tout de suite avec Imen. 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 Alors Imen, ne vous fiez pas à sa plastique de rêve. Putain, mais à chaque fois, ils mettent des grosses bombasses en peignoir, là. Et on a fait exactement le même début d'épisode tout à l'heure. Bombasses en peignoir. Hein. Putain. Une femme brisée qui se prépare pour... tout ça pour que les hommes puissent rester dans cette émission. Cela fait 5 mois qu'ils discutent sur les réseaux sociaux. Et cela fait 5 mois... Allez, régalez-vous, les gars. ...de le rencontrer. Car Imen ne se laisse pas approcher facilement. Prénom classique arabe. Oui, c'est vrai. Je lui pète l'hymen, elle me fait de la peine. Des plus belles histoires d'amour. Et malheureusement, c'est mal terminé. Oula, mais c'était un homme ou quoi? Et à cause de ça, bah, je fais plus confiance aux hommes. Par contre, faut doser là, la chirurgie esthétique. Hein. Je me suis engagée directement à l'armée. J'étais parachutiste à les commandos. Ouais, faut doser. Je voulais passer le cap. Et surtout, à me forger un caractère. Ah, elle dose la chirurgie. Malheureusement, ça n'a pas réussi en fait. J'ai du mal à me laisser approcher. Je vais voir la camionneuse en peignoir. Ah non, merci. Roberto, le retour. Voilà, d'en parler, ça me touche quand même. J'ai un problème d'écho à cause de tout ça. Maintenant, j'ai un blocage. Voilà. Melvin, c'est le seul qui a réussi. Oh, le plan sur les boobs. Oh, le plan sur les boobs. Allez, je vous le remets, bande de coquins. Mais c'est quoi, ça? On est chez Jackie et Michel ou c'est comment? Allez, bim. Il a me mettre en confiance. Au début, je me pensais que c'était... Allez, régalez-vous. Je reconnais direct c'est ces mecs-là. Mais finalement, non, pas du tout. La bouche suceste des traqueurs. Tous les jours, on s'écrit. Tous les jours, on prend des nouvelles La bouche refaite à un moment, oui. J'ai vraiment un l'un à l'autre. Melvin me rassure au quotidien en me disant qu'il est là pour... Elle n'a pas le droit de se baigner dans l'océan. Elle rejoindra le 8e continent. Oh, putain. Bon, on s'est pas encore dit je t'aime, hein. Mais qui sait, peut-être que ça viendrait un jour. Avec Melvin, on s'est jamais rencontrés pour des raisons très importantes pour moi. Melvin, il est de ma ville. Il a essayé maintes et maintes fois de me donner des rendez-vous. Le pauvre, à chaque fois, je lui posais des lapins. Melvin ne le sait pas, mais j'ai entendu une conversation téléphonique. Il avait oublié de raccrocher son portable. J'ai tout entendu. J'ai entendu. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Ça m'a refroidi. Clairement. Mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Trahison. C'est un mensonge. Et en plus de ça, je l'ai appris par moi-même. C'est même pas comme s'il me l'avait dit. C'est moi qui l'ai appris toute seule. Malgré ça, j'ai continué à parler avec lui. Parce que j'ai des sentiments naissants. Ouah, mais elle est chelou! Elle est chelou! Impossible de lui dire à travers le portable. Elle m'excite pas, je sais pas pourquoi. Un jour, j'ai pris mon courage à demain. Moi, la bouche, là, j'ai du mal. J'ai du mal, cette bouche, là. La bouche hyper pulpeuse, là. Moi, j'aime bien les bouches pulpeuses, mais là, mais putain. Eh, on aurait indiqué qu'elle a pris une pompe à vélo et puis... Hop, juste là. Elle ressemble pas à un soldat de l'armée. Pas trop. Ouais. Parce qu'elle est pas ouf, peut-être. Ouais, tout simplement. Hein. T'inquiète, t'es normal. Elle est sponsor par la plasturgie, cette émission ou quoi? Ouais, je crois qu'il y a... La saison 2, c'est bonjour les bimbos, quoi. Bonjour les Nabila Eco Plus. Hein. C'est pas une femme Barbara Gould, ça. Ouh là là, la vieille référence, là. Une pompe à vélo. Ouais, tout à fait, ouais. Ah là, elle est gonflée, hein. Oh putain. Texto en visant, et si on se rencontrait? Téléphone, c'est plus simple, on est plus à l'aise. Mais quand on arrive face à la personne, c'est différent. Ouais. Tu peux pas me mentir, faut vous faire. Je compte lui parler de cet appel que j'ai entendu. Et je verrai... Je verrai ses réponses.
Ah, non plus, elle me... J'ai du mal. Hein. Physiquement, ça va, mais le visage, j'ai du mal. Ce côté, en fait... Oh, il arrive en basket, le pélo, là! Je ne pense pas que je vais rencontrer Melvin à l'instant. Elle vient juste pour régler ses comptes, ouais, c'est chelou. Mais j'ai surtout hâte de lui dire le petit secret que j'ai gardé pour moi. Oh, mais il est en basket, le gars de Joe, arrête. À me donner, parce qu'il me plaît quand même. Est-ce qu'une bouche comme ça, c'est dur? J'apprécie vraiment beaucoup. Je sais pas. Et dès qu'il va s'asseoir, en fait, je vais même pas laisser le temps de réfléchir. Donc je vais lui en parler de cet appel téléphone. Et tout. Mou comme une vraie. Oh, je sais pas du tout. À ce moment-là, je m'en vais. J'ai peur qu'il me la mette à l'envers. J'ai peur qu'il me disquette, clairement. Et j'espère pas pour lui. Je suis une femme de caractère. J'ai fait 2 ans et demi d'armée. Et quand il y a quelque chose qui me plaît pas, on va le voir directement sur mon visage et je vais le montrer. J'espère qu'il sera pas menteur, qu'il va avoir des bons arguments. Je sais que j'ai de la poigne. Chelou est relativement dur en vrai. Ça va quoi? Oh le look! Comme tu es belle, tu es sublime! Oh le look, il est en jogging! Ça va quoi? C'était magnifique! Bah c'est toi! Il est en jogging? Ça va? Ça me dis pas qu'il est en jogging! Ah oui, d'accord! J'ai droit à une petite danse en plus! Mais c'est quoi cette saison de merde là? Sans déconner! Eh! Hey, c'est les cassos qui se rencontrent ou c'est comment là? Putain le look! Oh! Mais un peu de classe s'il vous plaît! Mais un peu de classe, c'est quoi ce pélo là? Regardez-moi ce pingouin! Il va faire du sport ou il va en date là? Oh! Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? Putain! Vous pouvez pas mettre une chemise? Oh là là, la faute de goût! Oh non, s'il vous plaît! Habillez-vous bien un petit peu dans la vie, sans déconner, on va où là? Elle avait le regard déter et tout, mais elle fait... Que sourire dès qu'elle a vu. Ouais, non, mais ça, c'est la réaction logique, ça. Ils font tous pareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce canard? D'accord, j'ai droit à une petite danse. Mais fous-lui sur la gueule. Il est beau garçon, non? Non, il est moche. Rigolo. Je suis contente de le voir. Mais bon, je suis un peu gênée parce que je sais que je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle. C'est quoi leur critère à eux, là? Non, mais sans déconner. Ça, c'est beau gosse, ça? Ça va? Ça, c'est beau gosse? Ça? C'est beau gosse, ça! Non mais sans déconner! Aujourd'hui, quand tu t'habilles en jogging et que tu fais le canard, tu fais le pingouin, t'es beau gosse! Oh là 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 là, mais moi je comprends plus rien. Ça c'est beau gosse, ça! Non mais faut arrêter! Faut arrêter 2 secondes! Qu'est-ce qu'il y a de beau gosse? Il est en basket! C'est même pas des belles baskets, c'est des baskets achetées à Lidl! Oh. Oh, pétainer, mais c'est toujours le même starter pack des trouducs. Ah ouais, non, mais en ce moment, là, c'est... Ah, ils ont pris le fond de panier des émissions de télé-réalité, là. Tous les refoulés du casting, ils les ont tous mis dans cette émission, j'ai l'impression. Hein. Tous les refoulés du casting des Marseillais et tout ça, ils les ont foutu là. Hein. Ah, la vache! Il est rigolo parce que c'est dense comme ça. Non, c'est pas beau gosse, c'est Cité de France, Narvalo. Ah non, mais je suis désolé, il n'y a aucune classe, là. Aucune classe. Elle, ça va, elle présente très très bien, elle présente très très bien, elle, hein. Mais lui, oh, putain. Lui, il va se pointer chez les beaux-parents un jour comme ça, tu vois, en jogging. Ah non, faute de goût. Ça va et toi? Oui. T'es magnifique, vraiment, rien à dire. Ouais, c'est bah pas toi, hein. Je regrettais pas d'être venu. Championne. Mais qu'est-ce que c'est ce pélo? Ça va, t'es à l'aise, hein? Ça va, top, ouais, ouais, top. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est une très belle femme. C'est une très belle femme, elle est classe, très jolie. Elle a une belle bouche, elle a une très belle silhouette, elle me plaît. Alors ça t'a fait quoi de me voir en vrai? T'es comme sur les photos, toi. Ouais. Parfait, ouais. Vraiment. Merci beaucoup, c'est ça me flatte. Et voilà aussi ce que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle a les yeux qui brillent, qu'elle me regarde. Elle a le regard de tigresse. Je vois dans ce regard que vraiment je lui plais. Forcément, j'ai envie de la découvrir. Mais par contre, moi je veux te voir de A à Z comment tu es. C'est trop important pour moi. Je peux il a envie de l'avoir tout nu, ok, on a compris. C'est très bien que moi... J'aime beaucoup les pieds. Oui, je sais que tu es fétichiste. Non, je suis pas fétichiste. Je suis pas fétichiste. Oui, mais justement, en gros, j'aime bien les beaux pieds. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si imaginons par la suite, tu vas devenir ma femme ou je sais pas, ah, faut bon que j'ai des beaux pieds. Si en gros, moi, je vais les voir. C'est pile sur ses comme directement de mes yeux. Je vais voir les tapis de Clio 4. Si c'est des gnocchis, c'est pas un souci.
Oh là là. Voilà, voilà, tout simplement. Non, en tout cas, tu m'as bien fait. C'est possible d'aller voir. T'as bien détendu la commande. Quoi? Mais. J'ai envie de chialer. Il veut voir ses pieds. Mais qui fait ça dans un premier date? Il veut voir ses pieds. Oh non. Alors, moi, pour le coup, je suis tout l'inverse. Hein. Les pieds, moi, je trouve ça dégueulasse. Peu importe chez qui. Hein. Mais. Non. Je vais pouvoir lui vendre mes pieds. Oh coco, faut que je te montre un truc après. Alors si tu me dis je vais me montrer tes pieds, je te banne. Je vais me montrer mes pieds, je te banne. Tu veux te marier avec moi, il faut que tu aies de beaux pieds. Je peux les voir, MDR. Non, non, je suis pas fétichiste. Pas... Non, pas trop. Je peux les voir sans déconner. Non mais, hey, il les accumule. Hein. Il veut ce keyboard la main. Ah ouais, non mais... Chaud, hein. Je peux les voir, c'est possible ou pas? On verra ça plus tard. Ouais, peut-être, ouais. Wow, c'est il quoi est drôle, ce pingouin là? Il est vivant, il a ce petit côté foufou que j'aime bien. Mais moi je suis là pour avoir une conversation sérieuse. Ah ouais, elle va lui mettre une tête. Hein. Non, excité. Je suis excité de te voir. Non, pas mes pieds, mais c'est un rapport avec ça. Ah, ça j'ai peur. Bizarre. Surtout que. Si tu veux te marier avec moi, il faut que tu arrives à te lécher les coudes. On doit faire 680 km pour se voir. Il faut monter jusqu'à Paris pour se voir, tu vois. Après, moi j'ai mes raisons. C'était quoi tes raisons, du coup? Bah, il y en a beaucoup. Bah déjà, mon ancienne relation, je t'avais dit que j'avais plus confiance aux hommes. On en a déjà parlé et j'avais du mal à venir te voir parce que tu me plaisais, en fait. Voilà pourquoi. Et j'avais peur. D'accord. Oh. Bon, mais maintenant, voilà, c'est célibataire, du coup, maintenant. C'est bon, c'est fini avec ton ancienne relation. Bah, ça fait des années, oui, c'est fini. Eh bah, c'est bon, mais c'est cool, alors. Eh bah, c'est cool. Mais est-ce que tu sauras me rassurer, toi, alors, d'aujourd'hui? En tout cas, je ferai tout pour. Tout pour ouais. Te montrer que je suis pas comme les autres. Je suis ah, ça, c'est sûr. Je suis un mec droit qui sait ce qu'il veut, tu vois. Oui, il veut des pieds. Que, voilà, moi, j'ai assez profité dans ma vie, tu vois. Et là, je suis arrivé à un stade où, justement, je veux du sérieux, je veux me poser. Et pourquoi pas voilà, fonder une famille et pourquoi pas, ce serait pas toi, tu vois. Ouais, il passe un entretien d'embauche, le gars. Ce que je crois pas, c'est que... Entre les actes et les paroles, il y a un gouffre. Me rassurer, il sait faire pendant des mois et des mois. Il l'a fait. Mais il a un peu trop fait jusqu'à m'inventer un mensonge. Donc j'ai peur qu'il soit pas sincère. Ah, elle est chelou quand même. Voilà, écoute. Elle est chelou la meuf. Hein. Ça me fait plaisir ce que tu dis, mais en fait, je. Eh bien, elle a pas dit au jour d'aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. Il y a quelques mois. Tu veux te méfier avec moi, il faut que tu arrives à. Ah oui, non, donc j'ai déjà vu. Donc j'ai entendu une discussion. Oh là, là il a peur. Oh putain, pourquoi elle me dit ça maintenant? Je t'ai pas dit, mais il y a quelques mois. Dans son PC, il doit avoir des pailles lugubres, genre un dossier de 300 gigas de pieds, ouais, ouais. Donc j'ai entendu une discussion. Oh putain, pourquoi elle me dit ça maintenant? Si elle me dit ça, c'est qu'en gros, elle a appris des choses sur moi. Ça me fait peur. Je sais pas quoi dire. Je suis mal. C'est étendu. Et dans ma tête, je me dis, c'est mort de chez moi. Mais qu'a bien pu dire Melvin lors de cette mystérieuse discussion téléphonique pour sembler aussi inquiet? Qu'est-ce qui a pu révulser Imen à ce point? Une chose est sûre, si Melvin ne trouve pas les bons mots pour se justifier, leur belle relation risque de ne jamais s'en remettre. Belle relation, ouais, super. Oh putain, ils m'ont saoulé. Nathan, de son côté, se prépare pour son rendez-vous. Oh là là, voilà, ça c'est pour la... Depuis 3 ans, ils discutent en ligne. La ménagère de 25 ans, ouais, super. Une splendide Australienne de 19 ans. Là aussi, hein, à quoi ça sert? Le jeune homme a craqué pour elle. Tu peux pas mettre un t-shirt pour faire des pompes, non? C'est trop demandé. Il s'est jusqu'à présent contenté de son amitié. Ce soir, lors de leur première rencontre... C'est bien les t-shirts aussi, non? Je sais pas. ...de lui révéler ce qu'il ressent. On espère que ce sera réciproque. Oh le look, oh putain le look. Mais avant cela... Découvrons Laetitia. Oh non, faut arrêter avec le look là. Ah oh, putain, Laetitia. Mais. Eh, hey, mais c'est l'épisode faute de goût ou quoi là? Sans déconner! C'est l'épisode faute de goût, ils sont tous dégueulasses! Il a changé Mordane. Elle a entendu qu'il a dit qu'il voulait la Ken Easy et qu'il voulait lui susauter le gros orteil. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Ça, c'est l'épisode faute de goût, que des chums là, des gens chums. La voici qui finit de se préparer avant son rendez-vous amoureux. Dans la vie, les hommes l'ont souvent rejetée à cause de ses looks extravagants et de son côté loufoque. Heureusement, elle a enfin l'impression d'avoir trouvé un garçon qui l'accepte. Oh mon dieu, que c'est gênant. Oh le TikTok, très gênant. Ça fait 3 mois qu'on parle sur les réseaux sociaux. Et il a commencé à commenter quelques vidéos que je mettais. On a commencé à discuter comme ça. Bonjour TikTok. Après, on s'est appelé. Et quand on s'est appelé, on a rigolé.
et son rire, il m'a fait craquer. Un gros coup de cœur. Moi, à la base, je cherchais personne dans ma vie. Hein. J'étais bien toute seule, ma petite vie tranquille. Et il est arrivé. J'ai rien compris d'ailleurs. C'est voilà, une étoile tombée du ciel. C'est tout lui qui me plaît. Physiquement, il est très grand. J'adore son grain de beauté qu'il a sur le bout du nez. J'adore son sourire aussi. Il adore rigoler, il est foufou dans sa tête. Autant qu'il peut être sérieux. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Il adore jouer avec les mots. Il m'apporte de la joie. Alors, je pense à lui du matin au soir. Mon cœur, il s'emballe dès qu'il m'appelle. Il est dans ma tête du matin au soir. En vrai, la joie de vivre, c'est trop bien. Non, non, ça, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. J'ai l'impression de me retrouver adolescente. Mon premier coup de foudre, bah, a été quand j'avais 17 ans. Allez hop, un coco. Et le deuxième, c'est aujourd'hui, à 40 ans. C'est juste magnifique, quoi. Magique. Mais un truc comme ça ne m'est jamais arrivé. Par rapport à ma dernière relation, j'ai vécu une histoire d'amour très compliquée avec un homme. On est restés 5 ans ensemble. Il était plus âgé que moi. Trop vieux jeu. Il aimait pas mon look. Il a commencé à me faire des reproches sur mon physique, sur mon look. Je pouvais pas mettre de vêtements avec des personnages de dessins animés dessus. C'est simple, un jour il m'a dit: tu fais les cheveux roses, je te quitte. Bah ok. Du coup on s'est séparés, quoi. Ah bah oui. Bah tu m'étonnes. Changer de personnalité, changer mon look. Pour un homme, il en est hors de question. J'ai 40 ans et je m'affirme, je veux dire, si lui, bah, c'est bien, faut s'assumer. Bah, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non, mais c'est j'assume bien. Qui je suis, j'assume ce que je suis. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Avec Kim, il a l'air complètement différent, mais il y a un petit truc qui me fait peur. On a quand même 12 ans d'écart. Et je me dis forcément, il a une vision différente sur certainement. Respect avec mon mec, on s'est rencontrés sur Twitchings. J'ai peur que, au final, réellement, mon look. Déjà, quand tu rencontres une nana sur un réseau social, c'est pas ouf ouf, mais sur Tuk, TikTok, c'est la honte vraiment. Bah oui, nous, on s'est rencontrés sur Twitchings à l'époque. Clairement. On s'est clairement rencontrés en ligne, quoi. Voilà. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bah écoute, c'est des choses qui arrivent, hein, mais c'est des choses. Nous, c'était pas prémédité, hein, surtout. C'est ça le pire. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'était pas prémédité. Hein. Là aussi, c'est pas prémédité. Hein. Après, bon, on a des a priori sur TikTok, hein, a priori que je comprends. Je partage pas forcément, mais je comprends. Tu me plais pas ? J'ai tellement peur que mon côté faux fol. Moi, j'y arrive pas. Bah après, toi, t'as pas de soucis à te faire. Hein. Maintenant, toi, t'es maqué, hein, je crois. Hein. Si ma mémoire est bonne, t'es maqué. Hein. Je crois que tu l'as dit plus tôt ce matin. J'ai la mémoire qui flanche. Hein. Bon. Oula, le plan fait peur par contre là. Le visage, là, la mise pause, elle fait peur. Hein. Ça fait flipper. Hein. Moi je croise ça à minuit, j'ai peur. Hein. Dans la rue. Surtout que maintenant en plus il fait noir partout. Il n'y a plus les éclairages publics. Oui, bah après moi je peux comprendre aussi Slash. Hein. T'as besoin de concret, de réel, il faut que ça parle devant toi. Et c'est tout à fait louable, hein, parce que moi j'en connais beaucoup, hein, des gens qui. Ils sont les rois de Tinder, mais qu'en face de la personne, ils décrochent pas un mot, tu vois. Et ça, je trouve ça débile. Hein. Mais, Ah, ta personne. Ok, bon, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, ok. Mais, ouais, moi aussi, j'avais besoin de réel et de concret. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment réussi à être un bon séducteur sur TikTok ou... TikTok. Sur Tinder ou ces trucs comme ça. Mais avec Pops, hein, c'était pas calculé. Hein. On a accroché, on a bien sympathisé, et puis finalement, bah... On s'est rendu compte qu'on se plaisait bien, quoi. À force de discuter. Mais en vrai, tu vois, rencontrer quelqu'un sur les réseaux ou de réel, il n'y a pas grande différence en fait. Parce que regarde, toi demain, Slash, tu vas rencontrer quelqu'un dans un bar ou que sais-je. Bon, certes, vous allez discuter de vive voix, vous allez vous voir, tu vois, dans un premier temps. Mais après, c'est quoi la suite de la relation ? Bah, c'est beaucoup de messages. C'est beaucoup de messages, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup d'appels vocaux, c'est beaucoup de choses comme ça, tu vois. Donc nous, bah, il nous manquait juste le moment de se voir, mais... C'est une relation qui a commencé normalement, j'ai envie de dire, hein, au final. J'ai déjà eu des copines via Facebook, j'avais honte de dire que je l'avais rencontré sur Facebook. Je vois pas la honte. De nos jours, c'est plus trop une honte en vrai. Hein. Y a plus trop de honte de se dire qu'on s'est rencontré sur les réseaux. Hein. Tout ça grâce à un karaoké, c'est beau. Hein. C'était beau, lol. Ouais, j'ai encore la vidéo. Hein. J'ai la vidéo de notre première rencontre, entre guillemets. Hein. Moi, je peux dire, tu vois, pour le coup, là, j'ai la vidéo de notre première rencontre. Hein. Réellement. Hein. Je la montrerai pas parce que on l'a déjà assez vu. Hein. La seule personne avec qui ça a matché, bien sûr, sur une appli de rencontre, c'était une amie. Ah,
Ouais. Dur. Mais en vrai, bon, bah voilà, hein, tu sais, y a pas de honte, hein, vraiment. Parce que peu importe la rencontre, c'est ce que vous êtes en couple qui est important, tu vois. Ce que vous partagez. Et s'il faut, peut-être que tu passes à côté de belles histoires aussi, slash, hein, en te fermant comme ça, hein, des réseaux. C'est un peu triste, hein. Par contre, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des mecs ou des nanas qui ne savent draguer que sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils sont bons que sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais l'exemple d'un de mes amis, hein, proche, qui était le roi de Tinder. Hein. Je veux dire, je ne l'ai jamais vu draguer quelqu'un IRL. Hein. Jamais je l'ai vu draguer quelqu'un IRL. Par contre, il avait tout le temps des copines. Mais des copines, ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce que, voilà, le gars était chiant au possible, mais sur Tinder, c'était le roi, tu vois. Bon, comme quoi, hein. Après, tu connais, hein, copain-copine, quand on peut, on se pine. Ouais, moi, j'ai pas ça. Moi, c'est copain-copine, touche-moi la bobine. La bobine. Et rencontre sur le net, maintenant, c'est la norme, en vrai. Mais ouais, c'est la norme, parce qu'en plus, d'autant plus avec les histoires de confinement, tout ça, les gens passent de plus en plus de temps sur Internet. Hein. C'est un fait, hein. Donc, je vous vois heureux et tout, je suis content pour vous, mais c'est trop facile, là. Il n'y a pas de trac dans les caves. What? Il n'y a pas de trac dans les caves. Je suis vieux jeu alors, j'ai 30... Non, mais c'est pas... Moi, après, je partage ton sentiment, slash. Moi, ça n'a jamais été un... Tu sais, alors, si je peux parler de mon histoire avec Pops, c'était pas une fin en soi. Hein. Moi, quand je suis allé sur Twitchings, c'était pour du divertissement sur ma chaîne Twitch, tu vois. Clairement, c'était pour apporter... J'étais streamer, hein. Je le faisais dans le cadre du stream, tu vois. Donc, jamais je me suis dit, je vais arriver à pécho quelqu'un sur Twitching. Ça n'a jamais été ça dans ma tête, hein, clairement pas. Et puis, bon, bah, nous, on s'est rencontrés comme ça. Hein. On a commencé à jouer, entre guillemets, sur Twitching. Après, Pop s'est arrivé sur mes streams. Donc, on a sympathisé, comme je pourrais sympathiser avec vous, n'importe qui du chat. Hein. Mais juste, bah voilà, après, au final, bah, il y a eu des trucs. Hein, qui, à force de parler, à force de voir que, bah, on se correspondait bien, tu vois, bah, finalement, on était célibataires tous les deux. Et pourquoi pas? Et on a tenté le coup, et aujourd'hui, bah, tant mieux, heureusement qu'on l'a tenté, j'ai envie de te dire. Voilà. En fait, c'est... Il y a un truc, je sais pas, c'est... Les gens qui sont sur les réseaux sociaux que pour draguer, pour moi, je trouve ça malsain. Mais les gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour le côté social, et le truc normal, tu vois, de l'application, et que au final, ils arrivent par hasard à faire une belle rencontre, bah, c'est comme si tu croises quelqu'un dans la rue et que t'as un coup de foudre, tu vois, c'est la même chose, hein, pour moi. Je vois le truc, comme ça. J'aime beaucoup dire des dingueries, c'est juste ça. T'inquiète, je vais bien. Ouais, non, mais bon, après, je peux comprendre le côté vieux jeu, entre guillemets, où t'as besoin de réel et de concret. Hein, moi aussi. Hein. Je veux dire, comme j'ai dit, t'es pas le roi des réseaux sociaux, des applis de rencontre. Hein. Moi, j'ai toujours dragué et pécho en IRL, tu vois. J'ai toujours dragué en IRL. Hein. Ça n'a jamais été plus. Hein. Jamais, enfin, hormis avec Pops, hein, j'ai jamais eu de besoin d'un réseau social pour faire des rencontres. Hein. J'y arrivais tout seul. Hein. C'était... Voilà. Bon, bref. Allez, on continue. J'ai peur que physiquement, au final, réellement, parce qu'il me verra en vrai, ne lui convienne pas, en fait. Quelques secondes de le rencontrer, là, je me sens comme une gamine. Je suis pressée. Je me pose plein de questions. Est-ce que juste quand il va s'approcher de moi, mon odeur corporelle va lui plaire? Est-ce que mon physique... Bah, si tu t'es pas lavé, non. Lui plaire? Est-ce que je suis pas trop petite? Putain, on va enfin voir un mec qui a de la classe. Attendez. Non, ah, il a mis des baskets! Ça va être intense. Et... J'ai rien dit. Je croyais qu'il avait la classe, lui, mais non. C'est raté. Ce qui me décevrait le plus, bah déjà qu'il me prenne pas dans ses bras. J'ai envie d'être dans ses bras, en fait. De ouf. Alors je sais que Hakim, ça peut être la bonne rencontre. J'ai eu le coup de foudre et j'ai vraiment envie d'y croire. J'attends mon conte de fées à moi. Voilà. Ah, il y a un resub de Klein, mais je le vois pas dans les activités encore. C'est trop bizarre. La barre vient de s'actualiser, on a eu un message dans le chat, mais et ça c'est pas encore partagé. Mon chien a bouffé ma baguette, je vais l'enculer. Ah, c'est dégueulasse. Il a pris dans ses bras, c'est bon, il va la baiser, ouais. Quand il me prend dans ses bras, je sens mon cœur, il s'emballe. Il s'emballe de ouf. Klein,
Klein. T'arrives maintenant, mais t'as loupé une dinguerie sur l'épisode d'avant. T'as loupé une putain de dinguerie. T'as loupé les meilleurs mèmes que tu pouvais avoir. T'as loupé les meilleures blagues que tu pouvais faire. Et Klein aussi, je vais l'enculer. J'ai envie. Ah, y a match. Et quand il y a pelouse, il y a match. Hein. C'est bon. Parce que j'ai envie aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien te dire merci pour le resum, mais ça s'est pas affiché dans mon fil d'actualité. Si c'était l'Australienne, je connais. Pas du tout. C'était un monsieur, madame. Un monsieur, madame. Voilà. C'est juste qu'il y avait des vannes à faire et on n'avait pas notre claim national. Hop, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave, heureusement. Comment ça va, Klein ? Tu te lèves ? Non, c'est Roberto. Roberto, ouais. Roberto, Roberta. Ah, l'épisode d'avant, il était très gênant. Et là, on est parti pour la même sauce. Hein. C'est maintenant le bureau. Ah. C'est magique, en fait. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Quel moment ? C'était long. C'était long. Un peu trop. Un peu trop. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, d'accord. Je me lève, mais j'ai à peine dormi là, Mder. Ah bon ? Super excité. C'est très très fort. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Je suis très heureux qu'on se retrouve enfin. Ils se sont pécho direct, hein. Ça fait chaud au cœur. Encore. Allez, c'est parti. Quelle grande conversation, c'est profond, hein. Oh, c'est bon, ah ouais, tu m'étonnes. Ah, ce que tu vas apprendre, toi. Ah, il va te refaire la couleur, hein. J'ai le cœur qui bat la chamade. Ah, ça fait boum boum. Ça fait boum boum. Boum 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 boum. Je pense à plus rien, tu oublies tout. Je ne sais même plus où je suis, je sais même plus ce qui se passe. Il semble ça, c'est vrai. Hakim, le fils de du forgeron, il s'est pécho. Ah, il chaud patate. T'es vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle en vrai. 52 ans, ils ont 12 ans d'écart. Hein. Elle est pétillante, en fait, quelle est cette couleur rouge ? Je suis tombé red dingue, quoi. Ils ont 12 ans d'écart. Du téléphone, la tablette. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Des applications, des réseaux. Des photos, de tout ce que tu peux voir. Oui. Par contre, 52 ans, t'as toujours pas la classe, mec. Et... Là, je suis en train de vivre, en fait, un deuxième coup de foudre. Je t'ai ramené un follow hier, je suis content. Oui, il y a Uberlo qui a follow, j'ai vu. On discute. Merci. On a tellement de choses à se raconter. On verra si ça fait boum boum dans 3 mois quand il sera maquillé sur TikTok, ouais, de ouf. Que ce moment soit arrivé, quoi. Oh. On y est. Eh ben, ils ont beaucoup de conversations, hein. Ça n'a rien à voir avec le visio. Non, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Waouh. Comme quoi, l'âge, hein, ça te permet pas d'être, hein, d'avoir la conversation. Hein. Bah, au téléphone, en visio, on arrive à se parler, c'est fluide. Fluide. Et là, il y a que des blancs. Mais c'est pas possible. C'est gênant. Faut le sponsoriser par la Turquie. Bah, passionnant. Teste ouais, les blancs une mouche comme passe. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez baiser, ça vous fera du bien. Parce que je me sens désemparée et il n'y a aucun son qui sort. Mais un truc comme ça ne m'est jamais arrivé. Ça concorde pas du tout avec moi en plus. Enfin, je ne me reconnais pas. Il se pisse dessus. Il se pisse dessus. Putain, ça sent l'urine. Hein. Là, les canapés, faut les changer, ça sent l'urine. Hein. Les fauteuils. Il se pisse dessus. Mais il n'y a pas de blanc d'habitude. Ah oui, d'habitude, hein. D'habitude, c'est pas comme d'habitude là. Ouais, va falloir changer les fauteuils, hein. Ça va sentir l'urine. Je comprends pas. Oui. Je veux voir tes pieds. Je veux voir tes pieds. T'as kiffé toute la journée, t'étais super excité à l'idée de le rencontrer. Comme les deux plats sur la table, c'est vide. Ah ouais, ouais. Et y'a plus rien. J'ai fait le boomerang là. Je suis monté, je suis redescendu. Ouais. Oh, il tremble! Oh la vache! Ah ouais! Là, je suis en face d'elle. Je sens qu'on est bloqué. Je sens qu'elle est très chargée d'émotions. C'est gênant, c'est hyper gênant là. Oh le malaise! Enclencher on ressent le malaise des années après. Ta matinée, ça a été?
T'es quel signe astrologique ? Scorpion. Ça va, il essaye de lancer la machine quand même. Hein. Bon, on baise, on parle après. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est là, il faut qu'il baise, en fait. La pâtisserie, tu le sais. Il y a quel gâteau en particulier ? Pas de gâteau particulier. C'est long. Wow, c'est gênant. Il a rien à dire, c'est aberrant. C'est aberrant. Et moi, j'ai bloqué. Je fais un blocage. Je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité de le regarder, de lui parler, de quoi que ce soit. Oh, mais ils sont chelous les deux. Wow. Eh, Miss Cheveux Roses, elle est. Oh. La semaine dernière, c'est plus salé ou sucré? Ah, il fait beau aujourd'hui. T'as pris un bon petit déj. Qu'est-ce que je m'étais servi dans un verre? Il a rien à dire qu'elle dit, ben non plus. Servir un verre d'eau. Je me suis servi un verre de lessive. Franchement, faut le faire. Waouh. Je me sens pas bien parce que j'ai pas d'échange. Je fais un monologue à un moment donné, c'est pas simple pour moi quoi. Il y a un sujet que tu aurais éventuellement évoqué, une chose dont tu voudrais parler en particulier. Mais elle est chelou cette meuf hein. Elle a eu ce qu'elle voulait et d'un coup elle est bloquée. J'aurais pas trouvé de sujet pour pouvoir échanger avec elle. Oh là là. Ça y est, il a croisé les bras, c'est fini. Ferme la conversation. Ce que j'aime avec Len, c'est qu'il dose toujours ses mots avec parcimonie, tout à fait. Là. Oui. Ça devient même trop compliqué. Toujours dans la légèreté. En vérité, c'est plus facile à travers un téléphone. Hein. Non, c'est toi, ça juste, t'es bête. t'as le fossé au milieu et t'as le réel. Et ben moi, je me suis retrouvée dans le fossé. Non, ah ben, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Non, pas du tout. Y'a pas de fossé ? Et je sais pas faire semblant, donc... Quoi ? Elle est chelou, maman. Ouais. Ils commencent à sortir leur tel pour parler via l'écran imposé. Interposé, je meurs, ouais. Et bah vous ? Je suis désolée. Oh, le pauvre gars. Incapable de cacher son malaise, Laetitia a fui leur premier rendez-vous, le laissant dans l'incompréhension. Ouais, va fumer une clope, t'as raison. Alors, Hakim va-t-il lui courir après ? Va-t-il réussir à lui faire retrouver la magie de leurs échanges virtuels ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette rencontre de merde là ? Mais un t-shirt, sale con ! Nathan se prépare pour... Mais c'est bon, on l'a vu faire des pompes là ! Le mec tout sketch là, ah, ça va ! Il ressent le besoin de se défouler à quelques minutes de la rencontre. C'est parce qu'aujourd'hui, il veut révéler à Imogen un secret qui pourrait bien changer leur histoire virtuelle. Le bureau. Mais arrête de spoil avec ton histoire de bureau là. Imogen, on a commencé à parler sur les réseaux sociaux. Elle est australienne et on a tout de suite accroché. Ils sont tiltés là, c'est bon là. Ça fait 3 ans que je la connais. 999 voilà, la belle jolie australienne à l'autre bout du monde. Et ça me faisait rêver d'être avec elle. Ah putain, un peu de classe s'il vous plaît là. Il met encore un vieux sweat. J'étais énormément attiré par elle. J'avais un crush sur elle. Ah, ce côté, j'avais eu l'ambiguïté dans le sens où elle aime. Putain, mais tu vas où? Tu vas faire du skate ou tu vas en date coup, là? Je me suis dit, tant pis, faut faire avec. Hein. C'était une femme avant. Moi, Jeanne, c'est une personne incroyable, super belle, super mignonne, qui a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un à qui on peut parler de tout et de n'importe quoi. Qui, le mec, qui il me drague en kawé, je me barre. Non, mais là, sans déconner. C'est quelque chose de fort, c'est pas n'importe qui. Et c'est vraiment quelqu'un d'important, quoi. Ça arrive qu'on joue un peu. Je lui envoie souvent des mimes, des blagues. Voilà, c'est vrai que je suis toujours un peu flirty, comme elle dit. Ah oui, donc c'est vraiment une Australienne, d'accord. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est tu serais pas un mélange de cuivre et de tellure. Parce que t'es extra cute. Un mélange de quoi? Attends, mais sa disquette, elle est pourrie. Comme elle dit... Alors, y en a une que j'aime beaucoup en ce moment, c'est tu serais pas un mélange de cuivre et de tellure, parce que t'es extra cute. Il critique tout ce pan costard cravate. Si un jour je viens, je dois me saper comment? Mais si tu viens, tu vas pas venir en date chez moi. Mais c'est un date, il faut bien s'habiller, putain. Un date, nom de Dieu. Voilà, tu sors tes plus beaux habits.
Rien à voir, on va pas se dater, nous. Mes potes dans le Nord, ils mettent pas de kawé. Hein. Nous, dans le Nord, on n'a pas le choix. Ah bah oui. Ben. Il dit ça alors qu'on s'est rencontré, il était fringué en pull et jean. Pas du tout. Et pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. J'étais pas en pull et jean. J'avais une veste en jean, un t-shirt blanc. J'étais beau gosse. Mais nous, c'était pas pareil, nous, Pops. De toute façon, c'était déjà fait. On était déjà en couple sans lettre. Hein. Il suffisait juste qu'il manque la rencontre, tu vois. Exposette, pas du tout. Rien à voir, rien à voir. J'étais beau quand même. J'étais pas en tenue de merde ou en jogging. Hein. Il a les yeux verts, ouais, il a les yeux verts. Ouais. Ouais. Ah, rien à voir, nous. Nous, beauté, c'était déjà... Ouais, c'était déjà acquis, nous. Nous, on savait qu'on allait baiser, hein. On le savait. J'avais pas besoin de sortir mes plus beaux vêtements. Hein. J'étais bien sapé, quand même. J'étais beau gosse, arrête. Moi, jamais de jogging en public, la honte. Bah, pareil. Enfin, quoique, non, pas pareil. Je suis déjà sorti en jogging, hein, mais c'est juste pour aller faire les courses, tu vois. Un vert et un bleu. Non, je crois pas. Parce que cuivre sur le tableau périodique c'est CU et Taylor c'est TE. Et du coup cute. Il est content. J'en mets en Corrèze des joggings. Ouais mais en Corrèze. Bête, t'as dit Corrèze. Même pour faire les courses jamais. Ah ouais. Ouais c'est parce que t'es encore jeune. Tu vas voir qu'au bout d'un moment t'en bats les couilles. Hein. Que financièrement parlant, pour moi, pour elle, c'était compliqué. Mais vu qu'elle est maintenant en Suède, que moi je suis en France, ça change beaucoup de choses. C'est une Australienne qui est en Suède et veut la pécho. Oh, ça part mal cette histoire. Si ça part tellement mal cette histoire. Ils ont 18 ans. En fait, ça s'est jamais arrêté depuis 3 ans. Wow, ça pue du cul. J'ai décidé de lui dire que j'ai toujours eu des sentiments pour elle. Moi, j'aimerais passer d'une belle amitié à une belle histoire d'amour. J'ai peur de moi de réagir à ça. Wow, c'est chaud. C'est chaud son histoire. Ça pue du cul de fou. Un intellectuel, ouais. Par contre, jamais en champagne, j'ai pas mis un seul jogging. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On a toujours été assis pendant les vacances, ouais. Arrête de raconter ta vie, Kane. Ok, si quoi. Je sens que mes mains commencent un peu à transpirer. Je stresse de plus en plus. Je me recoiffe. Par contre, j'avoue, Mordan, il aurait pu nous dire qu'il passait à cette émission quand même. Que ma veste soit bien mise. Mordan, il aurait pu le dire qu'il passait à l'émission. Oula. Après 3 ans, l'avoir. J'ai envie de voyager en Australie, moi. C'est quelque chose, j'ai encore du mal à réaliser, mais voilà, ça va se faire là maintenant et c'est exceptionnel. Dis-lui qu'elle est cute. T'as raison. J'ai peur de gâcher une amitié pour essayer de d'être en couple avec elle. Randonnage. Si ça se passe mal, je serai déçu. Je serai déçu. Maintenant, j'ai juste hâte de la rencontrer enfin, de la voir enfin et de la découvrir. J'ai déjà compté 2 fois jusqu'à l'infini. Tall. Yeah, you're tall. Very tall too. You told me that you were tall, but I wasn't expecting. Yeah, I'm taller than you. Oh là là, c'est quoi cette bonne sœur là? Not by that much. You look fantastic. Now my heart is beating so fast. Like really. It is. Bonjour la bonne sœur. Elle baisse pas avant le mariage. Hein. Silent in the cold. I'm so glad to see you. Non, mais elle est plus court la jupe, non? Tu peux pas mettre plus court? Wow. Elle est magnifique, elle est super bien habillée, elle a de très beaux yeux. Bon, j'ai envie d'aller en Australie, c'est bon. Vraiment pas déçu, je suis vraiment content et je la trouve très belle. Est-ce que tu baises? Mon côté, tu y a le coup de foudre. Oh la déception. Non, ça c'est. Moi c'est. Alors ça, là je suis. C'est vrai, jusque-là je suis très critique avec les nanas qu'il y a et tout ça machin, mais ça c'est ma cam, 100%. Ça c'était ma cam, clairement. Si j'avais un type de fille, hein. Ça, c'était ma cam. Ah oui. Là, moi, tu me mettais ça, j'étais comme un fou. Ça, c'était clairement ma cam. Hein. Blonde aux yeux bleus. Ah oui. Et du coup, j'ai une asiatique. Comme quoi, rien à voir.
Ça, c'est sale et sans lubrif. Oh, Seti. Oh, Seti. ouais. Ouais, c'est bien coincé à dos, je pense, surtout. Je pense que c'est bien coincé à dos. En vrai, tu dois pas beaucoup t'éclater. En vrai, je suis persuadé que tu dois pas beaucoup t'éclater. Toujours se méfier de l'eau qui dort, mais tu dois pas beaucoup t'éclater, en vrai. Pas sûr qu'elle ride comme une espèce d'actrice porno, tu vois. Non, je pense pas. C'est la bonne, et voilà, quoi. Ouais, la bonne, ouais. J'ai envie de séduire forcément à 100%, quoi. Ouais, boulot plus CDI plus de, stage d'intérim. De moi. What do you think of me? What do I think of you? Yeah, like, are you impressed? Are you disappointed? Or... I'm so disappointed. I know. I... Yeah, no, I actually hate you. Oh, yeah. Je suis gentil, moi. I'm very nice. That's debatable. No, I'm very, very happy to meet you. You look super warm. Yeah, I'm very hot. But it's alright, it's alright. It's, yeah. It's fine. It's definitely not you. No, but you look great. Like, yeah, I wasn't expecting you to be that good looking. I'm. Bizarre, en anglais ça passe mieux parce que ils disent des niaiseries, hein, mais bizarrement en anglais ça passe mieux. Je sais pas. Hein, jusque-là on a vu hein, les relations qui faisaient. Les rencontres qui faisaient. T'es belle, t'es beau, t'es belle, t'es beau, est-ce que tu baises, machin. Mais en anglais ça passe mieux d'un coup, je sais pas pourquoi. Allez, pompe ton âme, elle a 100%. Elle te pompe ton âme, elle 100%. Ouais, c'est possible. Je suis pas d'accord, je pense que franchement elle est trop sage, ça cache des vices que tu n'imagines même pas. Peut-être, peut-être. Et son esclave au bed. Ah, je sais pas. Moi je dirais pas non. Hein. En vrai, si j'étais célibataire, je dirais pas non. Hein. Oh putain! Elle te fouette. Oh, arrête. My heart is beating very fast. I'm not gonna lie. This is great. Why? Hmm? Why? I don't know. The everything. C'est sûr que je stresse un peu, j'ai les mains moites. Je sais pas trop de quoi on va parler, je sais God pas. Ceinture, aller, abuse pas. voilà, j'ai peur de lui dire que j'ai des sentiments pour elle, mais comment elle va réagir à ça? Oh, on se regarde et. Faut trouver quelque chose à se dire maintenant. T'as des yeux magnifiques. What? And your smile is contagious. Say something in French. Entre toi? You took 9 years of French, and that's the only thing you can say. I'm fluent, obviously. Mais on peut pas discuter en français, par exemple. Tu ne comprendras pas ce que je veux dire. Tu t'essaies même pas. 9 ans de français, elle sait pas dire un mot. Comment bah, c'est chaud. I... Something... No, I have no idea what you said. Ça va? Bien. Comment tu t'appelles? Oui. Great. So I'm gonna call you Wina. Non, garde ton cercle. Oh là là. Ah, oh, c'est-il est dans tous ses états aussi. That's great. Et yeah. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Ans. Same difference. Pain, baguette. J'ai du mal à lire un peu ce qu'elle veut, si, ce qu'elle pense de moi, comment elle me trouve. À un moment, le feeling passe bien et quelques secondes après, je la sens un peu froide, je la sens un peu timide. Je sais pas trop où ça va aller, mais voilà, je vais essayer de passer à la vitesse supérieure un peu avec 2-3 blagues. What would you think about like a French class? Like, okay. Learning some French. Okay. Okay, okay. So what about something like that? J'aimerais te pécho. What about that? Il est bon le jeune. Il est bon le petit. Il est très bon. Hein. C'est juste une anglaise de base. Hein. Ouais, un petit peu on dirait. Les australiennes, c'est ça. Hein. C'est des anglaises de base hein, aussi. On va s'attendre à grand chose. L'objectif, c'était qu'elle répète après moi. Je suis amoureux, mais elle est trop vieille. 19. Oh, Klein. C'est pas. Ouais. Signal Gouv, hein. Pinaise, toi aussi tu veux me pécho, et puis voilà, que là on part sur quelque chose. Il est bon le jeune, il est bon, il est bon. De supérieur, mais bon, voilà. Voilà, bon, je laisse tomber, on passe sur autre chose. Pas grave, hein. Peut-être au niveau des blagues parfois, c'est pas trop ça. Mais voilà, on se connaît, elle sait que c'est comme ça que je suis. Tu ne serais pas mon devoir de maths pour que je te termine ce soir sur mon bureau. That's horrible. Yeah, oui, horrible. Oui. Périodique, tu voudrais pas être le mien, que je te plaque au mur. Arrête, stop. I don't know. Maybe it sounds nicer in French, but it sounds awful in English.
Mais oui, mais non, même en français. Stop. Faut arrêter là. Any of the the joke, but it still sounds so horrifically bad. Yeah. Elle comprend que c'est un peu caliente, mais je suis pas sûr qu'elle comprenne tout. Honnêtement, en arrivant, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je vais essayer au maximum de la séduire, mais elle comprend pas que j'étais énormément attiré par elle et j'ai toujours eu un crush sur elle. C'est même pas juste un crush, plus que ça. Et là, je me dis, ouais, vas-y, tente le tout pour le tout, ouais, doser, elle va repartir après. Tu lui dis que t'as un crush sur elle et tu vois comment ça se passe. Et voilà, hein, qui ne tente rien à rien. I've known you longer than Maya. Really? Yeah, do you know and that? She's your best friend. Yeah, she's my best friend. Ah, ok. Yeah. C'est bon, t'es sa meilleure amie. More than your best friend, then. You're my bestie for life. Oh yeah, that's it. Okay. Oh là là. C'est sa meilleure amie. C'est chaud. Il a soufflé dans ma trompette avec un plus mineur. J'ai un petit crush sur toi. Oh là là, c'est terrible ce que t'as dit, cette idée. J'ai un crush sur toi. And I know why. What? No. What? Là, je me dis, mince, elle est choquée. Est-ce que j'ai bien fait de lui dire que j'avais un crush, que j'avais des sentiments pour elle? J'ai hâte d'entendre le bot là. Le druida. Le druida. Le druida. Merci, merci le druide A du follow. Bienvenue. I'll give you the key and you'll have to decide if you want to go with me or not. Oh là là. Caribou 45. Merci Caribou, bienvenue. A rejoint les conos. Mais merde, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu en panique en mode. Je dis quoi maintenant? Là, je me dis. Ok, je lui donne la clé, je sors. Salut Dorian, je viens de rejoindre la squad. Bienvenue, comment vas-tu? Ça guide le taxi. Ok. Merci, you later. Oh, are you leaving now? Yeah. Oh, that's sad. Là, elle est complètement paumée là, l'Australienne. Bienvenue, Chola. Bienvenue, les bombes, ça attire Coco, ouais. Faut le savoir. Voilà. Bienvenue dans la chômagerie. J'ai envie de lui donner le temps de réfléchir. C'est pareil comme un voleur. I'm very shocked. Very, very shocked. I thought we were just friends. I knew he thought that I was pretty, but I didn't know that he had like a proper crush on me, and that's why I was so shocked to hear that. I don't know what to do with this key. Nathan and I are being friends for so long, so I don't know if I want to move our friendship into something more. Ouais, ok, bon, I'm c'est confused. Bon. Ouais, friendzone. Salut Dorian, bienvenue, comment vas-tu, Karim, aussi. Sûr de ses sentiments, Nathan a enfin osé lui dévoiler son amour avant de se réfugier dans sa chambre, où il espère poursuivre le week-end avec elle. C'est l'Australienne qui fait monter l'audimat. Ah bah oui, oui, tout à fait. La même chose pour lui, car sinon Nathan risque non seulement de t'embaser, mais aussi de perdre sa main. Ah bien, merci. Nickel. On le saura très vite, mais avant... Parce qu'on vient d'un fois, plus de 3 mois à chatter égale friendzone. Bah ouais, mais eux, ça fait 3 ans. On retrouve... Vous dites, c'est une anglaise de base, c'est de la merde. Cette ancienne parachutiste dans les commandos... Ah, voilà le bonhomme. ...qui a un parcours amoureux chaotique... Ne et le pingouin. Il y a 5 mois, elle a craqué grosse sur les deux en ligne et il lui a redonné l'envie d'aimer. Malheureusement, le jeune homme a un jour oublié de raccrocher. Bon, prédiction, tout de suite, vont-ils finir ensemble? Allez, est-ce que le pingouin va pécho? C'est parti, montre tes pieds. Allez, Clay, ne t'inquiétez pas là et les autres. Hein. De suite, hein, c'est leur première fois, hein. Ils viennent de se voir, c'est leur premier date. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu peux me montrer tes pieds s'il te plaît? Tu peux te montrer tes pieds. Il a clairement dit ça. Premier date, il a dit montre-moi tes pieds s'il te plaît. J'adore les pieds. Oh putain. Rocher son téléphone et Imen a surpris une discussion qui l'a dégoûté. S'étant jusqu'à présent gardée de lui dire ce qu'elle avait entendu, elle s'apprête à lui demander des explications. Heureusement, le jeune homme a un jour oublié de raccrocher son téléphone et Imen a surpris une discussion qui l'a dégoûté. S'étant jusqu'à présent gardée de lui dire ce qu'elle avait entendu, elle s'apprête à lui demander des explications. Ça fait très très longtemps que j'attends de voir ce qu'il va me dire par rapport à la discussion que j'ai entendue. Oui, bah allez, go. J'espère qu'il va avoir des bons arguments, pour rassurer, parce qu'il m'a déçu. En fait, je t'ai pas dit, mais il y a quelques mois,
tu n'as pas raccroché correctement ton portable. Donc j'ai entendu une discussion. Tu disais à ton ami te disait, alors la fille que tu ne vois pas, t'as dit oui, c'est Fantomas. Même si j'ai Fantomas, il y en a d'autres. J'en ai beaucoup d'autres. Ah tu ouais. C'était Fantomas ouais. Parce qu'on se voyait pas et qu'en gros, tu discutais avec. Chez ce mec, femmes. Je vois plusieurs red flags moi. Oh bah moi c'est un red flag que je vois en entier. Si tu parles avec d'autres femmes. L'obsétien en roue libre. Ouais. Que non. Donc là, à ce moment-là, je doute de ta sincérité. Je sais pas si t'es vraiment sincère. Il a compris l'esprit de la maison. Pourquoi t'as pas voulu être honnête avec moi pour dire que tu parlais avec d'autres femmes? Ben parce que. Oh, vous avez pas envie de jouer hein, aujourd'hui sur les prédictions. Je voulais pas que tu saches encore mon passé. J'ai peur de te perdre. Je voulais pas que tu saches que j'aime beaucoup plaire aux femmes. J'aime beaucoup séduire. I love this game. J'aime le jeu. J'aime provoquer. Ça, c'est vrai, tu vois. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Moi, je suis un mec. J'aime beaucoup m'amuser. Mais après. Puis, ouais. Et il a dit juste avant qu'il voulait se poser. Mais c'est y a rien du tout. C'est des amis. Et rien du tout. Moi, je sais très bien qu'avec toi, je sais très bien que c'est très bien, quoi. Que c'est toi que je veux, et pas une autre. Je vais pas perdre mes points avant les 100K. Mais t'en as combien, Céti? C'est amicalement. Sur ma mère, il y a rien avec elle. Je comprends qu'elle soit déçue. Mais après, oh, il me saoule. Si justement j'ai fait 680 km de Marseille à Paris pour la voir, sachant que la fille, c'est une fille de ma ville, c'est que vraiment, je suis attaché à elle et j'aime vraiment bien. Oui, t'as envie de baiser, ok, on a compris. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je sais ce que je veux. Tu sais que je veux me poser. Ne dis pas. Ah, d'accord. Donc là, lors d'aujourd'hui, tu. Ok, je le verrai, quoi. Je le verrai. Quand le stream s'est coupé, je le verrai. Je dis clairement que je suis prêt à me poser sérieusement. On couple avec toi. Je t'aurai droit dans les yeux. Hein. Je serai qu'avec toi. J'irai pas voir ailleurs. J'ai du mal à faire confiance en ce qu'il dit. S'il aurait été sincère dès le début, j'aurais passé outre ce que j'ai entendu. Mais là, je le savais pas. Il a la crevette qui frétille. C'est même plus la crevette. C'est la gambasse, là. Une relation. Il l'a pas fait. Enfin, il m'a menti. Ben, je me dis que s'il ment pour des choses comme ça dès le début, mais qu'est-ce que ça sera après? T'as eu un manque de sincérité quand même avec moi. Peut-être, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être, c'est vrai. Je suis désolé si malheureusement je l'ai mal pris. Mais. Ben, j'aurais préféré que tu me le dises, toi, au lieu que je la prenne par téléphone. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est le coup. En fait, pour moi, on n'est pas ensemble. Pour moi, on a un pré-couple. Un chemin, c'est trop belle. En gros, il y a des choses que tu n'as pas à savoir pour le moment. Pour une personne comme moi qui a plus confiance aux hommes, qui a été déçue dans le passé. Oh, il a fait tous les faux pas qu'il fallait. Tu comprends? Il a fait tous les faux pas là. C'est parce qu'en pré-couple que tu as le droit de parler à 10 personnes, à 10 femmes. Il a fait tous les faux pas là. Là, il a perdu. Alors, moi, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Moi, je pense que pour l'instant, on est dans une phase où, je te le dis clairement, je préfère te garder en ami. Je pense que ça sert à rien que. En plus, dans tous les cas, je pense qu'on est sur la friend zone là. Bah ouais, c'est évident. Même, genre au bout de 5 mois qu'on se parle, tout arrêter là maintenant pour une histoire de meuf, je comprends pas en fait. En tout cas, voilà, j'espère que tu comprends ce que je recherchais. Je recherchais juste un vrai monsieur. Ah bah oui, un garçon. Pas un pingouin. Non, je me dis pas, je suis un garçon. Ça y est, écoute, je suis un homme moi. Ça y est, j'ai 24 ans, je sais très bien ce que je veux et ouais, ce que je ne veux pas. Un pingouin. Elle a l'air un peu triste. Tu me comprends quand même. Déjà, meuf, le gars, c'est un giga red flag à toi. Bah, soigne-toi avant de vouloir. On est pas en couple. On est en soigne-toi avant de vouloir te caler, bah, de ouf. J'ai l'impression que t'es en train de te braquer. Ouais, ça arrête de me braquer, ouais. Le truc, c'est qu'on s'est jamais vu en vie. Oui, y a pas de problème. C'est ce que je te répète, je te répète. Pour que ça rentre à la cabeça. Non, mais t'inquiète pas, c'est bien rentré dans ma tête. Il se braque parce que je lui sors des vérités. Ouais, des points. GG. C'est foutu. Une chance, pas deux. Franchement, je suis déçu de. De cette rencontre. Pas cette rencontre, mais je suis déçu de ton comportement. Comme tu réagis, j'aime pas être comme ça, moi, je sais pas. Oh, les dramas, putain. C'est bon, tu vas me dire, c'est bon. C'est bon. Oh, les dramas queen. Au revoir, Melvin. Bon sourire. Franchement, ça me dégoûte, j'ai les boules. Pouah, quel gamin. Jusque-là, pour moi, c'est un ouais, oui. Jure, t'es un homme, toi. Déjà, tu te sapes comme un gamin et t'as l'attitude d'un gamin. J'aurais pas réagi comme elle a réagi. Si maintenant, genre, mais c'est trop retourner les choses, ouais, dans un gamin. Pardon, mais jamais d'avis, tout ça. Là, oui, elle aurait pu dire, ah ouais, mais le mec, la vérité, c'est un bâtard, le mec. Mais justement, j'ai pas fait ça. Justement, j'étais sincère. Mais bon, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ça l'a pas fait. Et peut-être que ça devait se passer comme ça. Malheureusement. Oh, mon Dieu. Ouais, bah rentre chez toi. Mais qu'est-ce qu'il est, cette type. Mais tu t'attendais à quoi de la part d'un pingouin? Il y a eu une difficulté, au lieu d'affronter la difficulté, non, le mec se casse, se barre direct, au lieu d'affronter les choses et d'essayer de me rassurer. Et donc, avoir du temps pour digérer déjà ce qui vient de se passer,
Et je pense des années pour refaire confiance à Anna. Ouais. Alors, Imen et Melvin se sont-ils revus depuis cette rencontre en oh bah forme non. de compte non, non, ils se sont pas revus, la non, suite de leur relation va vous étonner. Ah bon ah, me dites pas qu'ils ont fini ensemble, alors là... Laetitia et Hakim. Moi, je comprends plus rien. Laetitia et Hakim, ils sont tombés... Ah, est-ce qu'elle a retrouvé ses couilles? Enfin, c'est son courage. Malheureusement, leur premier rendez-vous a rapidement tourné au désastre. Ouais, prends un chat, ce sera mieux, ouais, j'avoue. Et encore, elle lui fera des crises de jalousie. Terriblement déçue de ne pas retrouver le charme de leurs échanges en ligne, Laetitia n'a pas réussi à contenir son dépit et elle a carrément... Du sel et une chèvre. Que va faire Hakim à présent? Sera-t-il sauvé lors 6 mois de relations virtuelles? C'est pas Laetitia que je connais, c'est pas Laetitia que je connais dans ses vocaux, c'est pas Laetitia que je connais dans ses vidéos. Et je me sens pas bien parce que bah justement, elle n'est pas bien. Ah, c'est un ni-moi. Je sens qu'elle a... Chérie, c'est un ni-moi. Il faut la laisser, mais c'est pas simple. Trop déçu. Chelou. J'ai craqué. Je m'attendais tellement pas à ça en fait. Enfin, je m'étais fait plein de films dans ma tête. Et au final, y a rien. Y a rien eu et j'ai pas pu. Elle est trop chelou, cette meuf. Elle est trop bah, chelou. Elle a dit, juste avant qu'il le rencontre là, juste avant qu'il le rencontre, elle a dit « Ouais, moi je rêve qu'il me prenne dans ses bras, je le veux de ouf, tu vois. » C'est ce qui s'est exactement passé. Et putain, elle chouine. Et elle chouine. Oh, elle est trop chelou, hein. Regardez cette tronche, là. Vraiment. Oh, yo, yo. Ils se sont pas galochés. Mais si, c'est ce qu'elle voulait, en plus, hein. C'est exactement ce qu'elle voulait, hein. Mais trop chelou, là. Ouais, non, en fait, y a pas de douche. Ah, ça y est. Ça y est, on a le partage. Je peux le refaire, visiblement. J'ai hack le système. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand tu t'abonnes, ça met... Quand tu te... réabonne ou je sais pas quoi, tu dois partager ton abonnement, tu dois partager dans le chat en fait, c'est pour ça, voilà, c'est pas un hack, hein. MDR, ben merci, maintenant je peux te dire merci du coup pour le resub, hein. Avec le 8e mois d'abonnement, on va fêter les 1 an bientôt, c'est cool ça, merci, je te le rends très bientôt, vu que ça va arriver très bientôt, on croirait la naine dans les vidéos de Ludovic, de ouf, putain, mais oui, la même tronche en plus, mais non, le même sel. Elle attendait à ce que ce soit l'effusion de sentiments de complicité, alors qu'ils se regardent comme deux canards. Ouais. 1 an ici, mais j'avais déjà 1 an sur l'autre compte, je crois. Oui, bah oui. Mais du coup, on sait pas où il est. D'ailleurs, ton autre compte, il me frustre. Hein. Ton autre compte est fondateur, hein. Claim. Du coup. Et pas celui-là. RIP. Mais ouais, non, mais elle est chelou. Hein. Et t'as vu, c'est toi qui as démarré la barre, du coup. Hein. Ah, vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a un nouveau sub-goal. Hein. Il y a un nouveau sub-goal vu que le dernier a été atteint. Le nouveau sub-goal. Je vous annonce que le sub-goal précédent sera fait mardi prochain lors du live track challenge. Hein. Il y aura 3 jeux à gagner par heure. Voilà. Donc je ferai gagner un jeu d'entrée hein, sur le stream. Je ferai gagner un jeu pendant le challenge. J'ai bien dit pendant le challenge, un tirage au sort. Et j'en ferai gagner un autre pendant les écoutes. Voilà comment ça va se passer. Masterclass, ça ralasse de partout. Le sub-goal est insanement drôle. Ouais, bah ouais. Je vais sauter le pas enfin, parce que ça fait un moment que je veux le faire, ça. Je me suis mis dans la tête, j'aimerais bien tester être blond un jour, tu vois. Et ça va arriver, hein, de toute façon, au bout d'un moment. Même si vous ne tryhardez pas le sub-goal, comme j'ai dit, ça va arriver. Hein. Voilà. C'est quoi les jeux? Je sais pas encore. On va y réfléchir ensemble, si tu veux. Bref, continuons avec la meuf chelou, là. Allez, c'est parti. Merde, j'ai disparu. Déçu parce qu'il n'avait aucun sujet de conversation. Bah t'en avais pas plus, meuf. Que virtuellement, en fait. Ah bah toi aussi, hein. C'est deux âmes différentes. Ah ouais, d'accord, donc c'est de sa faute maintenant. C'est de sa faute. Oh putain, chou. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lui écrire ou quoi? Ouais, c'est ça, elle lui écrit. Je tiens tout d'abord à m'excuser sincèrement. Je comprends que tu es stressé, mais j'ai une personne en face de moi que je ne reconnais absolument pas. Tu n'as parlé de rien et ça m'a complètement bloqué. Donc je préfère partir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est d'un naze. Ça devait pas se passer comme ça, quoi.
peux me donner genre tes deux plugins hack de compo? J'ai pas plus de mots en fait, quoi. Je comprends pas. Je veux la recontacter, ça c'est une certitude, c'est une obligation, c'est pas une option. Ce que j'espère, c'est simplement de pouvoir échanger. Et là, ils se croisent dans le couloir, t'imagines la gênance? Ils se croisent dans le couloir. Voilà, je voulais lui faire voir mon côté ravagé, mon côté fofolle. Son comportement m'a complètement bloqué. C'est la première fois que je suis comme ça d'un homme, en fait. C'est horrible. Ouais, t'es chelou quand même. Mais c'est horrible ce sentiment de penser. Alors, je vais pas dire connaître parce qu'on connaît jamais assez bien les gens. Mais de se dire, ah bah il est comme ça, il va se passer ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'au final, non. Au final, tu tombes dans le fossé, quoi. Alors, Laetitia a-t-elle laissé une deuxième chance à Hakim? A-t-il réussi à la reconquérir? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était gênant. Mais là, c'est la rencontre la plus gênante qu'on ait jamais vue. On retrouve Nathan. A détraqué. Il y a 3 ans, il est tombé sous le charme d'Imogen, une Australienne de 19 ans. Imogen. Sans réussir à lui avouer ce prénom, ça me bait. Lors de leur première rencontre en vrai... Oh la jupe, elle me bait encore plus la jupe. Il lui a déclaré ce qu'il éprouvait pour elle. Je suis baité là. Avant de lui proposer de poursuivre ensemble le week-end au château, laissant Imogen sans voix. Alors, le coup de cœur de Nathan est-il réciproque? Ou Imogen ne voit-elle en lui qu'un simple ami? Le temps semble s'éterniser. J'ai peur qu'elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Et j'espère que je suis plus qu'un ami pour elle, parce que je la kiffe bien. Donc ce serait dommage qu'on passe à côté de quelque chose de peut-être magnifique. Ouais, c'est trop chelou cette histoire. Hello there. Hi. Again. And give me your jacket. You can sit down if you want. Thank you. Oh, la jupe me paye de fou. So, I told you about, my feelings. Mm-hmm. What about you? What do you think? What do I think? Yeah. Oh, mon cœur bat très vite. J'en pense que je suis ton ami. De plus en plus. Voilà, est-ce que, comme dans Toy Story. C'est bien pour elle. Je suis ton ami. Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, je sais pas ce qui va se passer. I might have a teeny tiny crush on petit you. Fils de pute. Ouais, un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wow. Ça explose dans ma tête. Je crois que le sondage, j'ai la réponse. Bah non, mais y a personne qui joue, je l'ai pas fait. Incroyable, je le savais déjà et j'ai hâte de voir où cette aventure nous mènera. Bon bah Mordane a pécho. Les gars, croyez en vos rêves, franchement, même la plus belle fille à l'autre bout du monde, vous la rencontrez peut-être un jour et finira toujours bien. Ouais, ouais, bah alors les clichés, tu les gardes pour toi, s'il te plaît. Ouais, elle a envie de baiser. Hein. Elle a clairement envie de baiser quand même. T'as peut-être raison, je sais plus qui c'est qui avait dit, je crois que c'est Seti. I had a crush on Nathan when I was 17. I never told them about my crush. Just in case the feelings aren't reciprocated. Ouais, envie de baiser. It was almost like something switched. I went from thinking, oh, this is my friend Nathan, to, oh, this is Nathan. Ouais, ça doit être une vraie coquine. Ah ouais, drapeau hissé. Ouais. Le mec, il va assister. Il va pas rester assis. Ah, il va pas se lever avant une heure. Ouais. Reminiscing on the past. Ouais. Just brought back all of my old feelings and my old crush to the surface, seeing him in person. Ouais, t'inquiète. Depuis leur week-end au château, la distance a malheureusement eu raison de la relation entre Nathan et Imogen. Oh, ça c'est logique. Pas de leur belle amitié. Ça c'est logique. Avec Imogen sur Paris, on a passé quelques jours là-bas. Tous les deux décidés en fait de pas continuer. Tout se passe bien et on est toujours en contact. I still love him dearly, but just friends. Malheureusement pour Hakim. Je l'aime toujours, mais c'est juste un pote. Allez, hop, allez, c'est bon, finito. Oh putain. Après leur rendez-vous catastrophe, Laetitia a refusé de le revoir. On s'est expliqué par la suite, mais... Il a fait une giga disquette, il l'a pécho, donc nice, ouais. On a plus de contact. J'espère pour lui qu'il a rencontré quelqu'un ou qu'il rencontrera quelqu'un et qu'il sera très heureux. Toi, t'es chelou, toi. Pour ma part, je suis très épanouie, tout se passe très très bien. Il y a eu un blocage, c'est vrai. Dans tous les cas, moi, je souhaite une chose, c'est son bonheur.
et je lui fais un gros bisou. Quant à Imen et Melvin, ils n'ont pas totalement coupé les ponts. Si une relation amoureuse avec un séducteur comme lui semble hors de question, la jeune femme n'a pas voulu tirer un trait sur leur belle complicité virtuelle. On a décidé de rester potes, on a eu une discussion à Dubaï. Le soir même, on a été dîner. Et autour de ce dîner, on s'est mis d'accord pour rester potes. Oh, c'est Dubaï, ça. Parce que malheureusement, ce n'était pas la personne que j'avais eu au téléphone. Mais bon, c'est pas grave. Au final, oh là là, c'est une meuf de télé-réalité, ça. Le fond Dubaï, ouais. C'est de jour en jour que j'ai gagné une vraie amie. Et lui, il est à Paris. À bientôt, oh non, pour de nouvelles histoires. Oh, le cliché. Oh putain, c'est des gens de télé-réalité, c'est bon, allez. Oh là là, le fond Tour Eiffel. Non mais faut doser de fou, hein. De nouvelles rencontres virtuelles. Oui, la semaine prochaine, on s'en fout. On le verra la semaine prochaine, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Oh putain. Le fond Tour Eiffel. Ah ouais, non mais le fond Dubaï. On a fumé, là, le fond Dubaï. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi le méga truc avec le bureau, du coup, là? J'ai pas compris, hein. J'attendais un méga truc qui s'est rien passé. J'ai juste vu deux jeunes baisers, hein, deux jeunes pré-baisés, pardon. Ah, c'est là, ça ralasse partout. Subgoal est insane, mon drôle. C'est quoi les jeux? Et détaquer cette meuf, merci. Comme ça, son regard d'affamé. Parce que j'ai pas lu le chat en même temps, hein, exprès, parce que j'ai peur que vous me spoiliez là. J'ai fait un truc hier, mais j'arrive pas à le faire partir, MDR. Revenons à la plantasse. Sondage, friendzone, moi je dis sondage. Hop, le sondage, hein, Gérard Rep. Ah, il a fait le 90-10. Le mec, il va rester assis, il va pas se lever en une heure. Un mordant gros baiser. Après, c'est... Bref, il a fait une giga discrète. Ouais, ok. Alors, le pointeur. Moi aussi, j'ai parlé à une meuf à côté de l'Australie. Ça n'a pas fini comme ça, malheureusement. Ouais, ouais. Apparemment, c'est les intellectuels qui arrivent. Le fond de Dubaï, tout ça. Nanana. Je vais te prendre sur le bureau, comme ça, je prends mon devoir de maths. Ah, là, pour la disquette. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Moi, je croyais qu'il allait vraiment avoir un cassage de bureau ou quelque chose du style, tu vois. Ah, c'est tout. Juste pour la disquette, je vais te prendre sur le bureau. T'es mon devoir de maths. Genre, il a pécho comme ça. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ok. Pourquoi pas. D'accord, c'est tout. Mais c'est naze, en fait. Hein. Vous m'avez vendu du rêve. Hein. Vous m'avez vendu du rêve avec cette histoire d'Australienne, là. Par contre, elle était giga bonne. Hein. Je suis désolé, chérie, mais elle était giga bonne. Hein. C'est bien la seule meuf que j'ai trouvée giga bonne dans tout le lot, hein. Jusque là. Oh putain. Ah, il a dû bien s'éclater le coquin. Ah, Mordan, hein. On ira le voir, hein. On lui dira alors l'Australienne. Pop censure. L'Australienne. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour ce matin. Je vous donne rendez-vous prochain stream ce soir pour les Kono Games, bande de fraude. Voilà. On y va, de retour pour les Kono Games, où c'est ouvert à tout le monde, vous avez les règles dans le chat, si jamais vous êtes intéressé de passer une tête, et de jouer même, hein, tout simplement. Voilà. Qui c'est qu'on va... On va raid quelqu'un. Allez, attendez, on va raid quelqu'un qu'on n'a jamais raid. Je vais aller en Just Chatting. Hop. On va aller raid quelqu'un qu'on n'a jamais raid. J'ai envie d'une glace, super, une heure de Lego, stream en pause. Apprendre le japonais, c'est peut-être la dernière. Trouver ses premiers clients, pas si facile. Chill out. Pas du taf, mais trop la flemme. On se motive ensemble. Ouais. Libre chaton. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne journée. Ça va être drôle. Ah, attendez, j'essaye de chercher quelqu'un. Je cherche les bugs dans le jeu. Super. Salut les gens qui dorment pas la nuit. Super. On commence 2000. Bien commencé 2003, suivi de balance ta combe spéciale, je sais pas quoi. Y'a pas quelqu'un qui fait du react, tiens. Dommage. Je vais lancer Apex ou Rocket. Ah bah, bonne game alors. Bah tiens, si tu veux gagner des points, Seti, faut rester pour faire le raid, hein. Vu qu'on tryhard les 100 000 points. Faut rester sur le raid, tu vas en gagner des points. Y'a personne qui fait du react, ça me frustre. Attendez, qu'est-ce qu'elle va faire du react, elle? Make-up, oh là là. Une discussion beauté et art corporel. Art corporel, ça peut vous intéresser? Je sais pas.
Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont enfin là. Jusqu'au 16 février. On peut peut-être le faire de la visibilité. De quoi ? En vrai, raid les gros gens en réact, ça peut faire de la visibilité. Non, bah moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de raid plutôt les gens qui ont pas de visibilité. C'est ça qui est intéressant pour moi. Et surtout pour ceux qui vont être raid. Hein. Parce que les autres, enfin, c'est pas qu'ils en ont pas besoin, mais bon. C'est un peu intéressant quoi. Je sais pas. Vous voulez que je raid quelqu'un qui fait du react à un gros streamer? Attendez, je vais aller chercher ça. Allez, on va raid Samuel Etienne. Oh bordel. Outre propre. Quoi? On monte le nouveau bureau. Je vais trouver quelqu'un, hein, vous inquiétez pas. Oh putain, il y a ma grosse gueule là. Dans ma première interview avec Monsieur Ever de Monsieur Pro. Ah bah il y a Combini Stream. Combini font des streams maintenant. Et il va falloir que je mette un micro à Monsieur Pof. Alors attends. Hop, j'en prie. Combini Stream. Ah bah vous savez quoi, on va aller chez Combini. Allez hop. C'est parti. Allez, let's go. Lancer un raid chez Combini. Bon, ça peut vous intéresser, je sais pas. Allez, let's go. Bon bah merci à tous d'avoir été là ce matin. On se donne rendez-vous ce soir, je le rappelle, pour les Kono Games. Et puis voilà quoi. Combini Stream n'accepte pas les raids. C'est quoi ces fils de pute là? Sans déconner, y a des gens qui refusent les raids. Waouh, la grosse tête de con. Bon, en même temps c'est Combini, je peux comprendre. Ah ouais. Mais on est où? On est sur Twitch, hein. C'est le principe de la plateforme. Ah bah qu'ils aillent bien se faire foutre. Hein. Mais non! Revue de presse et gaming. Ah, bah mec, tu fais une revue de presse en même temps que Samuel Etienne, ça c'est un peu chaud quand même. Hein. Wouah, ils acceptent pas les raids, sans déconner. On écoute des repentis de la pub. Bon, je trouve personne, hein. Sans déconner, je trouve personne. Bon, vas-y, ça me saoule. Allez, je vais code comme ça. De toute façon, tout le monde est en train de se barrer. Allez, les amis, bon appétit à ce soir, je l'espère, pour toute l'intégralité d'entre vous. Bon après-midi, des bisous, ciao !